So can I call your name? You will come forth. I shall place the sorting hat on your head, and you will be sorted into your houses. You're going to take someone's eye out. It's Leviosa. Pierre Totem Locomotor! Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour la longue attente entre guillemets, parce qu'en fait j'ai mon stream deck qui est un peu cassé aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end. Je suis très très heureux de vous retrouver enfin après 3 jours sans pouvoir streamer. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Moi je suis exténué, j'ai dormi 4 heures cette nuit. Mais je suis au taquet on fire pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé ce week-end lors de la TwitchCon, puisque je suis parti à la TwitchCon à Amsterdam. Donc en plus vous pouvez voir ce magnifique t-shirt dont je suis extrêmement fier. Attendez, vous savez quoi, je vais un petit peu baisser la caméra. Là, ce stream là, vous allez voir qu'on va pas trop faire de Sims, on va en faire un petit peu, mais on va surtout discuter. Voilà, je vais vous faire, c'est pour ça qu'on est en just chatting normalement, si je dis pas de bêtises, je me suis mis en just chatting. Voilà, on fera du Sims en seconde partie de stream, mais là on va discuter un petit peu tout ce qui s'est passé, etc., qui j'ai rencontré, mes péripéties. Merci Héloïse pour le resub, merci beaucoup pour ton 9e mois d'abonnement, merci beaucoup, merci, j'espère que vous allez tous bien. Je vais déjà vous dire bonjour en vrai parce que je blablate, mais vous n'avez toujours pas dit bonjour. Oh merci Poppy pour le follow, merci beaucoup Poppy là, n'hésitez pas à aller follow. Alors attendez, merci. D'ailleurs coucou, attendez, je viens vous dire bonjour dans l'ordre et j'arrive tout de suite. Coucou Shiyoko, coucou Olive, coucou Camille, coucou Nota, coucou Johanna, coucou Atanaïs, coucou Gaïa, coucou Jasmine, coucou Sarah, coucou Isokay, coucou Wolfie et merci Légion pour ton resub, merci beaucoup. Merci. Coucou Tapillard également, coucou Sarah, coucou Olive, coucou Manu, coucou Tamriri, coucou Chirox, coucou... je me suis perdu, ça fait 3 jours que j'ai pas streamé, je sais plus comment on fait. Coucou Légion également, coucou Héloïse, coucou Isanora également, coucou Lina après. Et du coup, le labo de Twifik, comment vas-tu? Comment ça va? Coucou tout le monde. Et Poppy, mais oui. D'ailleurs, maintenant je vais le faire un petit peu. Hop, on va faire ça tout de suite avant que je puisse oublier. Hop, attendez, juste parce que Mister C streamer en carton, vous êtes habitué avec moi. Hop, voilà, on va faire ça, on va également faire ceci. Voilà, les petits copains de... parce que voilà, par exemple, le... Alors, Tofik, tu veux que je t'appelle comment? Juste Tofik, je pense que ce sera plus simple. Qui était également à la TwitchCon, donc voilà, c'était trop stylé. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. On va se faire un haul, vous allez voir, c'est très très drôle. Hop, déjà, on va faire ça. Et c'est pas mal, Twifix, c'est top, voilà. Et coucou Isokay, première fois que je viens en dehors de TikTok. Et oui. Alors d'ailleurs, en ce moment, il n'y aura plus de live TikTok. Voilà, parce que j'ai discuté avec quelqu'un de Twitch. Et que du coup, les lives TikTok, en ce moment, il faut faire un petit peu attention. Donc voilà, donc pour l'instant, j'arrête de faire les lives TikTok. Ne vous inquiétez pas, je continue les TikTok, mais les lives en même temps que les streams, pour l'instant, c'est suspendu. Et coucou Edwige, comment vas-tu? Le week-end s'est bien passé. Oui, le live s'est extrêmement bien passé. Et merci Alexia pour le resub, merci beaucoup. Merci. Et du
coup, vous déclenchez... Non, mais vous déclenchez le train de la hype, les gens. Vous déclenchez le train de la hype. Sachez que, d'ailleurs, vous allez pouvoir le constater. Il y a des nouveaux emotes. Il y a des nouveaux emotes, normalement, dans le tier 1, dans le tier 2, et maintenant dans le tier 3. Et j'ai mis des nouveaux emotes un petit peu partout. Vous êtes rincés niveau emotes. J'en ai eu plein de nouveaux. Donc, voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Et je vais faire ça tout de suite. Attendez, faut que je mette de la petite musique du train de la hype. Et en fait, mon stream deck ne marche plus. Du coup, c'est très très chiant. Parce que je dois tout faire à la main. J'ai l'impression de retourner à mes débuts de stream. Je n'ai plus le stream deck marche plus. Je sais pas pourquoi. Il s'est déconnecté. Je m'en suis rendu compte au moment où j'ai lancé le stream. Donc, du coup, la musique blabla, on la coupe. Mais on met celle-ci. Voilà, la petite musique du train de la hype. Et vous savez quand il y a le train de la hype, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand il y a le train de la hype, les gens? Vous savez que derrière, ça change. Vous le savez, vous le savez. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver? Et voilà. Regardez-moi ça. Est-ce que ça vous avait pas manqué? Voilà. Et oui, vous avez plein de nouveaux emotes. Du coup, normalement, pour le tier 1, vous avez des nouveaux emotes, donc de Ronflex. Pour le tier 2, si je dis pas de bêtises, vous avez les Harry Potter. Et pour le tier 3, vous avez notamment la plante vache et le Wouhou des Sims 4. Donc voilà, donc j'ai voulu vous mettre des nouveaux emotes pour différents tiers. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse. En plus de ça, c'est le train de live, donc si jamais ça vous intéresse. À savoir en plus que je vous mets un petit truc. Sachez que pour ceux qui feront des subs de niveau 3, je vais vous proposer de, en fait, vous puissiez me faire passer commande pour que je puisse vous faire des maisons dans les Sims 4. Voilà, c'est un petit peu le cadeau. Je sais que les subs de tier 3, il n'y en a pas tant que ça. Donc là, pour l'instant, je ne fais que Shioko qui est actuellement en sub 3. Donc sachez que si jamais vous prenez un sub 3 à la chaîne, vous aurez de ma part une construction que vous souhaiterez. Donc on pourra juste me donner un petit débrief et je vous construirai une maison pour votre jeu. Donc voilà. Les sons d'alerte sont cassés, j'ai voulu mettre un écran noir. Comment ça, le son d'alerte est cassé? Non, ah bon, c'est bon. Et merci, je te pour ton abonnement, pour le sub offert, pardon, au labo de Toufik. Merci beaucoup, merci. Et j'ai envie de mettre les applaudissements. Ça, le stream deck fonctionne. Donc voilà, sachez que du coup pour le niveau 2, je vous ai mis plein de nouveaux emotes, enfin plein 5, techniquement. Et donc voilà. Hop. Hop, dommage pour la bouche. Bah, non, mais il n'y a pas de soucis, vous inquiétez pas. Hein. Il gâte fort pour ses sabres, vous avez vu? Vous avez vu? Ça, c'est l'effet Twitch. Ça, c'est l'effet TwitchCon. J'ai appris pas mal de petites choses et tout. Puis en fait, c'est vrai qu'il fallait que je les mette un petit peu en avant. Donc si ça peut vous aider, vous. Il se passe trop de choses! Merci beaucoup. Attendez, alors coucou Souva, comment tu vas? Coucou Edwige également, j'espère que tu vas bien. Merci pour les 200 bits. Ça explose de partout. Attendez. Parce que là, moi, je suis dans la perturbation, là. Merci Kaya pour les 100 bits. Merci du coup Soupa pour les 5 sub-bits. Merci pour Jordan, pour Nota, pour Yumitsu et pour Loubouchou. Merci beaucoup. Merci. Ça fait super plaisir. Oh là là. Et merci Lumi pour ton resub. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, attendez, parce que j'oublie de faire des choses là, mais c'est pas bien. Hop, comment tu vas Soupa? Attendez, faut que je mette les gens en VIP. Il se passe trop de choses dans ce stream déjà. Hop. Voilà. On va faire ça. On va également mettre en VIP, bien entendu, la copine Nota, avec qui j'étais pendant une grande partie de la TwitchCon. Je suis perdu, je sais plus ce qui se passe. Attendez, je me trompe pas. Mais t'as un petit. Je suis trop content. Bah oui. Ça va super bien, K.O. Mais trop bien. Mais pareil, je suis K.O. Je n'ai rien dormi. J'ai dormi même pas 4 heures cette nuit. Pas trop fatigué. Coucou Alexia, si je suis ultra fatigué. Je suis méga fatigué. Mais je suis au taquet pour pouvoir streamer avec vous. Parce que vraiment, ça me fait plaisir de vous revoir. Vous m'avez manqué. Et je vais vous raconter tellement de choses qui s'est passé à la TwitchCon. Je vous ai montré des trucs quand j'étais. En story Instagram, enfin en story Insta. Mais sachez que je vous ai pas tout raconté. Parce qu'il m'est arrivé des trucs, mais genre incroyables. C'est le haut que Twitch t'a offert. Oui, alors ça, c'est par exemple, c'est le t-shirt que Twitch France. Que Twitch m'a offert. Donc le petit Twitch partenaire. Hop. Et merci Wolfie pour les 100 bits. J'espère que je n'ai oublié personne pour l'instant pour le train de la hype. Merci beaucoup.
Donc voilà, donc dans le petit t-shirt incroyable avec écrit Amsterdam ici sur le côté, je sais pas si vous allez voir. Hop. Voilà, enfin, j'adore ce t-shirt. Thanks pour le VIP, mais oui, mais bien sûr, tous les gens qui étaient avec moi au, comment s'appelle, au, à la TwitchCon, ce sera du VIP, bien entendu, bien entendu, bien entendu. Alors, attendez, hop, je suis un peu décalé le micro. Je suis pas très habitué à être comme ça. Voilà, ça devrait être mieux. Merci pour le VIP, mais de rien, de rien, de rien, de rien. Et coucou Callisto, comment vas-tu? Coucou Mathilde également, j'espère que ça va bien. On commence tout trip sur les chapeaux de roue. Et salut tout le monde, coucou Guillaume, comment tu vas? Alors la TwitchCon, j'ai vu que tu avais un set des galères bien arrivé à bon port. Je suis arrivé cette nuit, il devait être 1h30 je crois, à peu près, ou 1h45, le temps que je mange, que j'aille me coucher, enfin bref, tout un micmac. Tu as rencontré des abonnés lors de l'ouverture publique? Du tout, Sarah. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des viewers francophones qui sont venus à la TwitchCon, c'est quand même relativement loin, et que les billets étaient quand même relativement chers. Donc je peux totalement comprendre qu'il n'y avait pas spécialement de followers. En revanche, je me suis fait reconnaître par une personne, et alors là, c'est lunaire. Je me suis fait reconnaître. Est-ce que vous vous souvenez du jour, ça je ne vous l'ai pas dit en courrier Insta, est-ce que vous vous souvenez du jour où je suis passé partenaire? Le jour où je suis passé partenaire, l'équipe de Twitch France est passée sur mon stream pour m'annoncer en direct que j'étais partenaire. Et bah dites-vous que pendant la soirée partenaire vendredi soir, quelqu'un me tape sur l'épaule et me dit « Mister C » et je demande genre « Quelqu'un me reconnaît à la soirée partenaire, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ?» Et voilà, je suis persuadé, en tant que partenaire, je suis tout petit, voilà. Et genre, elle me dit coucou, moi je suis du staff Twitch et tout. Et coucou Nathalie, merci à toi pour ton resub, merci pour ton Prime Gaming, merci beaucoup. Ton quatrième mois d'abonnement, merci beaucoup, merci, merci, merci. Et en fait, du coup, elle me dit, mais en fait, je fais partie de l'équipe du staff Twitch France. Et c'est moi qui ai analysé ta chaîne les deux premières semaines avant qu'on te fasse passer partenaire. Pour en fait analyser ta chaîne et savoir si, quand est-ce que tu streamais et tout. Pour pouvoir pour qu'on puisse passer tout simplement sur tes streams pour te le souhaiter en plein direct. Et elle a dit que ma réaction, elle était épique, elle était très très drôle. Et qu'en fait, ça arrivait souvent que... et ben voilà, que ça arrive souvent que en fait, les gens veuillent les ban. Sound alert offline. Ah, attends, je vais regarder ça. Il faut peut-être que je me reconnecte. Ah oui, c'est ça. Attends, je me reconnecte. Hop. Voilà. Et donc voilà, donc quand elle m'a annoncé ça, moi j'étais sur le cul. J'étais sur le cul parce que genre, j'étais en mode, mais genre. Et bah, c'est possible. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Slash dashboard, attendez. Hop. Page non found. Attendez, j'y ai plus accès. Ah voilà. Voilà, ça devrait apparaître d'ici quelques secondes, slash minutes. Et merci Weka pour les riches, merci pour ton 11e mois d'abonnement. Mais oui, bientôt 12 mois. Merci, merci, merci. Hop. Et puis les pauvres, ils sont tombés sur les modos qui bannent Gigabit. Alors en fait, voilà. Et en fait, elle me disait que c'est arrivé très très souvent et tout. Et du coup, merci pour ce train de la hype au niveau 3. Merci beaucoup. J'ai hésité. Hop. Voilà. Le petit train de la hype. Donc merci beaucoup. On va stopper cette musique qui est un petit peu comme qui tape un peu sur le système. Voilà. Et on va repartir sur la musique classique comme d'habitude. Je m'en viens solo, mais voilà, évidemment, on repart sur de la musique un peu plus chill. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce train live. Je n'ai pas vu combien il y a eu, parce que du coup, c'est apparu beaucoup trop. Mais donc, voilà. Donc, alors, attendez, j'ai regardé des messages perso. Je veux juste dire que j'ai binge-watché The Boys. Et du coup, j'étais jalouse. Il y avait plein de trucs de The Boys. Attends, tu veux un truc t'es trop jalouse? Attends. Faut que j'arrive à trouver dans mon bordel. Je suis officiellement un employé de chez Vogue Company, qui est littéralement la société qui embauche les super-héros dans la série The Boys. Voilà. Et ça, c'était incroyable, parce que du coup, ils nous ont fait passer un faux entretien d'embauche. La meuf qui nous l'a fait passer, c'était trop trop drôle. Elle était ultra condescendante et tout. Et voilà, franchement, c'était vraiment trop trop stylé. Et coucou, Vendifida, comment tu vas? Mais oui, je suis de retour. Alors, j'ai bien failli ne pas pouvoir arriver, puisque vous savez que j'ai eu pas mal de soucis avec mes transports en commun. Mais, commençons par le commencement. La fameuse soirée partenaire. La soirée partenaire, en vrai, c'était très très cool. J'avais un petit peu peur, parce que du coup, bah moi, comme j'allais à la soirée partenaire, je connaissais
bah, quasiment personne en fait, mis à part Sullivan que je connaissais mais qui est arrivé un petit peu en retard. Et pour le coup, j'avais un petit peu peur, je connais personne. Et au final, il s'avère qu'on s'est tous retrouvés, nous, alors, je parle en tant que partenaire, mais il y a aussi des affiliés qui ont fait leur soirée et tout. Bah, franchement, merci beaucoup Héloïse pour les invites, merci beaucoup, merci, merci, merci. Et en fait, la communauté francophone, on s'est créé un groupe Twitter, donc on est 75 dedans. Comme ça, on savait qui était où, qui pouvait se regrouper avec qui. Du coup, ça a fait des petits groupes et tout, c'était super convivial. On s'est tous retrouvés à différents endroits, dans les bars et tout. Donc en vrai, c'était incroyable. La soirée partenaire, trop stylée. J'ai pu rencontrer pas mal de gens. J'ai rencontré Ultia, j'ai rencontré... Alors Ponce, j'ai rencontré que le lendemain, mais j'avais vu Ponce. J'ai rencontré... j'ai vu Jill, j'ai vu Jenna également. Alors je ne lui ai pas demandé de photos, ça a été assez occupé. Mais voilà, j'ai vu pas mal de beau monde. J'ai aussi vu pas mal de beau monde que je connaissais pas trop, donc j'ai pas trop osé les interpeller. Mais voilà, 13 abonnements et 400 bits. Merci beaucoup, Eka. Mais et coucou, Jordan. Mais voilà, en tout cas, et oui, Sunsup, bien sûr, Sunsup, j'ai discuté pendant une bonne demi-heure avec Sunsup à un moment donné au lounge partenaire. Mais voilà, alors attendez, je vais juste baisser l'éclairage qui est derrière. Il est un petit peu vénère, sa mère. Et donc voilà, donc en vrai, non, le petit truc partenaire, c'est très très cool. C'était un petit apéro dînatoire, entre guillemets. On a discuté avec pas mal de gens et tout. Après, une fois qu'on a terminé cette petite soirée où du coup, j'ai rencontré des gens de Twitch et tout, donc c'était très très cool. Ils m'ont donné des petites astuces, des petits machins, des trucs s'il fallait faire, pas faire et tout. Tout ça, c'est très très cool. Il y avait pas Enjoy Phoenix aussi où j'ai rêvé. Je l'ai pas vu et il me semble pas. Non, il y avait Shakam. Alors peut-être, alors je sais pas s'il a peut-être confondu. Il y a un léger air de ressemblance. Bah en tout cas, je sais pas si c'est l'idée, mais je pense pas. Pour les centres d'alerte, du coup, ils me disent que c'est offline. Bah, pourtant, je l'ai activé. Attendez, si je réactualise. Your sound alert. Je suis désolé, c'est tout cassé. Vous voulez du code Yoko? Attendez, je vous le mets. Hein. Ah, attendez, peut-être que si je le mets à la main, ça va peut-être redéclencher le truc. Code Yoko. Bah, alors le jeu. Là, play. Hop. Bah, mais le online, bah, il est tout cassé. Ah, bah, en fait, c'est cassé. En effet. Mais oui. Ok, je le mets. Je sais pas si vous allez entendre. Ouh, c'est super fort. Je baisse le son. C'est super fort. C'est orange, toi, maintenant. Comment ça, je suis orange? Ah, ok. Attendez, je sais pas. Mais non. Non, violet. Je vois. Ça m'a été trop dur de se lever ce matin. Alors, en vrai, si, hein, ça a été super dur. J'ai pas beaucoup dormi. Mais voilà, généralement vous entendez la musique de Code Yoko, voilà. Et n'hésitez pas à mettre les petits Pikachu qui dansent. N'hésitez pas. Mais non, j'ai du bête, mais c'est ça. Donc voilà, donc comme je vous disais, voilà, la soirée était vraiment très cool. Après, on a fait un petit bar et tout. Il y en a qui galéraient aujourd'hui. Ouais, bah apparemment, en fait, nous, on est parti hier avec pas mal de streamers qui sont partis hier. Et heureusement, vrai qu'on est parti hier parce que apparemment aujourd'hui c'était une catastrophe. Déjà, moi, à partir de personnel, j'ai galéré, mais moi, j'ai galéré sur Paris. Les autres ont galéré directement là-bas et c'était relativement compliqué pour eux. Mais donc voilà. Alors visiblement, ouais, les sons d'alerte sont cassés ce soir. Mais du coup, est-ce que t'as l'aine pour la SNCB plus que... En vrai, ceux qui kiffent maintenant. Mais hey, coucou Toldi, comment tu vas? Mais voilà, alors du coup, je vous explique un petit peu. Une fois que, bah du coup, alors ça c'était la soirée partenaire. Un petit peu avant, il fallait que j'aille récupérer mon badge. Donc déjà là, j'ai vu du coup pour la première fois, entre guillemets, IRL Nota. Nota Blueta, du coup, qui est une stream Sims également. Donc c'était vraiment très très cool. Et puis voilà, on a discuté et tout. Après, j'ai été poser mes affaires dans l'hôtel. L'hôtel qui avait un mur d'escalier. Je sais pas si vous souvenez, je vous ai montré. Dans les stories, d'ailleurs n'hésitez pas, toutes les stories Instagram que j'ai faites sont à la une de mon Instagram, donc sachez que si vous n'avez pas vu mes stories, c'est pas grave, vous allez sur mon compte et dans, à la une, vous cliquez sur le petit logo de la TwitchCon et hop, ça va tout vous remettre et vous n'aurez rien perdu. Et merci Waika pour tes 225 bits, merci beaucoup, merci, ça fait super plaisir, merci à toi, merci. Hop, voilà. Les pièges à touristes, les escaliers. Franchement, les escaliers de la mort. Mais en vrai, après, c'était très cool. En fait, la TwitchCon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, globalement, en fait, c'est vraiment la convention pour les streamers, mais pas que, c'est aussi pour leur communauté. Donc, en fait, il n'y avait pas que des partenaires, il y avait des partenaires, des affiliés. Il y avait aussi de la communauté, donc c'est-à-dire des viewers. Et en vrai, c'était vraiment très, très cool. C'est vraiment une convention qui, pour le coup, tu as des conférences pour améliorer ta chaîne, etc. Bien sûr, tu as la boutique, la Loot Cave. Et autant vous dire que si la chaise est ici, c'est parce que j'ai craqué mon slibar et j'ai des choses pour vous.
Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Ça va être un petit haul. Je vais enlever mon casque, je sais pas pourquoi je fais ça, parce que j'entends pas de musique dedans. C'est plus gros que la PGW. Je suis jamais à la PGW, donc je sais pas du tout. Je sais pas s'il y a des gens qui... bah d'ailleurs, dans les copains là qui ont été à la TwitchCon, si eux sont déjà allés également à la PGW, s'ils peuvent répondre à la question ou pas. Parce que moi, pour le coup, je suis jamais allé. En vrai, c'était grand, mais ça allait. C'était pas ultra ultra grand. On n'était pas les uns sur les autres. Les espaces étaient très bien délimités. C'était assez large. On n'était pas comme à la Japan Expo où il fait super chaud, où t'es comme ça, comme pas possible, à être écrasé par le monde. Non, en vrai, ça pour le coup, c'était vraiment. Voilà. Il y avait du monde, mais ça allait. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que en fait, tout le monde avait bah, du coup notre petit badge. Donc, le petit badge qui était ici. Ça, c'est le petit badge, en fait, voilà, qui te donne accès bah, à la convention. Donc, bah, moi, du coup, j'étais partenaire, du coup, j'étais bleu. Donc, j'avais accès à certaines choses. J'avais accès notamment, bah, j'avais un coupe-fil. Enfin, un coupe-fil. En gros, à l'entrée, j'avais une file d'attente qui était bah, largement restreinte par rapport à tous les affiliés. Parce qu'il y avait énormément d'affiliés. J'avais aussi le droit, bah, du coup, à ce fameux t-shirt gratuit, du coup, qui m'avait été offert. Et dites-vous que, vu le prix des t-shirts, voilà, hein, parce que je vais vous montrer, les t-shirts, ça coûte cher. Donc voilà, ils nous ont offert ce t-shirt là pour les partenaires. Et puis on avait un lounge partenaire. Et là c'était cool, c'est pour se poser. On avait boisson et nourriture à volonté pour nous. Et ça pour le coup en vrai c'était très très cool. Et oui Weka, du coup tu as le badge des 5K. Merci beaucoup. Mais merci, attends, petits applaudissements. Petits applaudissements. Attends, je reviens voir mon attends, je reviens. Mon sel est mort. Ah mince, ah mince, 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 mince. Je fais avec ça, la file à l'extérieur était énorme. Mais oui, la file à l'extérieur était énorme hein. Mais ça pour le coup, ouais. L'escalier de la mort, ouais, bah sinon, ouais. Mais franchement, mais j'ai fait me casser la gueule 2-3 fois. Hein. En vrai, la TwitchCon, si tu es pas streamer, tu as pas grand chose à voir. Oui, c'est vrai. En fait, quand t'es pas streamer, c'est sympa pour voir du coup les streamers. Mais après, on va parler après tous les ateliers, les machins, les trucs comme ça. Pour le coup, c'est peut-être un peu moins intéressant. Après, il y avait des trucs qui étaient très cool, hein, genre le stand de The Boys. Bon, en même temps, c'était Amazon Prime, donc voilà. Mais c'était vraiment trop, trop cool. La statue avec Homelander, avec les yeux là rouges. En même temps, il va tous nous tuer avec son sourire sadique. Voilà, ça c'était marrant. Mais voilà, il y avait des stands genre Riser, il y avait Streamlabs, Stream Element. Voilà. Donc en vrai, c'est plutôt cool. J'ai eu quelques petites adresses mail. Donc voilà, je suis en contact. Voilà, j'ai pris les contacts de Riser s'ils sont intéressés pour faire des trucs. Je suis en contact aussi avec Stream Element pour faire des partenariats avec certaines choses. Donc en vrai. Ça, c'est plutôt cool quand t'es streamer. Mais voilà. Mais si vous voulez, je peux... Voilà, c'est ça. Puis après, j'ai fait vraiment des rencontres incroyables, comme je vous disais. Notamment bah, ceux qui sont arrivés tout à l'heure. Je pourrais pas énumérer tout le monde, parce qu'en vrai, déjà, d'une, j'ai un problème avec les pseudos, je retiens pas. Donc j'ai beaucoup de mal, donc j'ai l'impression d'être une horrible personne. Donc j'essaye, là, depuis hier, à retenir tout le monde. J'ai les visages et tout. Mais alors, les pseudos, une fois sur deux, je me trompe du pseudo qui est qui. J'avoue, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment passé des trucs incroyables. J'ai rencontré des gens formidables. Ça, pour le coup, j'en ai pas arrêté de le dire tous en tant que l'on est. Mais en fait, ça s'est fait de manière totalement naturelle. Ça s'est pas fait en mode. Comment dire, ou calculer ou quoi que ce soit. En fait, tout de suite, comme on partage tous une même passion, ce qui est le stream, et bah pour le coup, ça s'est fait de manière totalement logique. On a discuté les streams et encore pas tant que ça au final. On discute un petit peu d'autres trucs, mais après, on a parlé de nos anecdotes, de nos vies, machin, et tout comme ça. En vrai, c'était vraiment trop trop cool. Dites-vous qu'on a quand même fait un restaurant à 27. La serveuse, j'en ai cru qu'elle allait mourir. Mais voilà, en vrai, non, on a passé vraiment un très très bon moment. On a acheté pas mal de choses, moi le premier. D'ailleurs, je vous montre juste un petit truc déjà pour commencer. Alors ça, c'était offert par Twitch. Voilà, on a eu ce magnifique sac un peu cheapos avec une magnifique gourde. Voilà, donc ça, en vrai, la gourde, elle m'a sauvé la vie littéralement hier. Pendant que j'étais en train de décéder dans le train en Belgique. Tu les écris, on t'aidera à... Oui, non, mais oui, ne vous inquiétez pas. Bug de son, il semblerait... Ah, il y a des bugs de son ? N'hésitez pas à me le dire hein, si les applaudissements sont timides. Ah bah oui, ils sont... Oui, bah oui, parce que j'ai baissé le son à cause du son d'alerte. Je croyais que c'était une enceinte. Non, c'est pas une enceinte. Ah oui, non, non, non. Hein, non. Les trucs qu'ils nous offrent, c'est des trucs un peu... Voilà, faut pas déconner. Voilà. Et coucou, petit chou, comment tu vas ? C'est bon pour moi. Ouais, oui, ok. Mon dieu, la bouffe, la vie, je ressens rage. En vrai, c'était pas mal, les petits apéros, les petits déj étaient très bons. Alors, je crois que je n'ai jamais bu autant de coca de toute ma vie quand j'étais à Amsterdam. D'ailleurs, fun fact, si vous allez à Amsterdam, sachez que tout ce que vous commandez en France, qui d'habitude n'est pas pétillant, genre l'ice tea, genre le fousti, dites-vous que là-bas, tout est pétillant. Genre l'ice tea, c'est pétillant, et le fousti aussi. Alors du coup, c'est un peu perturbant, parce que quand tu t'y attends pas, moi je me suis fait avoir 2-3 fois. Sachez également... que quand vous allez à Amsterdam un jour, si vous y allez, et que vous allez au restaurant avec des potes, sachez qu'à Amsterdam, ça ne se fait pas de diviser la note. C'est-à-dire que quand vous allez au resto, c'est une seule et même personne qui paye. Sinon, les serveurs, ils sont pas contents. Quand nous, on a été à 27,
ils avaient cru qu'il y avait une personne qui allait payer pour les 27. Et bah non. Et donc du coup, quand on leur a dit qu'on allait payer 27 différents, enfin en séparant par 27 fois, ah ils ont pas été très très... Ah la meuf au début elle nous aimait bien, puis après elle nous aimait plus trop à la fin. Mais ouais, non, bah du coup on a un peu forcé, on a dit écoute on est 27, on va pas payer, enfin il y a personne qui pouvait payer le restaurant pour 27 personnes, c'était pas possible. Mais donc voilà. Bah écoutez, je peux vous parler encore pas mal de choses sur la TwitchCon, hein, mais je vais un peu vous montrer, parce que là je vois que ça avance mine de rien. Et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté, parce que oui j'ai acheté pas mal de choses, j'ai craqué la carte bleue comme je vous l'ai dit. Je vais un petit peu baisser la caméra pour qu'en fait on puisse un peu mieux me voir sans que je sois trop loin non plus. Ah bon, quand je suis allé avec des amis ça m'a pas posé vrai. Bah nous on a fait deux réseaux et les deux fois ils nous ont sorti ça. Donc voilà. Donc, alors attendez, que je vous montre un truc un peu dans l'ordre. Alors déjà, attendez, il faut que je fasse un peu de place, parce que quand je dis que j'ai acheté, vous savez que j'ai un problème, entre guillemets, je fais de l'achat compulsif. Ouais, bah Twitch aurait dû me bannir ma carte bleue, parce que là, c'était une catastrophe. Vous étiez 27 à chaque fois, la première fois on était 6, et là on était 27. En fait, il faut savoir qu'on était en tout, sur la conversation des streamers, on était 75, et après, là pour le resto, on était 27. En fait, à chaque fois, c'était compliqué de tout se retrouver, mais après, forcément, les affinités, ça, voilà, il y avait des gens qui s'étaient plus retrouvés avec un autre groupe, etc. Donc forcément, ça, on se mélangeait en fait le soir à la fin, quand on faisait les soirées, mais généralement, les restos, chacun faisait un petit peu dans son petit groupe et tout, pareil, dans les journées, on se baladait pas en meute de 75, hein. Normalement on se met là, je pense c'était des groupes de 5 à 10, 15, 20 personnes, un grand max, puis on se baladait un petit peu partout, quoi. Et coucou Alexia, ça a été avec Dame Noxie. Dame Noxie, sachez qu'elle a attaqué Alexia, parce que Alexia a voulu la caresser, et Noxie visiblement était pas tout à fait d'accord avec ce programme là. Mais voilà, la collection est aiguë, mais voilà. Et coucou Defreu, comment tu vas? En plus, va comprendre la langue. Alors en vrai, faut savoir qu'Amsterdam, ils parlent très bien anglais. Et ils ont un bon accent anglais. Alors ça, j'étais le premier choqué, parce que j'arrivais à les comprendre. Vous savez que moi, l'anglais, voilà, je comprends très bien, mais au niveau parler, c'est compliqué. Et en vrai, j'ai eu aucun problème. Amsterdam, en plus, c'est une ville qui, pour le coup, est ultra accessible en tout ce qui est métro, tram, c'est pas cher. Genre, j'ai payé un pass pour la journée, 8,50€. Tout illimité, bus, tram, métro. Mon hôtel était dans le quartier rouge. Alors ça, c'était un peu... Voilà, le quartier rouge, c'est là où il y a les madames dans les vitrines. C'est un peu glauque, ça, je vais pas vous mentir. Mais l'hôtel était très bien situé, parce que quand je faisais des soirées et tout, du coup, j'étais à côté de mon hôtel, littéralement, donc je pouvais rentrer assez rapidement. Et en fait, j'étais aussi techniquement à côté de la TwitchCon, même si la TwitchCon était à 7 km de là. Mais en fait, je prenais le métro et en 5 minutes, j'étais littéralement à la TwitchCon. Donc, c'était comme si elle était à côté de chez moi. J'étais limite plus... J'étais là avant des gens qui avaient les hôtels, genre deux rues à côté de la TwitchCon, littéralement. Donc voilà. Heureusement c'était accessible, sinon ça aurait été... Mais oui, non mais c'est ça. Oui. Alors pour ma défense, elle qui voulait que je la caresse, j'ai exécuté au bout de 5 secondes, elle a voulu m'arracher la main en me grognant dessus. Bah oui, mais voilà. Quartier Calenté. Bah en vrai, ouais, en vrai, c'est un peu ça. C'est le quartier des bars, littéralement. Alors Twitch, me tapez pas si... Je sais pas si... Non, je vais redire ce genre de truc. Mon hôtel était littéralement entre un sex shop et... une boutique érotique. Et en France, on a ce genre de boutique. Mais ils mettent pas des trucs dans la devanture. Genre là, dans la devanture, ils mettaient pas les produits les plus simples, vous voyez, genre une petite lingerie. Non. Ils mettaient le truc le plus trash hardcore qu'ils pouvaient, qu'ils vendaient dans leur boutique. Ils le mettaient comme ça, à la vue de tout le monde, à partir de 18h. Donc en vrai, c'était très drôle. Mais en journée, en fait, en journée, le quartier rouge, il y a rien. En journée, tout est fermé. Pareil pour les sex-shops, si je dis pas de bêtises, ils sont tous fermés. Et en fait, c'est que à partir du soir où ça vraiment. Enfin. Quoique, ils sont peut-être ouverts, j'ai pas trop fait gaffe. Mais bref, en tout cas, tout ce qui est les fameuses vitrines où il y a des femmes dedans et tout, tout ça, c'est que la nuit. La journée, il n'y a rien, tout est fermé et tout. Donc en vrai, en journée, tu te balades, voilà, bon, tu te dis, ah oui, il y a un peu beaucoup de sex shop par ici. Mais mis à part ça, le quartier rouge, en journée, voilà, c'est juste la nuit où vraiment, là, c'est soirée à donf. Voilà, je crois qu'on m'a jamais proposé autant de drogue à la seconde dans cette rue. Dites-vous qu'on m'a quand même proposé au moins 5 ou 6 fois, si je voulais... avoir de la cocaïne. Genre, j'étais en mode, bah non. Et genre, ils sont insistants en plus, les gars. Hein. Genre, mais non. Mais voilà. Donc, c'est un peu le niveau. Puis, bien sûr, là-bas, le cannabis est légalisé. Et donc, du coup, autant vous dire que ça sentait pas que le thé dans la rue. Voilà. Ça, à chaque fois, quand je sortais de mon hôtel, je disais, ça sent bon. Mais voilà. Je suis plus d'accord. Ayant été à Amsterdam, je confirme que le quartier rouge, c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. En vrai, c'est bien d'aller voir pour voir ce que c'est. Moi, je trouve ça. Alors.
En fait, c'est un peu bizarre comme ambiance. Je trouve ça un peu glauque en vrai. Quand t'as les rues, en fait, ce qui est glauque, c'est les gens qui sont agglutinés devant les vitrines et les mecs un peu un peu relou beauf là, qui sont à moitié en train de baver devant les vitrines. Ça, c'est ce qu'il y a de plus glauque. Encore, bon, les femmes qui sont dans les vitrines, c'est un peu étrange, mais en fait, bon, ça va. Mais alors, clairement, le fait qu'il y a les hommes devant qui sont en train de baver comme pas possible, là, c'est juste ça qui est un peu malaisant. Et voilà. Mais sinon, pour revenir un peu à la TwitchCon et tout, vraiment, la TwitchCon que je disais, c'était vraiment trop cool. En fait, on discute. En vrai, on s'est pas mal baladé. En fait, ça fait un peu, entre guillemets, un peu comme un Japan Expo à certains endroits. Il y a l'allée des artistes, donc il y a des créateurs, les petits créateurs et tout, c'est trop stylé. Il y a un endroit où il y a plein de bouffe et tout. Alors ça, pour le coup, moi, je suis pas trop allé parce que j'avais la nourriture qui était offerte par la TwitchCon. Mais voilà, il y a eu des conférences et la fameuse Loot Cave. Et la Loot Cave, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Du coup, alors, déjà, on va commencer par du petit, la casquette, voilà, la fameuse casquette Twitch, voilà, corporate pour l'été, en plus, c'est, comment ça s'appelle, c'est la canicule, ils me font bien une casquette, parce que j'en avais pas, donc voilà, déjà, pour commencer, la casquette, et je vous laisse à la limite, je sais plus le prix, mais je vous laisse un peu deviner le prix de la casquette, si vous voulez, on peut s'amuser à faire un petit, comment ça s'appelle, un petit juste prix, ça peut être drôle, voilà. Elle est grise et noire, ouais. Et le logo, il est noir en couture. Alors, non, pas 50, faut pas déconner. 30, alors si je dis pas de bêtises, la casquette, elle était à 20, non plus, 30, 35, 50, non. Non, elle était, en vrai, vous êtes presque, je crois qu'elle était à 20, je sais plus si elle était à 22 ou à 29 euros. J'ai un doute, mais on est à une vingtaine d'euros la casquette, quoi. Voilà. Elle était à une vingtaine d'euros la casquette. Mais en vrai, Elle est cool, on va pas se mentir, elle est plutôt sympa. Donc ça, déjà, premier truc. Hop, où est-ce que je vais mettre tous mes trucs, moi, là, voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? En fait, je vais vous montrer des trucs un peu petits qui sont simples. Alors, si, pareil, quand j'ai vu Nota, hop, m'a offert un petit pins qu'on pouvait acheter là-bas. D'ailleurs, je vous en ai pris pour vous et je vais vous les faire gagner en giveaway pendant la semaine. Donc, soyez là pendant tous les streams cette semaine puisque je vais vous faire des giveaways pour remporter des pins, notamment un des pins collector de la TwitchCon. Donc, voilà. 22 euros, ça va, 29, moi, je crois que c'était 29, j'ai un gros doute hein, sur les prix. Mais bon, après, c'est un produit Twitch, donc oui, bon, sur le papier, exactement. Donc là, en fait, j'ai le petit pins, vous savez, avec le petit dinosaure de Twitch, c'est le petit emote, enfin, le petit badge dinosaure. Nota savait trop que je le voulais, et donc du coup, elle a réussi à l'avoir, elle, de son côté, donc du coup, elle me l'a offert. Moi, je lui ai offert un pins également, je lui ai offert le pins de la TwitchCon, donc c'est celui que je vais vous montrer. Donc voici le pins officiel de la TwitchCon, donc le voici. Donc je m'en suis acheté un pour moi, et je vais vous en faire gagner un exemplaire dans la semaine. Je vous ferai des petits giveaways comme ça, donc n'hésitez pas à être là toute la semaine, donc, voilà. Donc petit badge TwitchCon qui est, enfin, c'est un pins, hein, tout simplement, hein. Mais voilà. Petit pins que j'aime beaucoup, voilà, qui est collector pour le coup. J'ai également acheté moi ce petit pins que j'aimais beaucoup, voilà, le petit logo comme ça avec le dégradé de couleur. Voilà, je l'ai acheté pour mettre sur mon sac, parce que oui, j'ai acheté un sac. D'ailleurs, le sac qui est là, c'est bon, on le voit pas encore. Mais ici au Canada, les casquettes sont à 30$. Bah, ouais. Bah, en vrai, je porte pas de casquette, donc je sais pas réellement le prix. Donc, ça voilà. Après, pour vous, j'ai. Alors, hop, des petits pins qui sont dans des packs comme ça noirs. Du coup, vous ne les verrez pas parce que c'est des pins surprises. Donc, vous pouvez en fait avoir tout simplement, c'est des pins avec les emotes, vous voyez, avec les badges, pardon. Donc ça, je vais vous en faire gagner deux pendant les streams, pendant cette semaine. En tout, il y aura, non, je crois, si j'ai bien calculé, il y a 3 pins à gagner, je crois. Donc, je vous ferai ça pendant la semaine. Mais c'est beau client, en vrai. Non, mais oui, non, mais moi, je suis un peu pigeon là-dessus. Hein. Moi, j'achète, voilà. Donc voilà, puis après, bon, on a des petites photos. Hop. Voilà, hop. Donc, il y en a deux pour vous. Et en vrai, il y en a un que j'ai ouvert, mais je vais vous l'offrir aussi. Voilà, il y en a un qui est ouvert, donc vous inquiétez pas. Celui-là, je peux même vous le montrer. Celui-ci, je vous l'offrirai également. Hop. Donc, hop. Tant que tu kiffes, mais exactement. Donc, voilà, c'est le petit emoji du fromage. Donc, si jamais des gens dans le chat sont friands de fromage avec la petite odeur, visiblement, voilà, vous pourrez, si vous voulez, les tenter de le remporter cette semaine. Ne jamais amener, mais certaines une convention de la CB va flamber. Ah ouais, non, mais la CB, elle a flambé, là, parce que là, je vous montre que les trucs les moins chers pour l'instant. Là, je vais vous montrer les trucs, ça m'a coûté un peu un bras. Voilà. Pour l'instant, je vous montre les petits trucs pas trop chers, voire même gratuits. Mais là, je vous montre ce que j'ai acheté à la Loot Cave, en fait. Hop, ouais, je décale un peu tout ça. Hop. Hop, 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 pour faire un peu de place. Voilà, donc là, c'est celui, comme je dis, que je vais vous faire remporter. Voilà. Petit. Voilà.
Ça, c'est juste tout simplement, c'est une casquette Twitch, voilà, en mode porte-clé qui m'a coûté la modique somme de 7€. On adore. C'est un peu comme Disney, en vrai. Hein. Disney, ça a pratique les mêmes prix. Je suis pas trop non plus éloigné de ce que je suis habitué. Maintenant que je vais participer au giveaway, habituellement, j'ai le syndrome de ma petite sœur qui n'ose pas. Mais là, à chacun pour soi, j'ai besoin d'un pins aussi mignon. Bah voilà. Les pins sont incroyables. Bon, bah, voilà. Mais en vrai, les pins sont cool, ouais. Les pins sont très très cool. Hop. Qu'est-ce que je vous montrais d'autre? Alors oui, alors bon, ça, je l'ai gardé. Sachez que pour ceux qui ont vu ma story Insta, en fait, je l'ai pas montré ça. Mais en fait, quand j'étais dans le. Quand je disais tout à l'heure dans l'entreprise Vogue de Company, donc qui est en fait le truc de The Boys, on nous a fait passer un entretien d'embauche pour en fait avoir des super pouvoirs. Et du coup, on nous a fait boire une fiole avec le liquide vert qu'il y a dans la saison 4 pour nous donner des pouvoirs temporairement, entre guillemets, pour voir quel pouvoir on aura. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, vous me voyez en fait en train de soulever une haltère. Et donc du coup en fait c'était là-dedans, je crois que c'est le liquide le plus sucré de ma vie que j'ai bu, c'était un truc à la pomme mais c'était ultra sucré. Mais voilà, du coup j'ai gardé la petite fiole en souvenir parce que je trouvais ça marrant. Comment ça c'est le porte-clés? Elle a réel 25, comment ça elle a réel 25? 25 le porte-clés, 25€? Bayon. Et tu as eu la force comme super pouvoir. Alors en fait, on avait tous, en gros, en fait, c'était scénarisé. En fait, tout le monde avait le même pouvoir entre guillemets. Tu avais la super force et tu avais les yeux qui lançaient du feu comme Homelander et comme, je vous souviens pas, mais voilà, comme dans la saison 4, la personne. Voilà. Mais en gros, on avait à peu près les mêmes pouvoirs que Homelander. C'est la potion dans laquelle est tombé Astérix. C'est un peu ça, ouais. J'ai ri avec la vidéo de l'alter. Franchement, on a trop ri. Et en fait, après, ils nous font passer dans une salle. Et en fait, c'est là où en fait, j'ai dû mettre un filtre sur Instagram parce que c'était ultra gore. Parce que vous avez dû voir, il y avait des cadavres avec du sang partout. Et en fait, on a voulu faire des stories. À ce moment-là, j'étais avec. J'étais avec qui à ce moment-là? J'étais avec Poppy pour sûr. J'étais avec Alex. Sailor Alex. Et j'étais avec Crazy Red, qui est du coup le copain de Nota et Nota. On a tous passé en même temps. Je crois que j'oublie personne. J'ai un doute. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, je crois que c'est bon. Et en fait, on a fait ça, et en fait, on arrive dans une pièce, il y a des cadavres partout, c'est ensanglanté, c'est super bien fait, et on se fait en story, et là, je dis à Poppy, je dis, attends, on peut pas mettre ça sur Instagram, on va se faire bannir, c'est super gore et super bien reproduit, t'as vraiment l'impression d'avoir un cadavre devant toi, je dis, on va se faire ban, donc du coup, on a dû mettre des filtres et tout, en noir et blanc pour que ça passe, et juste, bon, bah, c'est passé. Donc pour avoir des pouvoirs, il faut boire un jus de pomme et rajouter tout le sucre. D'accord, je note. Ah, mais c'est ça, hein. J'ai ri avec la vidéo des Alta. Bah oui, non, mais elle était trop drôle, hein, comme je disais. Je t'écoute en même temps que je joue. Non, mais vous t'inquiète. De toute façon, là, je vais faire le petit unboxing. Puis après, on va. Enfin, le unboxing, je vous montre un peu ce que j'ai acheté. Et après, on va jouer. Hein, on va faire un petit peu de sim, ne vous inquiétez pas. Là, on se passe en just chatting parce que. Voilà, il fallait que je fasse un pass en just chatting parce que. Bah voilà, c'était pour la TwitchCon. En fait, t'es une super nana, du sucre et un tas de bonnes choses. Non mais c'est ça, c'est à peu près ça. C'est exactement ça. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Voilà, donc ça par exemple, c'est les petites photos qu'on a fait. Voilà, avec, c'était quand déjà ça? C'était à la soirée de la soirée partenaire. Donc là, on a les petits copains partenaires juste ici. Donc là, globalement, tous ceux qui étaient là sur la photo, bon, ils font du Fall Guys, du Fortnite. Voilà, bon, des jeux que je fais pas spécialement. Mais en vrai, ce qui était cool, c'est que du coup, on discutait. Toi, tu fais quoi, machin, machin. En plus, moi, j'ai eu la très très bonne idée, c'est de mettre mon t-shirt avec le prisme. Donc du coup, dès que je disais quel jeu tu joues, je montrais mon t-shirt. Ah, mais c'est trop bien comme ça. On tilt tout de suite ce que tu fais et tout, donc voilà, ça c'est très très cool. Par contre, faut faire attention au diabète. Là, c'est juste, en fait, ils nous posaient la question si on avait des allergies et tout, si on avait des problèmes de maladie et tout, et on a dit, les gens disent non en général, et du coup, on pouvait boire l'espèce de potion chelou là. Les photos comme ça, c'est des super souvenirs. On en a plein, j'ai quelques petites rues, j'en ai une toute petite aussi qui est là. On a fait, alors vous la verrez pas, mais voilà, on a fait plein de photos. On a sur notre conversation, on a plein de temps de photos. Faut que je les télécharge. Pour certaines, je vais les imprimer à mon taf parce que vraiment, ça fait des super souvenirs et je vais les imprimer à mon taf en mode comme si c'était des Polaroids. Et du coup, je pense que ça peut être très très cool. Ça fait garder des souvenirs quoi. Et ça, c'est trop trop bien. Alors du coup, je vais continuer à vous montrer. Je vais vous montrer déjà, je pense. Je vais vous montrer la première chose. Je l'ai même pas encore déballé pour vous dire. Il me manque un t-shirt là. Il me manque un t-shirt. Ah non, il est là. Je vais déjà vous montrer celui-là. Hop, bien entendu, premier achat que je fais. Alors, il est froissé parce que je l'ai porté. Hop, le fameux t-shirt classique Twitch avec voilà, le logo juste ici et le petit. Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu. Là. Le petit logo qui est juste ici également. Voilà, ça, on va se mentir, il fallait que je l'achète. Genre, c'était le t-shirt Twitch Corporate. Voilà, il me le fallait impérativement.
c'est chose faite, je l'ai eu, je suis trop content. Et en vrai, pour le coup, les t-shirts, c'est pas trop de la mauvaise qualité, c'est pas trop du top budget. Donc, moi qui suis dans l'impression, et j'ai fait de l'impression textile dans mon boulot, voilà, c'est pas... En tout cas, pour ce t-shirt-là, c'est pas de la merde, voilà. Tu es devenu un panneau publicitaire pour Twitch. Ah, bah là, vous allez voir. Ah oui, là, clairement. Là, clairement, clairement. Hop, je vais mettre ça là. Ici. Ah, donc là, c'est le t-shirt exclusif qu'on avait à la TwitchCon. Donc, en fait, on avait des produits qu'on pouvait trouver que là-bas. Parce que techniquement, ces objets-là, on peut potentiellement, en certains, en retrouver. Mais là, clairement, c'était que à la TwitchCon d'Amsterdam qu'on peut le retrouver. Donc, c'est le t-shirt, en fait, estampé. Ah, ça m'a fait trop peur. C'était quoi ce chat sur le t-shirt? Tu me diras demain si ta banque t'a appelé. Alors, j'ai pas encore été débité de tous mes achats du week-end. Donc, à tout moment, la banque me dit que je suis à découvert. Il est incroyable le t-shirt. Et du coup, là, c'est le t-shirt de la TwitchCon. Donc, voilà. Alors, moi, je suis pas spécialement fan, je vais pas vous mentir, du design de pour cette édition. Donc, du coup, j'ai juste pris le t-shirt. Au début, je voulais prendre le pull. Mais voilà, je suis pas très très fan des trucs un peu ici. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais. Le kappa qui arrive en plein milieu. Ça va, la veille est arrivée, oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est le petit t-shirt. Je suis pas spécialement fan du, comme je vous ai dit, du design. Donc du coup, j'ai juste pris le t-shirt, j'ai pas voulu prendre le pull parce que bon, le pull il était à 50€ quoi. Mais voilà, en tout cas, j'ai mon petit souvenir comme quoi j'étais bien à la Twitch d'Amsterdam. Sans mon avis, je le porterai soit pour les streams, soit même en pyjama, pourquoi pas. Vous dites, désolé pour les... Non, mais t'inquiète, ça, en fait ça me fait rire parce que j'aimerais que ça pop pile au milieu sur le t-shirt. Mais donc voilà, donc ça c'est bon. Donc là, au niveau t-shirt, ça c'était bon. Je vais vous montrer, en fait, je vais vous faire par catégorie. Au niveau des t-shirts, j'ai aussi des t-shirts gratuits. Donc là, c'est le t-shirt que j'ai eu par Streamlabs. Je vais t'épargner dès maintenant, pour celle de l'année prochaine, je crois. Bah, sachez que normalement, si tout se passe bien, je devrais aussi aller à la TwitchCon de San Diego. Donc là, aller plus loin, hein, aux États-Unis. Avec la copine Cyril Swanel, normalement. Donc autant vous dire que moi, je me dis là, j'ai déjà acheté des trucs, sachant qu'il y a certains produits, on sait qu'ils vont être à la TwitchCon de San Diego. Donc déjà, je sais qu'il y a plein de produits que j'ai pas besoin de racheter parce que bah, je les ai déjà. Mais la gourde que je voulais m'acheter et qui est en rupture, voilà. Et le coussin Twitch que je n'ai pas acheté, je l'achèterai la prochaine fois. Et voilà. Et ça, oh, et ça sent pas bon. Ouah, ça sent le plastique qui pue. Donc ça c'est voilà, Amsterdam. Oh, j'avais pas vu qu'il écrit Amsterdam Streamlabs 2022. Et en fait, alors généralement pour avoir des goodies, des trucs, des t-shirts gratuits, en fait, fallait tout simplement participer pour regarder leur logiciel ou des trucs comme ça. Et en fait, Streamlabs, moi j'utilisais ce logiciel au moment où j'ai commencé mes streams. Et en vrai, je trouve ça sympa. Je sais pas si vous voyez bien le. Il sent le plastique. Ils sont vraiment pas bons. Ils sentent le plastique de ouf là. Mais il est très très bon. En fait, j'ai adoré le visuel, je vais arriver, je suis graphiste, je perds le mot visuel quand même. Et en vrai, moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà, Streamlabs, voilà, Amsterdam 2022, le visuel est très très cool, très coloré. Et le t-shirt est vachement épais. Je pensais pas qu'il était aussi épais, je pensais que ça allait être un truc. Ah oui, c'est du Gildan, c'est pour ça. Ultra coton, ouais, c'est ça, c'est la catégorie premium des Gildan, ok. Et coucou Chelsea, comment tu vas? À coup sûr, c'était encore des petits qui ont fabriqué les t-shirts mal finis. Bah, j'ai un petit peu. En vrai, je sais même pas. Mais bon, Made in Nicaragua pour celui-là. Mais ouais, bon, bah, ça, malheureusement, ouais, ça, c'est un peu compliqué. C'est chouette comme ça, mais oui, c'est ça, hein, c'est ça. Trompé, désolé. Attends, comment ça? Mais bon, attends, je vais boire de l'eau parce que là j'ai soif. Je discute et j'ai vraiment très soif. Attends, je reviens, je vais chercher de l'eau. Je reviens. Me revoilà. Je vais tout. Ah bah, alors là, pour l'instant, le t-shirt noir que je vous ai montré, là, c'était gratuit. Les autres, c'était payant. La seule chose que j'ai gratuit que je vous ai montré, c'était le t-shirt noir et celui-là. Voilà, et la gourde avec la petite sacoche. Voilà. Mais ouais, ça fait des chouettes souvenirs. Franchement, là, j'ai des souvenirs, mais pour des années, c'était vraiment incroyable. En fait, le fait que. En fait, à la TwitchCon, il y avait des streamers partout. Il y avait des géants du stream européen. Mais il y a des gens, en fait, tu les connais pas. Genre, littéralement, moi, il y a quelqu'un qui m'a parlé au lounge partenaire. Le gars, il me parle comme ça. Je crois que c'était un anglais qui me parlait. Donc, ça va, j'arrivais à comprendre et tout. Et en fait, bah après, en fait, on s'échange nos chaînes et tout. Il m'a follow, je les follow aussi. En fait, c'est trop bien parce que tu fais un carnet d'adresses. En fait, tu parles avec des streamers et tout. Alors après, est-ce que bah après tu vas aller voir sur les streams des autres? Peut-être ou peut-être pas. Là, par exemple, tout à l'heure, bah voilà, il y a Poppy qui a follow. Il y a voilà, il y a Soupa qui est passé. Alors attends, je n'arrive pas avec mon pseudo. Attends, je me l'aurais affiché pour pas que je dise de bêtises. Le laboratoire, j'arrive pas à dire mon pseudo. Voilà, Toufik, excuse-moi, je vais y arriver.
Voilà, donc c'est vrai, ouais, c'est vraiment. Voilà, il y a Nota aussi, mais c'est trop bien, c'est que bah, bon, Nota, je la followais déjà. Mais en fait, c'est trop bien parce qu'on s'échange des trucs, on se donne des tips, des machins, des trucs. Et en vrai, c'est ça qui est trop cool. C'est vraiment de l'enchaîne, de l'entraide, de l'échange. Et ça qui est trop cool, quoi. Mais ouais, c'est trop cool. Merci, Isanora, pour la bouteille d'eau qui tourne. Ici, bah là, j'ai encore un petit t-shirt gratuit. Alors, je vous montre aussi un petit peu ce que c'est. Si j'arrive à l'ouvrir. Le petit t-shirt qui fait plaisir. Ah, pour le coup, je sais même pas c'est à quoi ressemble le visuel. Hein. Ok, bon, voilà. Petit t-shirt Stream Element que j'ai gratuit aussi. Bon, alors celui-là, je le porterai pas, je vais pas vous mentir. À mon avis, celui-là, ça sera un t-shirt pour le pyjama. Les giveaways, ils seront sous forme de tirage au sort avec les points de chaîne ou pas du tout? Non, du tout, ça sera comme je fais avec les Sims 4. C'est où on fera point d'exclamation. Je marquerai point d'exclamation TwitchCon ou un truc comme ça. Et du coup, ça vous enchaînera dans une liste d'attente. Et vous pourrez remporter si vous êtes sélectionné à la fin du stream. Le t-shirt du dimanche, oui, c'est un peu ça. Mais pareil, il est vachement épais, le t-shirt. Il est chou. Bah, il est chou, mais c'est pas... Ouais, moi, c'est pas ce que je préfère. Mais... j'aime bien, c'est que je suis en train de poser les vêtements par terre. Noxy est en train de dormir sur les vêtements. J'adore ce chat. J'adore ce chat. Hop. Donc ça... je garde le meilleur pour la fin. Alors, ça, j'ai craqué littéralement hier matin. À la base, je voulais acheter ce pull dès le début. Attendez, je vais vous le mettre en votre présence. Je voulais l'acheter dès le début. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais c'est 55 euros. Ou, ouais, 54 ou 55, je sais plus. Le hoodie. Et au début, je dis, ouais, mais non, j'en ai déjà acheté un et une veste. Et en vrai, je n'ai pas arrêté de repasser devant. Et le dimanche, il n'y avait presque plus rien. Tout était en rupture de stock. Et en fait, bah, je l'ai pris, quoi. Et alors, j'espère que vous aimez parce qu'il fait chaud dans la pièce de stream. Et mettre un pull, je dois vous l'avouer que c'est pas très agréable. Donc, voilà, petit t-shirt, enfin, petit hoodie avec des petites écritures japonaises et tout. Enfin, genre, moi, je le surkiffe, quoi. Genre, voilà. Genre, le petit logo qui est là. Hop là. Hop, je me mets bien. Voilà, Twitch ici. Genre trop stylé. Et en plus, il y a un petit QR code qui est juste là. Et quand. Alors, attendez. Là. Petit QR code qui est juste là. Et en plus, quand on le scanne, ça nous emmène sur la page Twitch. Alors, pas sur la nôtre, forcément. Mais ça nous emmène sur la page Twitch. Et ça, en vrai, c'est plutôt cool. La couleur est belle. Elle existait en noir et bleu. Enfin, noir et blanc, bleu. Et moi, j'ai voulu la version beige. Avec les écritures, en fait, un petit peu bordeaux et blanche. Et en vrai, il est super agréable. Et en fait, la texture intérieure, c'est tout doux. 12 litres d'eau après l'avoir mis, je vous jure, j'ai déjà très de l'enlever. Mais il va falloir que je continue parce que bah, il me reste encore 1, 2, 3 trucs. 3 trucs à vous montrer. En vrai, ça a été rapide. 12 litres d'eau après l'avoir mis, c'est ça. Attendez, je vais me prendre un petit verre d'eau parce que j'ai soif. Ça fait bien, ça fait du bien. Attendez, je resserre de l'eau. En plus, ces couleurs, ça change. Mais oui, c'est ça. Et coucou, Bucket, comment ça va? Enlève ce sweat, tu vas faire un masque. Mais non, t'inquiète. Je vais l'enlever, je me mets juste en dehors de la cam parce que sinon j'ai le t-shirt qui va partir avec et c'est pas très Twitch friendly. Hop. Voilà. Et on va mettre tout ça à laver surtout. Hop. Donc après, deuxième. Là, on part sur des couleurs beaucoup plus simples. Le petit hoodie zip qui en fait. Alors, à la base, il était... Je sais pas s'il est blanc ou s'il est bleu, un peu bleuté. J'arrive pas trop à déterminer. Et ça, en vrai, il est incroyable. Il est super doux, super comfy, confortable. Genre ça, je sens que, littéralement, quand je vais être un peu dans une petite déprime... Vous voyez, quand vous déprimez un petit peu, là, vous mettez dans une petite série trop bien, un plaid, genre en automne et tout, là. Il est trop bien. Genre, moi, je le surkiffe. Oh, j'avais pas vu derrière. J'avais pas vu, il y a le logo. Il y a le petit logo dans le dos, le petit logo ici, et bien sûr, il y a écrit Twitch sur la manche qui est juste là. Donc celui-là, moi je le kiffe. Il est simple, mais il est tout doux, et il est trop bien. Et coucou Bucket, mais oui, ça va bien. Je suis en train de montrer un petit peu tout ce que j'avais acheté à la TwitchCon, et puis on discute un petit peu bah, de ce qu'on a fait là-bas. Twitch Corporate, 75 euros, je dis. Non, il était à... Celui-là était à 50... 51, je crois. En gros, dites-vous que les pulls étaient à 51 euros. Je laisse le meilleur pour la fin quand même. Parce que j'ai acheté un truc, ça a été littéralement, je l'ai vu, j'ai flashé, je l'ai acheté. Hop. Là. Alors, attendez. J'ai également. Je suis parti avec un sac à dos à la base. Et je savais que c'était une grossière erreur. Mais ça me facilitait la tâche pour y aller. Du coup, je me suis dit, mais c'est pas grave, parce que je sais qu'à la TwitchCon, en général, ils vendent des. Comment ça s'appelle des.
Des sacs de voyage. Alors, je suis en train de le démonter pour que ce soit un peu plus présentable. Et donc, du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. En fait, ils vendaient un sac de voyage. J'ai acheté le sac de voyage Twitch qui est en simili-cuir. Et en vrai, il est trop stylé. Il est trop pratique. En fait, alors là, j'ai enlevé les lanières. Mais en fait, normalement, ici, hop, genre là, au niveau de la poignée, hop. Au niveau de la poignée qui est là, en fait, ici, je peux clipser en fait, des lanières. Et en fait, ça se transforme en sac à dos. Et ça, les gars, ça m'a sauvé la life quand je suis rentré d'Amsterdam. Parce que littéralement, ça prenait pas de place. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, l'ouverture en fait, qui est ici, elle se plaque dans le dos. Donc en fait, si jamais les pickpockets, tout ça, en fait, ils n'y ont pas accès parce que la fermeture est dans le dos et pas à l'arrière. En fait, ça, du coup, ils ont, les gens qui sont derrière moi, ils ont accès qu'à cette partie-là. Donc à part y aller avec un cutter et ouvrir, voilà. Et il a l'air lourd. Alors, il a l'air lourd parce qu'en fait, j'ai laissé des vêtements dedans, mes vêtements de ce week-end dedans, tout simplement pour qu'il garde la forme. Parce que sinon, bah, quand j'enlève les vêtements, bah, il est raplapla. Mais voilà, en vrai, le sac, il est grave quali. Et il n'était pas si cher que ça pour un sac de voyage. Je l'ai payé 58 euros, je crois. Je vous laisse. Bon, là, pas de soucis, Lilicorne. Excuse-moi, je t'avais même pas dit bonjour. Mais coucou à toi. Et du coup, bah, passe une bonne soirée, repose-toi bien. Ne vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui viennent là pour les Sims, on va faire du Sims d'ici une vingtaine de minutes, grand max. Mais vraiment grand mal, hop. Donc voilà, donc ça c'est le petit truc. En vrai, comme vous pouvez constater, j'ai quand même acheté dans les trois quarts du temps que des trucs utiles. La casquette, les pulls, les t-shirts, c'est toujours pratique, c'est des vêtements. Et là le sac, littéralement, bah voilà, j'avais pas le choix quoi. J'aime beaucoup le sac. Le sac est vraiment très cool. J'ai fait craquer Soupar notamment. Et bah, je crois que j'ai aussi fait craquer. J'arrive vraiment pas avec ton pseudo, je suis vraiment désolé. Toufik également. Les deux, je les ai fait craquer, je leur ai montré, vas-y, on l'achète. Et du coup, le dimanche matin, ils sont allés, ils l'ont acheté. Mais voilà, c'est bien, Just Chatting aussi, c'est occasionnel. Bah, en vrai, je vais essayer de faire un peu plus de Just Chatting de temps en temps. Alors, je ne veux pas dire tout le temps. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est qu'avant, vous savez, quand je commence mes streams Sims, bah, généralement, on discute un petit peu avant. Là, je me mettrai juste genre 10 minutes en Just Chatting. Et après, je passerai en Sims. Parce qu'en fait, j'ai appris ça à la TwitchCon. C'est toujours mieux, en fait, de diversifier un petit peu comme ça. Et tout simplement, c'est juste pour être bien référencé aux bons endroits, pour être mis en avant quand il faut, etc. Parce que, bah, témoin, quand je discute sur mes pré-live, c'est toujours mieux d'être en Just Chatting plutôt que d'être sur le jeu. Parce que voilà. C'est juste que techniquement je suis pas dans la bonne catégorie au début. Et coucou Lavia, comment tu vas? Comment vas-tu? Bon. Mais voilà. Et du coup, bah, là je vais vous montrer le dernier truc. En vrai, je trouve qu'en final, avec du recul, il a été relativement raisonnable. Bon, je vous dirai pas le prix, hein, mais bon, là si je vous dirai le prix de la veste. La veste, techniquement, vous l'avez déjà vu pour ceux qui ont été sur Insta. Mais. Voici le truc que j'ai craqué. J'ai craqué sur ce bomber Twitch violet, bien entendu, hein, vous doutez bien. Et ça, je vais pas vous mentir, j'ai craqué de ouf et j'ai bien fait parce que faut savoir qu'Amsterdam, vous ici en France, il a fait super chaud, genre il a fait 38, 39 ce week-end. Sachez qu'à Amsterdam, il a fait 24 degrés au maximum la journée et que le soir, ça tombait en dessous des 20 degrés et qu'à un moment donné, je crois qu'on est tombé à 14 degrés. Donc autant vous dire que ce petit bomber tout joli de chez Twitch, ça, pourtant c'est pas mon style, hein. Mais alors je sais pas vous, mais moi je le surkiffe. J'avais repéré la veste sur Insta, franchement, merci de le rappeler, c'est ça. Ça va enfermer dans le noir toute la journée pour pas que la chaleur ne rentre pas. J'avoue, courage à ceux qui habitent dans le sud, alors même un peu partout en France, hein, parce que pour le coup, il fait un petit peu chaud. Et coucou, Yvonne, comment tu vas? J'ai cru comprendre que le merch sont en fait les mêmes que sur la boutique Amazon, non? Il y a certaines choses qui l'étaient, et il y a des choses qui étaient en exclusivité. D'ailleurs, coucou, Yvonne, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu par ici. Mais comment ça va? Mais ouais, en fait, il y a pas mal de merch qui étaient sur la boutique Amazon.com. Mais il y avait des exclusivités. Là, j'ai montré, j'ai acheté 200 trucs sur l'exclusivité. Mais ouais, globalement, c'était ça. Il y avait quelques exclus d'Amsterdam. Je suis dans le nord-ouest, mais 42, quel bon aujourd'hui. Ah, oh, mon dieu, quelle horreur. Mais franchement, ça avait l'air bien cool. En vrai, c'était trop cool. Déjà, les gens que tu rencontres là-bas, c'est incroyable. T'es dans les mêmes délires et tout. Enfin, c'est trop, trop stylé. La ville, bon, ça me semble, c'est trop sympa. Et en vrai, même la convention, même s'il y a... En vrai, il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Si tu vas pas voir les conférences pour améliorer ta chaîne, tes trucs, tes machins, des tips et tout, bah en vrai, tu as juste les stands à aller visiter. Et les stands, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en a bien moins qu'à la Japan Expo, par exemple. Mais c'est trop bien, en fait, c'est l'ambiance. C'est vraiment l'ambiance qui prime là-bas. Attendez, hop. Voilà.
30 degrés. Je vous laisse, je vais miam. À plus souvent. Pas de soucis, Guillaume. Bon appétit à toi. Pas de soucis, pas de soucis. Je suis dans le sud-ouest, enfermé 43 degrés et de la fumée partout. Ah, ben oui, c'est vrai qu'il y a les incendies et tout. Le fameux bomber que j'ai failli m'étouffer par le bruit. Alors, oui, le bomber qui est actuellement ici était, si je me souviens bien, était à 88 euros. Voilà. Après, c'est un bomber. Donc, bon. Ouais, moi, je connaissais personne qui y allait, donc j'avais peur de m'ennuyer. En vrai, Evan, t'aurais trop pu. Bah, déjà, j'y serais allé. Enfin, j'y suis allé. Mais sache qu'en fait, au moment où on y a... En fait, la veille, il y a un groupe sur Twitter qui s'est formé. Et en fait, on a fait une conversation. On était 75 streamers français à y aller. Et au minimum, sans compter les gros streamers qu'on n'a pas osé inviter dans la conversation. Du coup, ce qui a fait qu'on s'est tous regroupés. On s'est dit, ouais, qui est là? Qui a pris ses badges? Qui est à l'entrée et tout? Du coup, bah, ça a permis de mélanger tout le monde. Comme ça, les partenaires, eux, ils allaient à la soirée partenaire le vendredi soir. Les affiliés, comme eux, n'étaient pas conviés à la soirée. Du coup, eux ont fait leur soirée de leur côté au bar. Du coup, ça les a permis de faire des points de rendez-vous et tout. Et en vrai, ça, tout de suite, ça a matché. Les gens ont fait des groupes et tout. Donc voilà, moi, par exemple, Even, mis à part Nota que je connaissais de base, je connaissais personne dans le groupe. Et au final, bah, je me suis fait des potes et tout. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, avec Toufik, avec Soupa. Alors, j'en oublie d'autres, hein, mais pareil, Poppy, avec Sailor Alex également. Voilà, on a beaucoup discuté, on est resté pas mal ensemble. Et en vrai, c'était trop trop cool. Et là, encore maintenant, voilà, on discute encore sur la conversation. On partage surtout nos galères de transport parce que tout le monde a galéré pour rentrer. Mais voilà, franchement, c'était vraiment trop trop stylé. Et coucou Apollumi, comment tu vas? Comment vas-tu? Donc non, en vrai, moi je pense, bah déjà, de toute manière, je vais sûrement aller à celle de San Diego si on y arrive à y aller avec Cyril et avoir des places. Mais voilà, puis après, bon, ce petit t-shirt partenaire, je kiffe d'amour. Ah. Je n'avais pas eu la box partenaire, bah je le voulais, ce petit short. Et du coup, je l'ai eu. Bah, du coup, pour le coup, celui-là était gratuit. Coucou, je viens d'arriver, j'ai totalement oublié le live, désolé. Mais je... Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, Lou, sachant que d'habitude, le stream, le lundi, je stream pas trop. Et qu'en plus de ça, j'ai pas mis le planning parce que, comme je vous ai dit, je suis rentré hier à plus d'une heure et demie du matin. Autant vous dire que voilà. San Diego, votre bien. Bah, on va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà craqué mon slibar avec au niveau budget. Donc. Je devrais pas acheter grand chose là-bas, mais voilà. En tout cas, voilà un petit peu tout ce que j'ai acheté. Comme je vous ai dit, je vais vous faire remporter normalement des petits pins que je vous ai pris là-bas. Donc hop, hop. Du coup, en tout, je vais vous en faire remporter. Ah, mais j'ai n'importe quoi. Je vais vous en faire remporter 5 en fait. Je vais faire remporter 5 pins. Bah, ce t-shirt n'était pas dans la box. Il est grave stylé. Hein. En plus, bah, pour le coup, celui-là, en fait, si tu l'as pas vu, parce qu'en fait, il y a écrit Amsterdam. Donc, en fait, c'est vraiment le t-shirt Twitch partenaire d'Amsterdam. Et donc, bah, du coup, ouais, ils l'ont offert à tous les partenaires au lounge. C'est quand ça se négocie? Au mois d'octobre. Voilà. Non, ça va pas trop, mais toi, on voit que tu as des étoiles dans les yeux. Franchement, c'était incroyable. J'ai rencontré, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même vu des gens, mais genre, je pensais jamais y arriver. Dites-vous que d'ailleurs, je vous l'ai pas encore dit, mais je voulais vraiment vous remercier parce que si j'ai réussi à faire tout ça, c'est littéralement grâce à vous. Hein. Moi, ok, j'ai streamé, mais c'est quand même grâce à vous qui êtes resté là, qui avez accroché à mes streams, à ma personnalité totalement ravagée. Voilà, mes constructions où je passe 2h30 à poser des cailloux. Voilà, c'est grâce à vous tout ça. Hein. Je voulais vraiment vous remercier par rapport à ça. Si j'ai pu partir à Amsterdam, si j'ai pu m'acheter ce genre de choses, c'est grâce à vous et à votre soutien. Voilà, que ce soit avec les subs, etc. Mais même pas que ça, juste à être là, à discuter avec moi, c'est grâce à vous tout ça. Et je voulais vraiment, vraiment vous remercier par rapport à ça. Parce que si j'ai pu y aller et être en tant que partenaire, c'est vraiment grâce à vous. J'ai vraiment passé un week-end, encore maintenant, j'ai du mal à réaliser. J'ai quand même fait des selfies. J'ai fait un selfie avec Ponce, avec Ultia, avec Jill, j'ai vu Jenna, j'ai vu au loin. Antoine Daniel, mais en fait c'est au moment où je partais, donc j'ai pas eu le temps de voilà. Si c'était bien lui, enfin, je pense que c'était lui parce qu'il ressemblait quand même voilà, beaucoup. J'ai rencontré aussi plein d'autres streamers assez haut francophones, mais juste que je les ai pas reconnus sur le moment parce que forcément c'est pas des gens que je suis réellement. Donc là sur le moment, en fait, tu rencontres tellement de gens, tu vois tellement de têtes, tu te dis, mais est-ce que lui c'est une personne qu'on connaît ou pas? Des fois ça parlait français, des fois ça parlait pas. Donc voilà, j'ai été interviewé également par. Par Chakam, qui est une streameuse que je regardais avant qu'elle passe partenaire, je la regardais quand elle était assez jeune, assez jeune streameuse si je puis dire. Et puis voilà, j'ai rencontré Sunsup aussi qui est très gentil, avec qui on a beaucoup discuté. Mais voilà, franchement,
incroyable. Et comme on disait, je discutais un petit peu avec Poppy Lala et avec Sailor Alex. Où il y a petit coup de foudre amical entre guillemets. On s'est vraiment très bien entendu. Petit coup de cœur plutôt. On va plutôt parler comme ça. On s'est vraiment très bien entendu tout de suite. Mais voilà. Enfin franchement, on fait des rencontres vraiment trop cool. Et pourtant, on a des années lumière au niveau du gameplay hein, de ce que l'on fait en stream. Parce que par exemple, voilà, beaucoup de gens faisaient voilà du Apex, du League of Legends. Et moi, j'étais littéralement le seul streamer, du moins francophone, si je dis pas de bêtises. Ah si, il y avait Sailor Alex qui faisait un petit peu de Sims. Mais voilà, en tant que partenaire francophone, j'étais le seul Sims. Littéralement, j'étais le seul. Et donc, du coup, c'était ça qui était trop drôle parce que moi, du coup, je me suis fait des potes avec des gens qui faisaient pas du tout les mêmes streams que moi et sur des jeux que je n'apprécie pas spécialement non plus. Donc, et au final, ça a pas fait de barrière, ça a pas eu. En fait, il n'y a pas eu cet aspect. Et pareil pour, entre les partenaires et les affiliés parce que je sais qu'on avait parlé avec certains affiliés avaient un peu peur que les partenaires, entre guillemets, pas peut-être plus que leur cul, mais vous savez, qu'ils soient un petit peu. Enfin, qu'ils se sentent un peu plus privilégiés parce qu'il est vrai. Que, Nota est francophone. Faut savoir que voilà, on avait certains avantages en tant que partenaire, mais voilà, ça nous empêchait pas. Moi, je sais que juste le midi, j'allais manger là-bas, j'allais manger au lounge, je restais un petit peu, et hop, après, je retournais voir les autres et tout qui étaient affiliés et tout. Voilà, j'ai passé ma journée avec les affiliés, les partenaires. Enfin, on s'est vraiment mélangé. On n'est pas resté que entre nous en mode ah ben non, mais nous, on se mélange pas parce que nous, on a des trucs. Voilà, donc pour le coup, ça s'était vraiment bien homogénéisé. Tout le monde se mélangeait avec tout le monde. Ça, c'était vraiment trop, trop cool. Et j'avais un petit peu peur que bah, y a un système d'un peu de hiérarchie comme ça qui se fasse sans trop qu'on s'en rende compte, et au final pas du tout, enfin du moins en tout cas pour la partie francophone, je sais pas trop pour l'autre partie, mais vraiment c'était assez ouf. Mais oui, on se connaissait déjà, oui c'est ça, bah oui on se connaissait déjà avec Nota puisque voilà on fait des streams tous les deux sur les sites 4. D'ailleurs Nota t'étais là au tout début de mes streams, je crois que t'étais arrivé au début hein. Moi pour le coup avant que je commence les streams, ça faisait des mois et des mois que j'étais pas allé sur Twitch. Enfin, je regardais du Animal Crossing mais je regardais pas du tout de Sims, mais voilà quoi. Donc Sunsup, je regardais régulièrement avant et malheureusement je m'étais éloigné de ces vidéos. Mais là, le voir sur ton Insta, je me suis dit waouh, je l'aimais trop et je l'avais recommencé à suivre. Et j'ai recommencé à suivre son YouTube. Bah, c'est cool. Bah, Sunsup, je lui ai parlé un petit peu, elle est très sympa comme fille et tout. Donc, ouais, on était au lunch partenaire. Et puis, du coup, c'est bien parce qu'en fait, du coup, Alors, au début, j'avoue, à la soirée partenaire, j'étais un peu pas très à l'aise, je connaissais personne, je sais pas. Trop parler avec les gens, et au final dès la soirée partenaire, en fait tu discutes, tu machin, et en fait on s'échange les blazes. En fait ce qui est très pratique c'est qu'en fait bah, alors pour le coup je connais aucun prénom des streamers à qui j'ai parlé, mais on connaît tous nos pseudos du coup. Parce qu'en fait on avait ça tout le temps autour de nous, fallait qu'on l'ait tout le temps avec nous, bah, en fait c'est juste pour nous différencier etc, pour qu'on puisse accéder à certaines choses et tout. Donc en fait ce qui était bien c'est que des fois t'as juste à regarder le pseudo et tu dis ah mais si ça y est je me souviens qui c'était, je l'ai déjà vu ou j'en ai déjà entendu parler vite fait. Moi ce que je faisais de temps en temps quand je savais pas qui c'était, j'étais sur mon téléphone en mode ah oui, mais si, j'ai déjà vu une ou deux fois, et hop, c'est bon, tu pouvais remettre. Et puis voilà, du coup, c'était. En fait, les petits bâches comme ça, c'était quand même très pratique. Donc voilà. Oui, j'ai pas parlé de suite, mais je suis toujours timide en Tsum Tsum au début. Bah, je comprends, moi, je suis très très régulièrement en Tsum Tsum hein, sur les chats. Hein. C'est très rare que je parle. Bah là, tout à l'heure, j'étais chez La Cantine aussi. Il y a La Cantine qui est un streamer qui était très très cool. Où j'ai découvert qu'il était papa. Mais voilà, franchement, on découvre des streamers que. Bah, clairement, il y a des gens que je n'avais jamais vu sur la plateforme, et même des gens connus hein, que je ne connaissais absolument pas, et ça aide en fait simplement à faire de l'échange, et ça c'était vraiment trop trop cool, hein. Ça c'est vraiment, j'ai kiffé ma race, vraiment là-dessus c'était vraiment trop cool. D'ailleurs j'ai failli mourir entre guillemets intoxiqué, parce que pour ceux qui l'ont vu, j'ai pas pu le mettre dans la story à la une, parce que j'avais plus de place, mais pour ceux qui étaient là à ce moment-là, j'ai goûté des espèces de compléments alimentaires pour des streamers, pour améliorer soi-disant notre réactivité, etc. J'ai goûté que la pastille énergisante. J'ai même pas goûté le complément alimentaire. La pastille énergisante. Mais je crois que j'ai jamais mangé un truc aussi dégueulasse. Mais sans vous mentir, mais aussi dégueulasse de toute ma vie. C'était infect. Et alors je sais que j'aime pas grand chose, mais là clairement c'était pas bon. En plus ça a coloré ma langue en violet pendant une bonne demi-heure. C'était pas bon quoi. Ah c'était vraiment pas bon. J'ai tiré au cœur. J'ai cru que j'allais vomir. J'étais là IRL, moi, les amis. Ah bah Nota, elle s'est fendue la poire. Hein. Alors, pour le coup, elle s'est éclatée comme pas possible. Mais tant mieux si je t'ai fait rire. Hein. Tant mieux si je t'ai fait rire. Mais voilà quoi, c'était. En vrai, comme je vous disais, c'était vraiment très, très cool. Parce que pour resituer un peu, la convention, elle commençait à l'ouvrir à 10h du matin, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Ou 9h. Je sais plus. Et moi, ça fait déjà ce week-end, j'ai oublié la moitié des trucs. Et c'est drôle, la soirée était très drôle. Hein. Mais en fait, du coup, bah, j'y allais dès le matin. Je prenais mon petit-déj directement en fait, au lounge partenaire. Je retrouvais les copains qui étaient déjà là-bas. Et puis bah, après, on se baladait dans les stands, machin. Alors, il y avait des gachas. Donc, en fait, il y avait des machines à grappins pour piocher des trucs. Voilà, on a voulu aller. On avait été voir quoi? Qu'est-ce qu'on a essayé de voir?
Moi, j'ai pas pu voir le concours de cosplay. Je suis dégoûté parce que le concours de cosplay avait l'air incroyable et je devais partir. Mais voilà, en gros, ça s'articulait comme ça. On se baladait, on retournait à la Loot Cave, on n'achetait pas, on repartait sur les. On visitait, on allait regarder, on allait se poser. Et coucou, Chloé, comment tu vas? Comment vas-tu? Toi, si tu le fais, on veut voir. J'ai toujours pas goûté. Ah bah, Nota, il va falloir que tu. Tu fais une story ou en stream. Ou au pire, tu le stream ça. Hein. Moi, je veux voir ta réaction parce que franchement, moi, voilà. Mais voilà. Sinon, après, il m'est rien. Alors, bon, il m'arrive toujours 3 millions de trucs incroyables pendant mes voyages. Là, pour le coup, il m'est arrivé des tuiles à l'aller et au retour à cause des transports en commun. Mais en vrai, de vrai, à Amsterdam, ça arrive jamais. Il m'est rien arrivé de vraiment oufissime. Mis à part que si les murs d'escalier, pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir sur ma story à la une sur Instagram. D'ailleurs. Je vous le dis, je vais reprendre mon compte Insta, j'ai les photos que je vais les publier sur mon feed, parce que mon feed Instagram, il est bloqué en 2018, j'ai pas remis depuis mon voyage aux États-Unis, et là, je vais mettre les photos que j'ai fait, notamment avec les copains streamers, etc., que ce soit les très grands, genre Ponce et tout, je vais mettre les selfies, bien entendu, et oui, il va y avoir enfin des photos de moi sur mon Instagram, et en vrai, de vrai, je vais pas vous mentir, cette espèce de vlog, alors c'était des vlogs, alors... Spoiler alert, j'ai commencé à faire un vlog avec mon téléphone portable en mode, vous savez, genre un peu comme faire une vidéo YouTube. Je vais pas vous mentir, j'ai direct arrêté au bout, quand j'étais à Paris, à l'aller. Parce qu'en vrai, j'avais que mon téléphone, j'avais pas retrouvé ma perche. Donc du coup, c'était ingrouillable, c'était trop chiant à faire. Donc du coup, il n'y a pas de. À proprement parler, il n'y a pas de vlog qui va sortir sur YouTube. La seule chose qu'il y aura, et du coup, sur Instagram, c'est bah, du coup, la story à la une. Donc, vous avez littéralement tous les moments forts de la touchonne. Et je trouve que c'est pas plus mal. Comme ça, vous regardez ce que vous voulez. Si vous en avez marre de regarder, vous arrêtez de cliquer. Et au moins, vous voyez ce que vous voulez, quoi. Il faut prendre petite caméra exprès. Oui, bah oui, mais bon, comme j'ai prévu ça un petit peu à la dernière minute, et comme en vrai, bah, je suis pas vlogueur non plus, mais en vrai, je me suis pris au jeu et j'ai kiffé. Vous savez que j'aime pas spécialement me. Bah, alors, même si je suis streamer et que je me montre à la caméra, je suis pas très à l'aise devant une caméra et j'ai un petit peu du mal avec ça. Mais là, pour le coup, avec les stories Insta, alors je n'avais rien à faire de ce que pensaient les gens autour de moi. Bon, en même temps, bon, ils parlaient pas français, donc ça pouvait aider aussi. Et du coup, je faisais mes petites stories et tout. Et au final, je crois que sur toutes les stories, j'ai dû reprendre deux fois une story parce que j'arrêtais pas de me planter dans ce que je disais, mais sinon, mis à part ça, c'était vraiment du full naturel, c'était pas réorchestré machin ni rien, c'était vraiment c'était de l'instant T quoi. Tu avais l'air à l'aise à parler tranquille en public, ça m'avait super. Bah, en fait, les gens me reconnaissaient pas, et en fait, c'est pas compliqué. On était estampillés tous, autant que l'on est en tant que streamer pour la plupart, avec des trucs violets, Twitch machin, avec les badges. Donc en fait, les gens savaient où on allait, et en fait, j'étais pas le seul à faire ça. Il y avait plein de gens, genre, on sent les streamers, vlogueurs professionnels, genre, ils avaient littéralement une énorme perche avec deux téléphones dessus, un téléphone, un micro, un retour caméra et un téléphone exprès pour le chat. Tout ça sur une espèce de perche chelou là, et. C'est, voilà, enfin, genre moi, juste avec mon téléphone comme ça, c'était pas moi qui passais pour le plus bizarre du lot. Donc voilà, franchement, c'était vraiment. Voilà, je passais comme une lettre à la poste, si je puis dire. Mais donc voilà, puis bah, après, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus en vrai je sais pas, en vrai de vrai. Parce que j'ai deux petits trucs à vous dire sur la TwitchCon. Parce que, en vrai, il s'est passé tellement de trucs que je sais même plus. Alors si, on a regardé les Twitch Rivals aussi. Twitch Rivals, c'est ce que c'est en fait, c'est des mini-jeux, entre guillemets, si vous connaissez un peu le principe de vendredi, tout est permis. Bah, en fait, c'est ça, globalement, en fait, c'était les gros streamers, un peu, je crois qu'il y avait, bah, il y avait les Français, d'ailleurs, les Français, spoiler alert, ont gagné, je crois, avec Zeko, si je dis pas de bêtises, parce que j'étais pas là pour la finale. On avait regardé un petit peu lors des premiers jours, et les Français se sont bien débattus, parce que finalement, on est arrivé bah, premier avec Zeko. Et en fait, voilà, c'était genre, ils devaient dormir dans des lits, ils devaient empiler des piles d'objets pour en fait des piles de jouets pour faire la tour la plus haute dans un temps imparti sans qu'en fait la nourrice entre guillemets ouvre la porte et les voit. C'était une espèce d'un 2-3 soleil, mais en même temps il fallait que tu empiles des trucs. Et en fait, au moment où la meuf elle entrait dans la pièce, il fallait que tu sois retourné dans ton lit sous la couette, sinon elle défonçait tout ce que tu faisais. Donc en fait, c'est très très drôle. Après, il y a des espèces de lancers, il fallait lancer des espèces de des fruits légumes en espèce de mousse dans une cuisine. Enfin, bref, et voilà, c'était ce genre de mini-jeu, c'était assez cool. Mais voilà, c'était ces petites batailles en vrai, un peu des batailles des différentes communes streamers, Europe, et ça c'était trop cool en vrai. C'était vraiment trop cool. Oui, j'adore Insta comme plateforme, et oui, je sais pas la page. Mais moi, Instagram, je l'ai abandonné pendant très longtemps, et là je me suis un petit peu remis. Et oui, Tonton Angel, oui, alors je sais plus, oui, il y avait pas que Tonton Angel, il y a Utia aussi qui a participé, il y a.
bah, poutre aussi, je crois. Donc voilà quoi. Aujourd'hui, je suis allé voir le chien. J'ai plus les mots. Mais à notre retour, je suis très mal senti avec mon mari. Team Covid. Ah mince! Heureusement que les grands-parents étaient dispo. Sinon... Ah mince, t'as le Covid, la polémie. Excuse-moi, t'as peut-être dû le répéter, peut-être. Mais j'ai peut-être pas vu. Oui, je le goûterai en stream. Bah, notez, t'as intérêt de le goûter en stream. Et tu me préviens, hein, tu m'envoies un petit message, parce que comme ça, si jamais je suis pas là, je regarde la rediff. Hein. Ou au pire, je demanderai à la commu de clipper. Mais voilà. Et coucou, je sors du lurk pour te dire que c'était trop cool à suivre tes stories sur Insta durant le séjour. Ah, merci Nalawin. Bah écoutez, content que ça vous plaise. J'ai vu que ça a été vraiment beaucoup regardé. Je crois qu'il y avait 200 personnes qui regardaient quand même mes stories. Donc vraiment, merci beaucoup parce que j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Bah, comme moi en vrai, hein. C'est ça que je me prends pas la tête. Même sur les streams, j'essaie de pas me prendre la tête et tout, d'être au maximum naturel et tout. Et voilà, si ça a été retransmis également sur Instagram, bah tant mieux quoi. Moi aussi, team Covidé, vacances annulées, trop deg. Alors en vrai. Je pense que Nota va être d'accord avec moi. Si on n'a pas chopé le Covid à la TwitchCon, je ne sais pas comment c'est possible. Parce qu'en vrai de vrai, personne n'avait de masque. Dans les transports en commun, c'est pareil. Mais après, dans les transports en commun, on n'était pas trop les uns sur les autres. Mais littéralement, à Amsterdam, le Covid, si on ne te le disait pas, enfin, si on ne te dit pas qu'il y avait le Covid encore, littéralement, là-bas, la vie, elle a repris son cours. Hein. Genre c'était vraiment ça, il y avait personne à la convention, j'ai peut-être dû voir une ou deux personnes avec des masques, mais tout le monde se tapait les checks, la bise, le machin, le truc, c'était vraiment très très familial comme ambiance. Au final, pourtant il y a des gens qu'on connaissait pas spécialement, mais vas-y que ça se tape la bise, les machins, les trucs, les accolades. Et en vrai, si on arrive tous à revenir et qu'on n'a pas le Covid, moi je dis chapeau, hein, parce que franchement, alors j'ai fait un autotest ce matin quand même. J'ai fait un autotest ce matin avant d'aller bosser, donc je suis négatif, donc c'est bon. Demain, je surveille quand même si j'ai pas des symptômes, mais je pense pas. Par contre, ce que j'ai fait, ça par contre, je l'ai fait, c'est que dans le bus et dans le train, j'avais le masque, parce que là, par contre, dans les transports en commun, voilà. Dans le métro, Amsterdam, je les ai pas mis, parce que littéralement, il y avait pas grand monde, c'était très espacé, très aéré, climatisé. Paris, si jamais, Anne Hidalgo, si tu regardes là, ça, je m'étonnerais, mais si jamais tu regardes... prends exemple sur les métros, s'il te plaît, à Amsterdam, hein, parce que là-bas, c'est propre, ça ne sent pas l'urine, c'est grand, c'est éclairé, ça ne ressemble pas à un taudis où on risque de t'égorger toutes les deux minutes, et surtout, il y a la clim. Et les gens ne s'évanouissent pas toutes les deux minutes dans le RER là-bas. Voilà. Le pire, c'est que moi, j'ai mis un masque partout une semaine avant de partir, et je suis auto-confiné, et résultat, je suis positif, ouais. Autotest, ça veut rien dire. Moi, ça m'a déjà dit que je l'avais pas. Et en fait, si, en faisant un test en pharmacie le lendemain, et vu mon état, je l'avais. Ah oui, mais moi, en fait, là, j'ai aucun symptôme. C'est pour ça que je l'ai fait. Moi, dès que j'ai un symptôme, si j'ai des symptômes, je fais un autotest. Et même si je suis pas sûr, je vais me faire un test en pharmacie. Là, c'est comme j'ai aucun symptôme. C'est pour ça que je l'ai quand même fait au cas où. Mais voilà. Ouais, je l'ai plus. Et mon mari, je regarde ton stream. Mais sauf aller voir le chien et ma seule activité de la journée. Je comprends. Mais du coup, attends, parce que du coup, vous l'avez adopté. Il est chez vous, du coup, Apollumi ? Ou pas du tout ? Ou pas du tout ? Attendez, cela, j'avoue, je commence. J'ai mal partout, je vais pas vous mentir. Alors, ce n'est pas des courbatures du Covid, hein, c'est juste des courbatures. J'ai marché tout le week-end. Et dites-vous que j'ai quand même porté un sac de plusieurs kilos hier à courir partout. Parce que, faut que je vous raconte, parce que je vous ai pas tout raconté de toutes mes péripéties, de ce qui m'est arrivé hier. Littéralement, alors attendez, je vais m'asseoir, hein, je m'excuse, mais là faut que je m'assoie parce que papy Mister C, il se fait vieux. Voilà. J'ai chialé devant la pharmacienne quand elle me l'a annoncé. Bah oui, bah tu m'étonnes forcément quand tu veux partir en vacances et tout. Oh. C'est compliqué, hein, je peux comprendre. Alors, attendez, je vais un peu remonter la caméra du coup. Donc ouais, non. Attends, je vais remettre le micro comme il était. Voilà, on remet le micro comme il était avant. Relax un peu, mais oui. Mais là, je réalise pas encore tout ce qui s'est passé ce week-end. Encore aujourd'hui, je réalise pas. Hein. Mais je pense que même le fait d'avoir un peu réussi à être passé partenaire, encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à me dire que voilà, genre, littéralement, quand les personnes de Twitch à la soirée partenaire m'ont attaqué, parce qu'il faut savoir que les gens de Twitch se baladaient partout, hein. Ils se baladaient partout, les samedis, le dimanche, on n'arrêtait pas de les croiser, enfin voilà, clairement, le staff de Twitch français, hein, on pouvait les croiser comme ça, on pouvait, en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'ils parlaient avec nous, on pouvait leur poser plein de questions, voilà, moi, je leur ai posé des questions aussi pour les lives TikTok et tout, on dit, bah, écoutez, vous m'évitez, parce que, bon, ils sont pas trop dans les règles du partenariat, mais voilà, plein de petites astuces, les tendances du moment et tout, enfin, franchement, c'était trop bien, on pouvait leur poser plein de questions, et
du coup voilà, c'est trop cool. Genre moi par exemple, voilà, j'ai une des membres du staff qui m'a demandé voilà si j'avais des chaînes à recommander et tout, parce qu'ils sont toujours en recherche de recommandations, et ce qui les intéresse eux, c'est voilà, c'est d'avoir des streamers en fait qui recommandent d'autres streamers, et du coup ça c'est trop bien quoi. Normalement c'est 2 ans d'exclusivité, ouais. C'est ça. Et en fait, là en ce moment, il y a pas mal de monde qui font des lives sur TikTok, donc bah, c'est un peu compliqué. Il y a certains streamers en fait qui sont assez hauts et que eux, bah, du coup, ils ont un. Voilà, ils ont un, pas un passe-droit, mais ils ont des contrats qui sont légèrement différents. Voilà, nous qui sommes des partenaires plus classiques, si je puis dire, faut mieux éviter quoi. Alors, on peut le faire, hein, mais voilà, faut faire attention. En tant que mère actuellement, je me sens coupable de rien faire et de ne pas m'occuper de mes filles. Alors, Apolumi, dis-toi que tu n'y peux rien. Pour le coup, c'est le Covid. Donc repose-toi et t'inquiète, ça va le faire. Tes filles ne t'en voudront pas, ton mari non plus, je pense. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Hein. T'es malade, ça arrive. Hein. Après, je pense voilà. Après, je suis pas ma maman, donc je peux pas parler à ta place. Mais je pense que voilà, c'est le gène de la maman qui te fait ressentir ça. Après, logiquement, c'est décalé à dans un mois. Je ne peux pas les rattraper d'ici là. Du moins, j'espère. Alors oui, normalement, oui. Quand t'as le Covid, en principe, t'es un peu immunisé pendant un certain temps. On est juste allé voir et signer les papiers et l'adopter dans 15 jours. Ok, d'accord. Ok, oui. Donc c'est dans 15 jours que vous l'aurez. Tu n'as pas à t'en vouloir, mais exactement, c'est ça. Faut pas s'en vouloir. Hein. Après, les streamers hauts n'ont pas besoin de coups de pouce TikTok entre guillemets. Oui, c'est vrai. Oui, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Nous, bah après, voilà, bon, moi, c'est pas grave, je veux plus le stream TikTok, c'est pas la fin du monde. Hein. Par contre, c'était cool qu'on se diversifie sur d'autres plateformes, entre guillemets, pour, voilà, par exemple, pour accroître la communauté, entre guillemets. Voilà, c'est juste qu'on n'a pas le droit de faire de live sur d'autres plateformes. On peut parfaitement faire du contenu ailleurs. Là, moi, par exemple, voilà, je fais du contenu sur TikTok, j'ai demandé, mais ça, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, au contraire, faites-le, c'est bien, ça vous fait connaître, ça peut faire ramener d'autres gens et tout. C'est juste que les lives, voilà, ils veulent pas. Bon, après, je peux comprendre. Hein. Voilà. Exactement, si tu es malade, ça fait pas de toi une mauvaise maman, surtout s'ils ont pris en charge par les grands-parents. Exactement, oui, c'est ça, oui, parce que, oui, j'avais mal lu aussi, excuse-moi. Je suis encore un peu à la race. Dites-vous que du coup, je vous raconte un petit peu. Au final, je pense qu'on va pouvoir jouer aux Sims d'ici 15 minutes. Mais d'ailleurs, si. Enfin, je change de sujet 3 millions de fois. Je vais changer de chaise, je le dis tout de suite. En fait, quand on était là-bas, en fait, il y a plein de stands sponsor. Donc, en fait, il y a les stands, il y avait le stand de Riser, il y avait Logitech. Il y avait HyperX, il y avait Noble Chair, il y avait Stream Elements, Stream Labs, pas mal de choses comme ça. Alors, en fait, ce qui est bien, c'est que tu pouvais tester des trucs. Alors, j'ai testé un produit de chez Razer qui va sortir au mois d'octobre. Alors, pour les streamers, moi, je vais l'acheter. Moi, je vous le dis, je vais l'acheter. J'ai hâte que ça sorte. J'ai pris les coordonnées de. Enfin, Razer a pris mes coordonnées pour qu'on discute ensemble. J'ai parlé avec la chargée marketing. Donc, qui sait, peut-être qu'il y aura des trucs, peut-être pas, hein, ça se trouve, je suis tout petit hein, en tant que partenaire, hein, donc ça se trouve, il n'y aura rien, mais ça se trouve, il y aura quelque chose, sait-on jamais, mais en tout cas, voilà, voilà, on ne tente rien à rien, je suis passé, à la base, j'ai juste regardé les produits, et en fait, on m'a proposé, donne-nous ton mail et tout, comme ça, on sera en contact, tout, écoutez, qui ne tente rien à rien, j'ai fait, donc il y avait ça, et en fait, il y avait un stand Noble Chair. Et Noble Chair, pour ceux qui ne savent pas, c'est des chaises de streaming qui sont vraiment de bonne qualité, etc. En fait, moi j'ai acheté cette chaise-là, vous le savez, j'avais des problèmes de dos avec ma chaise Ikea, tout pourrie. Je l'ai toujours, elle est à côté, hein. Elle est là-bas, elle est punie dans le coin. J'avais changé de chaise, j'étais bloqué du dos et tout. Et j'avais acheté cette chaise-là, sauf que je ne sais pas si vous remarquez, mais en fait, je suis légèrement trop grand pour la chaise. Parce que ça, là, normalement, ces petits trucs-là, là, c'est supposé être au-dessus de mes épaules. Un tout petit peu au-dessus. Sauf que là, bah, en fait. Je suis pile dessus. Du coup, je suis pas très très bien. En fait, la chaise est un petit peu trop petite. C'est pareil pour ça, ça devrait être au-dessus de ma tête. Et du coup, bah, la chaise est légèrement trop petite. Donc, moi, je l'ai acheté. Donc, c'est pas grave. Hein, c'est ma faute. J'avais qu'à faire attention. Et alors, elle est déjà mieux que celle que j'avais avant. Donc, ça va. Mais j'ai toujours de temps en temps, quand je reste vraiment très longtemps sur cette chaise-là, je suis pas mal au dos. Mais je peux avoir des moments d'inconfort. Enfin, elle peut être un petit peu inconfortable. J'ai testé les chaises de chez Noble Chair. Mais comment vous dire que je vais devoir économiser plusieurs mois de salaire Twitch pour pouvoir me l'acheter. Mais pour avoir passé une demi-heure à discuter avec Nota dessus, c'est une chose est sûre. Je vais m'acheter la Noble Chair. Et je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est eux qui la font. Ils ont une Noble Chair Collector Harry Potter. Donc, ça va partir sur un prochain achat d'ici quelques mois. Mais donc voilà. Et d'ailleurs, j'avais même pas vu parce que grâce au train de la vie de tout à l'heure, vous avez augmenté le sub goal. J'avais même pas vu. Vous avez passé la barre des 200, donc merci beaucoup.
Mais, mais bon, de temps en temps, ça ne fait pas. Exactement. Tous les cas, tu fais des lives différents de ceux sur Twitch. Il y a vraiment le côté être le seul à diffuser du contenu à l'heure dite, je crois. Ah, je crois que j'ai raté les trucs. Ça, bah, justement, moi, je trouvais que beaucoup de gens arrivaient en disant « je viens du TikTok ». Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de TikTok, mais ils sont... Ces gens qui viennent, mais qui vont pas forcément rester. Alors, il y en a qui restent, mais en fait, sur la proportion de gens qui follow sur le TikTok, par exemple, truc tout bête, j'ai bientôt 9000 followers sur TikTok. Là, j'en ai 6000 sur Twitch, ce qui est, attention, hein, énorme. Mais je n'ai pas les 9000 qui viennent sur, sur Twitch. Et en fait, c'est. Voilà. Donc, mais moi, après, moi, ils viennent, tant mieux, hein, ils viennent pas, c'est pas grave. Hein. Moi, du moment qu'ils apprécient mes petits tutos et qu'ils apprécient mes contenus, moi, c'est tout ce que je demande. Après, ça, c'est bon, j'ai lu. En même temps, c'est ça. Économise pour ta maison à la place. Oui, c'est vrai. Il faudrait que je fasse ça aussi. Elle est toujours en vente, d'ailleurs, la maison. Je suis peut-être bête, mais je ne connais pas Oculus. Alors, Oculus, oui, c'est la chaîne Oculus. Oculus, en fait, c'est le casque des réalités virtuelles qui est sur PC pour faire des jeux en VR que je pourrais vous streamer parce que j'ai le PC normalement qui fonctionne avec sans aucun problème. Et en fait, j'ai découvert que sur VRChat, il y a un serveur dessus où apparemment ils ont refait une partie de Code Yoko. Et vous savez que je suis un énorme fan de Code Yoko. Et donc, du coup, bah, si jamais on arrive à atteindre ça, je l'achèterai quand il sera disponible. Et hop! On se fera une petite vidéo, sachant que j'ai un fond vert, donc je pourrais faire un peu comme les vidéos de Squeezie à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, où en fait ils mettaient un fond vert et donc du coup bah ils vont, on, bah, on, vous me verrez moi debout mais dans le jeu, et le jeu en fond, donc voilà. Je ne consomme pas le même contenu, ouais. Mais c'est ça, hein. Je pense pas, non, je me suis... attends, quoi, j'ai pas tout. Yes, parce que je pense que la plupart préfèrent les vidéos courtes. Oui, mais c'est ça, c'est comment ça, hein. Moi je peux comprendre, hein, le fait que ce soit en direct, en fait ils sont obligés, c'est un peu comme la... C'est peut-être qu'on est comme la télé, mais en fait, il faut qu'il soit là à une heure bien précise. Et je comprends totalement qu'il y a des gens qui ne sont pas dispo. Là, par exemple, moi, je stream de 19h30 à 22h. Bah, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de. Ouais, il y a des femmes, enfin, il y a des mamans, il y a des papas qui me regardent, il y a des parents de famille qui me regardent. Et je sais que bah, ça peut être compliqué cet horaire-là, parce que ça peut être soit l'horaire où on va faire manger les enfants, ou faire coucher les enfants. Et avant, quand je streamais en journée, bah, je sais que par exemple, quand je streamais en journée, bah, forcément, les gens qui travaillaient n'étaient pas forcément disponibles. Alors que là, maintenant, quand je stream le soir, bah, c'est plus les gens qui étaient au travail la journée. Une fois qu'ils ont mangé, ils peuvent me regarder, par exemple, je n'ai n'importe quoi, une trentaine de minutes, parce qu'ils veulent un petit peu regarder ce que je dis, ce que je fais. Puis hop, après, ils vont se coucher, lire, ou je ne sais quoi, regarder une série. Et voilà. Et donc en fait, voilà, chaque créneau est différent. On dirait un professeur qui explique avec son cerveau. Alors, faut savoir que, alors, je suis le type de personne qui pourrait potentiellement vous énerver si on un jour est collègue. J'ai toujours quelque chose dans les doigts et je suis toujours en train de jouer avec. Toujours. Et je le fais régulièrement tomber. Donc moi, ça, heureusement que je suis tout seul dans mon bureau parce que je suis toujours en train de jouer à quelque chose. Donc un crayon. Là, j'ai un badge en ce moment. On a fait des badges pour des clients. Un qui a foiré, je l'ai dans ma main et toute la journée, j'ai joué avec. Et j'adore faire ça. Et par exemple, truc tout bête, hein, quand je joue, vous le voyez pas. Hein. Mais quand je joue sur les Sims, je suis toujours, vous le voyez pas, mais j'ai toujours ce crayon là, comme ça, sur l'index. Donc voilà. Ça, vous le voyez pas, mais sachez que c'est les petits trucs un peu de l'envers du décor. J'ai toujours un petit stylo comme ça dans mes doigts. Graphiste oublié. En fait, c'est, ouais, c'est le réflexe que j'ai. Alors, pourtant, j'utilise pas de tablette graphique. Ça fait des années que j'ai pas utilisé de tablette graphique. Parce que moi, comme maintenant je suis graphiste dans le milieu de l'imprimerie, c'est beaucoup de tracés techniques, et les tracés techniques, il faut les faire à la souris. Et enfin, c'est plus simple. Enfin, moi, je trouve ça plus simple de les faire à la souris. Et du coup, j'ai toujours le stylet comme ça dans les doigts, et quand j'ai la souris, c'est pareil. Enfin, vous voyez, et puis ça m'empêche pas de jouer. Hein. Donc voilà. J'arrive pas à tourner les... Alors moi non plus, j'y arrive pas. Hein. Moi, j'arrive juste à faire des petits tours comme ça. Hein. J'arrive pas à tourner vraiment en gros. Et coucou Elisée, salut, t'en penses quoi du nouveau pack? T'as regardé les vidéos? Et ben non, et vous savez quoi? Je pense que ce que l'on va faire, c'est que là, d'ici 5 minutes, là, on a un petit peu discuté. Après, si vous avez des questions sur la TwitchCon et tout, n'hésitez pas à me les poser. Parce que, en vrai, j'ai fait un peu ça de manière brouillon. Vous savez, je suis encore sur mon petit nuage de la TwitchCon. Donc, je pense que je vais redescendre un petit peu. Je pense que cette nuit, je vais bien me reposer parce que j'avoue que j'ai que 4 heures de sommeil. Je vais en rediscuter pendant la semaine et tout. Il y a des trucs qui vont me revenir. Mais. Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur, voilà, bah tu sais quoi, tu vas être déçu. Ah ouais, sur le, parce que moi ce que je vous propose, c'est qu'en fait, je voulais regarder la vidéo de NS. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça, de streamer la vidéo, j'ai un doute. Mais ouais, en fait, je me suis pas renseigné sur le pack. Alors je sais, parce que je l'ai vu partout, alors j'ai pas vu à quoi ça ressemblait. Mais j'ai vu, enfin on m'a dit, qu'il y avait les murs arrondis dans les Sims. C'est officiel. Alors, une petite souris me l'avait déjà dit. Mais bon, je m'étais dit, c'est à prendre avec des pincettes. Et bon, bah, les pincettes, finalement, étaient vraies. Et les pincettes, on s'en met en fourchette et en fourche, et hop, c'était vrai.
Tu as rencontré une petite belge blonde du nom de Nensha. Elle est partenaire aussi. Elle y était, je l'adore. Alors. Oh mince. Ah pardon, j'ai supprimé un message. Pardon Sarah. Pardon. J'ai voulu cliquer en fait sur le pseudo et enfin sur le pseudo pour faire un copier-coller. J'ai supprimé ton message. Excuse-moi, c'était pas voulu. Pardon. Mais oui, apparemment, oui, on peut pas. Il n'y a pas d'autres lycées dans d'autres villes. Donc ouais, non, ça par contre c'est pourri. Hein. Ça, voilà quoi. Et en fait, c'est pas un de ce que j'ai compris, c'est pas un trait de terrain. C'est comme certaines choses dans certains. Certaines choses dans certains pas. Mais sur 6, c'est une catastrophe. Il va falloir plus de calme. En fait, de ce que j'ai compris, c'est un trait de terrain qui est spécifique à la ville. Et genre, tu peux pas mettre de lycée ailleurs. Et ça, par contre, c'est pourri. Hein. NS vient de finir un live complet sur son avis du nouveau pack. Ok, d'accord. Ok. Alors, je sais pas ce qu'elle en pense. Mais nous, on va regarder ça juste après. Si vous voulez, là, d'ici 5-10 minutes, on termine un petit peu ce qu'on disait avec la TwitchCon. Et on va se regarder ça. Mais sa caméra, ça va être trop haute. Mais voilà quoi. Oui, mur arrondi et quelques fenêtres avec la mise à jour. Oh, on a des nouvelles fenêtres avec la mise à jour. Ah, bah c'est trop bien. Je vois que je ne suis pas la seule à ban et supprimer des messages avec... Bah, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu copier-coller en fait le pseudo de Nensha. Et en fait, bah, je me suis planté. Et j'ai cliqué à côté. Alors, Nensha stream. Enfin, bah, Twitter, simplement. Là. Ah bah si. Si, t'as dit quelque chose. Attendez. J'ai dû... Alors, je sais pas si elle était dans le groupe. Je crois qu'elle était... Je suis pas sûr qu'elle était dans le groupe francophone, mais je l'ai vu. Je sais pas où, mais je l'ai... Enfin, je l'ai vu à Twitch, pour sûr. Je lui ai pas parlé, mais je l'ai vu. Si, bah pour le coup, je l'ai vu. Ouais, les fenêtres pour faire... oui, c'est les fenêtres pour faire les murs. Alors, dites-moi une chose. Dites-moi que les fenêtres du jeu de base et des autres packs fonctionnent sur les murs arrondis. Il faut pas juste les fenêtres du mur arrondi, parce que sinon, moi, je vais m'énerver. Je vous le dis, je vais m'énerver. Elle est trop pipou, adorable, elle chante trop bien. Ok, d'accord. Dans ton lycée, tu auras que 20 sims. Ah bah d'accord, en comptant la directrice, les professeurs et le concierge. Oui, donc déjà 17 sims, ok. En prime, donc ça va être vide. Les gens qui argumentent, oui, mais c'est parce que si on fait sur un autre terrain, le lycée seront vides. Bah, c'est déjà le cas, et apparemment, de ce que j'ai vu du LMS. Bah, en vrai, c'est débile parce qu'il y a plus de 17 adolescents sur la map. Enfin, bref. Oh, on ne refera jamais hier. Mais bon, en vrai, déjà, on a les murs arrondis. Les murs arrondis, franchement, personne n'y croyait. Hein. Les murs arrondis, personne n'y croyait. D'ailleurs, Shiroko, c'est bien que de les montrer. Pour ceux qui viennent d'arriver, ceux-là, j'ai vu qu'il y a du monde qui est revenu entre temps. Il y a des nouveaux emotes sur la chaîne. Donc, je vous en ai mis pour le niveau 1. Donc, je vous ai mis du coup des ronflex parce que j'aime beaucoup ce Pokémon. Voilà, donc vous avez celui qui ronfle, vous avez celui qui dort, vous avez celui qui lurk. J'ai l'emote du ronflex qui ban, qui me fait beaucoup rire, celui qui est énervé. Je vous ai mis pour ceux qui sont sub avec le tier 2, je vous ai mis les petits Harry Potter. Voilà, bah merci Shiroko. Du coup, vous avez Ron, Hermione, Harry et Luna. Et vous avez en sub de tier 3, vous avez le petit Wouhou et la petite plante vache que j'ai acheté sur Etsy. Je l'ai trouvé trop stylé. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit en début de stream, mais je vous le redis, pour ceux que ça intéresse, pour récompenser, parce que je sais qu'il n'y a pas d'intérêt, entre guillemets, sur ma chaîne actuellement, pour faire des... Pour les subs, bon, entre guillemets, de tier 1, tier 2, tier 3, mis à part le tier 1, ça vous enlève la pub, et bien, je me suis dit que le tier 3, alors c'est vraiment le plus haut, donc c'est pour ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent. Sachez que pour ceux qui veulent faire le tier 3, sachez que si vous prenez un sub de tier 3, je vous enregistrerai dans ma liste. Et en fait, je pourrais passer commande d'une maison de votre choix sur la Sims. Vous me direz ce que vous voudrez. Vous me direz les packs que vous avez et je vous construirai une maison en fonction de ce que vous m'avez demandé. Si vous voulez une maison ultra moderne, un manoir victorien, un truc comme ça, et bien je vous la ferai. Alors je les ferai peut-être en live, pourquoi pas, si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas vous streamer ça. Mais en fait, je voulais faire aussi. Alors ça, c'est pour le sub de tier 3. Je m'étais posé la question pour faire du sub de tier 2, pourquoi pas. Pour les subs de tier 2, pourquoi pas en fait faire plutôt des plus petits terrains et les faire en stream pour n'importe quoi. Par exemple, pour les subs de tier 2, eh ben, vous pouvez me passer commande littéralement du terrain pour un 20 par 15, un 20 par 30, un 30 par 40, un 30 par 30. Et en fait, il n'y aura que vous, que la personne qui aura eu le sub, qui aura du coup la construction. Mais je la ferai en stream avec vous. Je pourrais vous faire ça par exemple.
ça pourrait être sympa. De une pour vous, ça serait cool, ça serait une création faite par moi, entre guillemets, si ça vous intéresse. Et en plus de ça, ça ferait du contenu et ça pourrait des petites astuces et tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse et que ça vous dit, on fera un petit vote si vous voulez sur le Discord pour savoir si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, on pourrait mettre ça en place. C'est, voilà, après, c'est libre à vous de le faire ou pas. Et ta commande sera réalisée en live. Bah pourquoi pas, oui. Oui, bah après c'est à vous de voir si vous voulez que je la fasse en live ou pas. Parce que si vous voulez pas, bah je la fais pas. Et si vous voulez, bah je la fais en live. C'est vous qui déciderez. En fait, vous passez commande, littéralement. C'est une super idée. Je pense aussi. Après, faut juste que je me renseigne. Parce que je sais. Normalement, avec les Sims, il n'y a pas de souci. Mais faut juste que je me renseigne si je peux bien faire tout ça. Parce que comme c'est une contrepartie, faut que je regarde. Pour le nouveau pack, par contre, le mode construction achat est vraiment cool. Donc, c'est ton domaine, c'est chouette pour ça. Bah, en vrai, je pense que ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder. Parce que je crois qu'il n'y a que la vidéo de Sims Guru en une seule partie. Et je pense qu'on va regarder la vidéo de NS. Je pense pas que ça la dérange. Qu'on regarde sa vidéo, qu'on regarde un petit peu. Parce que j'ai bien aimé, en fait, j'ai vu qu'elle a compartimenté en fait construction, créer un Sims, gameplay, je crois. Et donc voilà. Et coucou Sinop, comment tu vas? Sur le téléphone, je risque de répondre 3-4 heures. Pas de soucis, Sinop, coucou à toi. Tu arrives un petit peu, mais en fait, on vient de terminer un petit peu le tout qu'on discutait de la TwitchCon. Et voilà, donc on va ravi de te voir parmi nous. Et remercie Sinop, merci pour ton resub, merci beaucoup, merci. Ça m'a fait super plaisir, merci à toi. Et coucou Dodo, comment tu vas? Construction à l'avenir. Oui, c'est prévu. Là, pour l'instant, j'en ai pas fait parce qu'il y en avait qui étaient prévus cet été. Mais comme je savais que là, vous savez que cet été, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas mal de petits trucs à faire. D'ailleurs, je vous l'ai pas encore dit, j'ai oublié parce que tout ce que je dois vous dire ce soir. Au niveau des streams, je vais vous mettre le planning ce soir. J'ai pas eu le temps tout à l'heure, je dois vous avouer que j'ai cherché les nouveaux emotes. D'ailleurs, Sinoc, si tu le sais pas, il y a plein de nouveaux emotes sur la chaîne. Voilà, tier 1, tier 2, tier 3, il y a plein de nouveaux emotes. Les emotes animés, c'est prévu, j'en ai trouvé, je serai en regarder comment faire. Et voilà, au niveau du planning, je vous le mets tout à l'heure, après le stream, je vais vous mettre le planning. Sachez que je vais streamer du coup toute la semaine, sans aucun problème. Il y a possiblement, je vais vous mettre un stream mercredi, mais c'est vraiment pas sûr. Parce que mercredi, avec la copine Johanna qui est ici, on va aller à l'ouverture officielle du Land Avenger à Disney. Donc pareil, je vous refais le topo. N'hésitez pas à suivre sur Instagram parce que là je me suis pris un petit peu goût à faire un peu vlogger entre guillemets sur Insta, faire des petites stories Insta comme ça en mode décontracté à l'arrache. Et là du coup je vais vous le faire aussi au Land Marvel puisque mercredi ouvre le Land Marvel à Disney. Je me suis repris d'affection pour Marvel et d'ailleurs voilà hein, j'aurais... Ah merde, j'ai mis mon t-shirt WandaVision aujourd'hui, je suis con. C'est pas grave, je mettrai le t-shirt du Campus Avenger. La CB va encore craquer à Disney. Alors en vrai, non, en vrai je me suis spoilé le merchandising. Je pense que je vais rien acheter. Ou peut-être un truc. Et re Edwige, comment ça va? Je me réveille d'une sieste, on dirait que j'étais dans le coma, je comprends. J'avoue que moi là, j'ai dormi 4 heures cette nuit, autant vous dire que je suis un petit peu claqué. Et si d'ailleurs c'est ça, je voulais vous terminer, c'est avec l'anecdote, que j'ai toujours pas dit d'ailleurs. Donc de base, donc je stream demain, ça n'est pas de souci, sur du Sims. Mercredi, c'est pas sûr, parce que je sais pas à quelle heure je vais sortir du parc. Ça va dépendre en fait si on arrive à faire les deux attractions. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement faire les deux attractions du parc, de Nouveau Land. Et une fois que je les ai fait, après, on se voit dans le parc, on fait nos tours d'attractions si on a le temps. Mais si clairement, à 17h, j'ai toujours pas fait n'importe quoi, soit l'attraction de Spider-Man, soit l'attraction d'Iron Man, bah autant vous dire que le stream de mercredi risque de sauter. Mais je vais vous faire le planning. Donc sachez que voilà, le stream de mercredi, c'est pas sûr qu'il soit là, mais peut-être. Mais voilà. Si y a des anecdotes à Disney, Paris ou Marvel, tu me dis, je te fais le camarade. Bah oui, pourquoi pas, Johanna, bah j'avoue, merci. Et re, Weka. Re. Bah oui, c'est mercredi. Et oui, je vais vous faire plein de stories, hein. Je vais vous faire plein de stories là-bas aussi. Donc j'ai très très hâte. Et oui, merci Choco de rappeler. D'ailleurs, je n'ai pas fait de commande, faut que je le fasse. Et d'ailleurs, Johanna, je vous ai toujours pas mis le badge de créateur de graphiste sur Twitch. Et faut vraiment que je le fasse. J'ai encore oublié de le faire. Faut vraiment que je me le note. Et oui, du coup, pour rappel, pour ceux qui ont des points de chaîne, si jamais vous avez 30 000 points de chaîne actuellement et que vous êtes disponible le 26 août prochain, sachez que je fais remporter 2 places pour venir avec moi à Disney. Donc la seule condition, c'est qu'il faut être majeur impérativement et que vous puissiez vous déplacer par vous-même au parc. Je vous paye l'entrée, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne peux pas vous payer le transport. Donc... si jamais vous êtes disponible le 26 août, n'hésitez pas, vous pouvez participer. Je ferai le tirage au sort fin juillet, normalement
1er août, je vous fais le tirage au sort. Sachez que plus vous restez sur la chaîne, plus vous gagnez de points. Ceux qui sont subs, si je dis pas de bêtises, vous gagnez plus de points à la minute. Et quand vous participez au raid, quand je fais des raids à la fin des streams, vous gagnez des points également. Vous gagnez, je crois, 300 ou 400 points de chaîne quand vous faites ça. Donc après, voilà. Là, pendant la semaine, je vais aussi faire des petites prédictions. Donc, il faudra jouer vos points. Donc, ça sera soit vous le gagnez, soit vous perdez. Mais donc, voilà. Niotel, oui, voilà. Je vous paye, en fait, je vous paye la place. Donc, si jamais vous habitez à Marseille, sauf si vraiment vous voulez aller à Disney, que vous voulez après visiter Paris, que vous faites votre petite vacance autour de ça, pourquoi pas. Mais n'allez pas faire un aller-retour juste pour me voir à Paris pendant une journée. Enfin, je serais très honoré, hein. Mais n'allez pas vous mettre mal financièrement et pour participer alors que vous habitez à l'autre bout de la France, hein. Je le prendrais pas mal du tout si vous participez pas. Je savais déjà qu'en faisant ce concours-là, qu'il n'y allait pas avoir autant de participation que quand je fais gagner un pack d'extension ou autre. Ça, je le sais pertinemment. Et voilà, là-dessus, n'allez pas paniquer parce que vous n'allez pas participer au concours, quoi. Va être crevé cette semaine. Oui, et c'est pour ça que là, le stream, je vais le couper à 22h. 22h30, je mets la rediff. Faut que je prépare un TikTok pour demain. Et je vais me coucher. Je vais me doucher et je vais me coucher. Moi, je peux. Je suis pas majeur. Bah, en fait, c'est. Alors, pour le coup, pour le niveau des majeurs, c'est juste une question de sécurité. Comme pour vous, comme pour moi. C'est vraiment dans les deux sens. C'est parce qu'il peut arriver n'importe quoi, que ce soit de ma faute ou pas du tout. Et en fait, je veux juste pas être responsable et j'ai pas envie qu'il y ait des soucis, etc. Et après, c'est même pour vous, c'est vraiment clairement c'est pour votre sécurité et aussi, bah, mine de rien, bah, pour la mienne. Donc voilà. Mais j'attends juste les 30K et je m'en fiche pour l'aller-retour. Ok, mais tu habites dans quelle région, Isanora? Bon. Combien de participants? Je crois qu'à l'heure actuelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 actuellement. Donc voilà. Attends, je regarde juste un petit truc. Parce que je reçois 12 millions de notifs. En même temps, je suis dans tellement de conversations en même temps là. Hop. Trop de notifs, tu l'as notif. Pourquoi j'ai été notifié ici? Ah oui, là. Ok. Non, excusez-moi, je regarde juste un petit peu tous les trucs. C'est entre les nouveaux Discord, les nouveaux trucs. Voilà, ok, c'est bon. Mais oui, tu as raison, Dodoto, comme ça, tu seras en forme. Mais oui, non, mais clairement, bah alors, c'est pas demain, c'est mercredi. Mais donc voilà. Bah, vous savez quoi? On va maintenant passer un peu sur les Sims. Je vais changer le titre du stream. Puis on va continuer de discuter. Bien sûr, on va continuer de discuter. Et coucou, Miko, comment tu vas? Et si par hasard, on se trouve. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est ça que j'ai oublié de dire. Vous pouvez, après, même si vous ne gagnez pas, vous pouvez parfaitement venir à Disney le 26. Si vous voulez, on peut se faire une journée entre guillemets abonné, enfin viewer, streamer. Il n'y a pas de souci. Au contraire, si jamais vous habitez à côté du parc et tout, vous avez un pass annuel et que vous êtes dispo et que vous voulez passer une bonne journée avec des gens de la communauté et avec moi par exemple, et ben n'hésitez pas, vraiment c'est ouvert à tout le monde. C'est pas que pour les deux personnes qui ont gagné le concours. Il y a vraiment deux personnes où je vais leur offrir la place et après les autres, s'ils veulent venir, c'est ouvert à toute la communauté, hein. Pour le coup, ça, il n'y a pas de souci. On peut, mais il n'y a pas de souci, Amico. Hein, il n'y a aucun problème. Et voilà, il y a Johanna qui sera là par exemple. Donc, franchement, n'hésitez pas. Hein. 10 et 2 places, ça. Oui, c'est ça. Vous avez une grande probabilité de gagner, hein, pour le coup. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, au-dessus du chat, j'ai changé. Parce qu'avant, en fait, il y avait les top donateurs, enfin, les top gifteurs, sub-gifteurs, qui étaient là depuis le début de la chaîne. Et en fait, je ne savais pas comment le modifier. Et en fait, j'ai découvert ça à la toute chaîne, comment faire. C'était tout bête. Hein, j'étais un peu teuteux. Et du coup, je vous ai mis, en fait, un. Du coup, bah, au-dessus du chat, vous voyez, en fait, ceux qui ont donné le plus de subs par mois. Du coup, voilà, j'ai fait ce comme ça. Du coup, le petit cadeau va changer en fonction des mois. Je trouve ça marrant. Donc, voilà. Des petites nouveautés un petit peu sur la chaîne. Et coucou Caoutchouc, comment tu vas? Comment vas-tu? Comment ça va? Hop. Et bah écoute, on va passer aller sur le jeu des Sims. En vrai, attendez, je viens de voir, on est quand même 91. Alors, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je fais un live just chatting, littéralement. Voilà, parce que bah, quand j'avais parlé de la Twitch pendant plus de 2 heures, je me doutais bien que je n'allais pas me mettre en Sims. Et bientôt la fin de la rénovation. Oui, bientôt la fin de la rénovation de Glimmerbrook. Mais quoique, non, attendez, je dis n'importe quoi, on va rester en just chatting en vrai, puisqu'on va regarder les vidéos de NS sur le nouveau pack, parce que bah, je ne l'ai pas vu moi. Bientôt, mais écoute, ça va, je suis très fatigué après cet incroyable week-end de 3 jours à la TwitchCon, où comme j'ai dit, hein, voilà, j'ai rencontré des gens incroyables, avec qui on a discuté, on a échangé,
Et pas forcément, en fait, ce qui était ouf, c'est qu'on a parlé un peu de stream au début. En fait, forcément, c'est un peu le sujet de conversation que l'on lance. Et au final, après, bon, on discute comme ça et tout. Enfin, franchement, des gens de tout âge, pour le coup. Voilà, par exemple, j'ai vraiment, quand j'ai dit, j'ai beaucoup accroché avec, avec Poppy Lala et avec Sailor Alex, avec qui on a beaucoup discuté. On s'est baladé dans le soir, c'était quand c'était bah, samedi soir, on s'est baladé dans le quartier rouge et tout. Mais voilà, franchement. Des bons souvenirs, voilà, pareil avec Nota et Crazy Red, voilà, on a passé une bonne partie de la journée avec Soupapeu, comme je disais tout à l'heure. Vraiment, on a passé vraiment des très très bons. Alors, je m'excuse des pseudos des autres streamers que j'oublie parce que je suis une catastrophe avec ça, faut vraiment que je me les retienne. Mais là, ça va être simple parce que comme maintenant il y a le Discord, je vais pouvoir me retenir encore plus qui est qui. J'avoue que des fois j'étais en mode, alors attends, c'est telle personne qui a fait non, ça c'est pas lui, c'est un tel. Pardon. Mais voilà. Moi, j'ai précommandé Odyssey car la vidéo de Danès et Capande m'ont trop convaincu. Bah écoutez, on va les regarder si vous voulez. On va les regarder. Attendez, je vais un peu enlever tout ça. Est-ce que les centres d'alerte sont revenus? Oh, merci Bekido pour ton raid. Merci beaucoup, coucou tout le monde. Raid d'anniversaire d'abonnement. Oh, et merci du coup pour... attends, comment ça? Et du coup, ah oui, du coup, tu es resub en même temps. Bah merci beaucoup. Merci. Alors, le resub va apparaître quelques temps après. Voilà, merci beaucoup, Bekido. Merci. Comment ça va? Comment s'est passé ton stream? J'étais passé tout à l'heure. Comment ça s'est passé sur la fin de ton stream? Est-ce qu'un des modos peut faire un point d'exclamation? Bah voilà, merci Sidoc pour le point d'exclamation. Et n'hésitez pas à aller follow Sidoc. Sidoc, pardon, Bekido. Oh là, je suis fatigué. N'hésitez pas à aller follow Bekido qui fait des streams également. Qui fait du Sims également de temps en temps. Donc, n'hésitez pas. Et coucou Nemo, comment ça va? Et coucou Queen également, comment vas-tu? Mais oui. Et coucou Matt, comment ça va? Ça s'est super bien passé, merci beaucoup. De rien. Mais ouais, comme là en fait on est en train d'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé sur... D'accord, sinon je sais pas ce qui s'est passé sur ton clavier, mais d'accord. On est en train d'expliquer, j'étais en train de faire le débrief en fait de la TwitchCon. J'ai eu la chance de pouvoir aller à la TwitchCon en tant que partenaire à Amsterdam. Comme je disais, c'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Merci Matt pour le vlog. Merci beaucoup. Merci. Ça fait super plaisir. C'était vraiment un truc de ouf. J'ai dépensé ma thune, comme dirait l'autre dans Jurassic Park. J'ai dépensé sans compter. Et d'ailleurs, je porte très fièrement, je vais pas vous mentir, hein, ce t-shirt là, je vais le porter assez souvent en stream. Je le surkiffe. Et en fait, la texture, elle est trop confortable. Donc, j'avoue. Là, franchement, j'ai aucune honte à le dire. J'adore avoir ce genre de produits. Moi, je suis corporel. Vous voyez bien derrière moi, j'adore les produits dérivés. D'ailleurs, oh, attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc. J'ai reçu aujourd'hui une Funko Pop. Je pense qu'on suivait les stories. Hier, quand je suis arrivé de la TwitchCon, à 1h et quelques du matin quand même, j'ai découvert que dans ma boîte aux lettres, le facteur avait posé le colis. Mais en fait, je ne pouvais pas l'enlever de ma boîte aux lettres s'il avait ouvert toutes les portes pour mettre mon truc. Et en fait, ce n'est pas la Funko Pop de Wanda et de Doctor Strange 2. Bah, et de Doctor Strange. Non. J'ai reçu la Movie Moment de Harry Potter. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais aller la chercher et je vais la montrer parce qu'elle est incroyable. Alors, attendez, est-ce que le Stream Deck fonctionne? Non, le Stream Deck marche plus. Bah, attendez, bah, je reviens. Et vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit. Je suis désolé, mais j'arrive. Bah en fait, j'avais eu l'idée hier soir et après, en fait, il y a Agent Shirley et Sissi qui m'a également MP en Instagram. Mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu déchires le carton d'emballage et normalement, tu peux l'enlever. Et en effet, c'est l'idée que j'avais eu ça. Mais en fait, je m'étais dit, je vais pas faire ça à 1h30 du matin parce que littéralement, j'ai foutu un boxon. Et donc, j'ai reçu, j'avais oublié, en fait, elle est arrivée assez vite, la Bobby Moment de Harry Potter. Qui regarde le miroir du reset avec Dumbledore à l'arrière. J'avais oublié que je devais la recevoir cette semaine. J'étais persuadé que c'était la Doctor Strange que j'allais recevoir avant parce que je l'ai commandé avant. Et parce que celle-ci, je l'ai commandé la semaine dernière et je l'ai commandé en Australie. Donc elle a fait une semaine pour traverser la moitié de la planète. Bon, j'avoue, le bilan carbone, c'était pas. Enfin, je suis désolé. Mais voilà. Donc je vais faire un petit déballage en même temps. Décidément, aujourd'hui, c'est soirée unboxing. Hein. D'ailleurs, je vous le rappelle. Hein. Je vous rappelle que j'ai, comme je suis allé à la TwitchCon, je vous ai acheté pour vous, et je voulais faire remporter en giveaway cette semaine. Donc il y aura deux badges exclusifs de la TwitchCon Amsterdam. Donc ceux-là, vous ne pouvez pas les trouver sur internet. C'est littéralement, il fallait être sur place pour pouvoir les acheter. Donc je vous en fais remporter deux. Et je vais vous faire remporter également
trois pins qui sont dans des sacs noirs. Alors il y en a un que j'ai ouvert, je vous l'ai montré. Il y en a un que j'ai ouvert et c'est un petit fromage. En fait, c'est hop là, c'est les petits loups qui sont là. Voilà, c'est tout simplement c'est des petits badges un peu voilà emblématiques de Twitch. Et en fait, voilà. Donc ça, je vous les ferai remporter. Je vous en ferai remporter un par par jour de stream. Donc je ferai ça demain, mercredi si je stream, parce que si je reviens à temps de Disney, etc., etc. jusqu'à dimanche. Donc voilà, je m'étais dit, je voulais vous faire remporter des choses. Au début, je voulais faire remporter des t-shirts gratuits que je pouvais récupérer. Mais je me suis dit, c'est un peu relou parce que ces t-shirts, bah, c'est taille M en général, parce que j'ai pris à ma taille. Et je me suis dit, bah, en fait, si une personne elle est plus fine ou si une personne elle est un peu plus forte, bah, c'est compliqué du coup avec les t-shirts. Donc je me suis dit, les pins, en vrai, meilleure idée. Et merci Matt pour ton sub, merci beaucoup pour ton sub de niveau 1, merci beaucoup, merci, merci. En plus, hey, tu subs aujourd'hui et j'ai mis plein de nouveaux emotes dans le tier 1, j'ai mis les petits emotes de Ronflex, de... enfin alors Pikachu ils étaient déjà de ma tête, et j'ai mis les ceux de Ronflex aujourd'hui, j'ai également mis des subs pour, enfin des emotes pour le sub de niveau 2 et également des pour le niveau 3, donc voilà. Toujours plus grand les Funko, mais c'est ça, attends, je fais le petit unboxing et après promis, promis, on regarde la vidéo, les vidéos de NS pour savoir un peu. Les vidéos de NS pour savoir un petit peu ce qu'il en est du nouveau pack, parce que vraiment, à part je me suis fait spoiler le fait qu'il y avait des murs arrondis, le reste, je n'ai pas vu. Merci Bekinou pour les 100 bits, merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Ça sent que j'aime bien Wanda et WandaVision, parce que avec la musique. On change de couleur. Win, Alawin, tu veux quelle couleur? En fait, alors pour la couleur, pour ceux qui ne savent pas, c'est changer la couleur de mes LED derrière moi. Bon, je vous laisse les amis, bonne soirée, pas de soucis Sarah, passe une bonne soirée, repose-toi bien. Et bah, à demain, avec grand plaisir, si jamais bah, tu es dispo, 19h30, et demain on fera du Sims, et on continuera du coup Glimmerbrook. Bleu pour faire plus de fraîcheur, et bah pas de soucis, bleu, bleu, là. Voilà. Et donc si, c'est ça que je voulais vous dire, parce que j'ai toujours pas terminé mes anecdotes, hein. Hier vous savez que j'ai galéré comme pas possible pour revenir sur, sur Orléans. Oh merci Matt pour le sub geek. Alors je sais pas si vous essayez de déclencher le train de la hype, mais merci. Mais merci du coup pour le sub geek Matt pour Pat. Merci beaucoup. Merci merci, ça fait super plaisir. Merci à toi. Ah, on s'est plié. Mince. Je sors de mon lurk. Mais du coup tu vas faire un nouveau jeu mercredi. Alors. Merci Weka pour les services qui du coup déclenche le deuxième train de la hype de la soirée. Donc merci beaucoup. Alors attendez-vous. Vous savez que le train de l'hype, qui dit train de l'hype, dit que, attention, dit musique du train de l'hype. Voilà, musique du train de l'hype qui va arriver. Qui arrive maintenant. Voilà. Et merci, du coup, Héloïse pour les 100 bits. Merci Weka pour les 100 bits. Merci Gaïa également pour les 100 bits. Merci beaucoup. Alors, je change la couleur bleue, je le mets en clignote, mais je remets après en bleu à la fin. Ne vous inquiétez pas. Hop. Allez hop, voilà. Train de live et deuxième train de live de la journée. Merci beaucoup. Et merci Bikino pour les 100 bits également. Merci beaucoup. Merci, merci. Bah, c'est un fou, ça, je... Ah ouais? Ah bah je sais pas du tout pour le coup, parce qu'il vient d'arriver sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et merci pour le follow, Nasta. Merci beaucoup. Merci, merci. Je. Attendez. Il reste deux follow pour atteindre les 6100 followers. Si jamais il y a des gens qui sont pas follow sur la chaîne, n'hésitez pas. Il en reste plus que deux pour pouvoir atteindre les 6100 follow. Donc n'hésitez pas. Et merci Edwige pour les 100 bits. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Je peux pas mettre code Yoko. Alors je donne des... Oui, les sondes d'alerte sont buggées ce soir. Merci du coup de le train live post niveau 2. Merci beaucoup. Hop. N'hésitez pas à suivre mes services. Et même, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux et notamment sur Instagram où je fais pas mal de stories. Et coucou Nasta, ben je te découvre, merci beaucoup. Attendez, comment ça se trouve? Elle est incroyable. Et merci Chirox pour les 100 bits, merci beaucoup. Merci, merci. J'ai débloqué. Oui, t'as débloqué le psychoquac pas content. Et merci Zanora pour les 25 bits, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Bah regardez, Matt il est déjà 3ème gifter leader. Parce que oui, comme je vous ai dit, j'ai changé en fait comment fonctionnait. Alors attendez, vous c'est de quel côté? Au niveau du chat, il y avait les cadeaux, ceux qui giftent le plus. Avant c'était ceux qui avaient fait le plus de sub-gifts à l'année. Et là j'ai changé, j'ai fait au mois. Voilà, donc si jamais vous voulez faire des compétitions de sub-gifters,
Faites comme vous voulez. Mais voilà, je trouvais ça plus sympa en fait de voir qui avait plus donné ce mois-ci. Je trouvais ça marrant. Et merci Waika pour les 75 bits. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Attendez, je vous montre cette. Elle est d'une beauté. Regardez. Ah, ouais. Ah, c'est un peu compliqué à montrer en caméra. Elle est trop stylée. Alors, Harry, je le trouve un peu trop proche du miroir, je dois vous avouer. Mais. Elle est incroyable la Funko Pop. Elle est trop stylée. Alors, je sais pas trop comment la mettre en avant sur mon. Déjà, je vais la mettre où? Je vais pas la mettre. Attendez, c'est le numéro combien? C'est le numéro 145. Il est prêt, ouais, il est à peu près, ouais. Coucou Mélodias, comment tu vas? Comment vas-tu? Et merci du coup pour le follow, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Tu as vu la Movie Moment de WandaVision? Alors, oui, Jordan, je ne l'ai pas encore précommandé. Dis-moi, c'est quoi ton micro? Un Elgato, pourquoi? Mais c'est un Elgato, j'ai le Wave 2, je crois. Oui, c'est ça, j'ai la dernière version du Elgato. Mais oui, la Movie Moment de Wanda avec Agatha Harkness. Ah oui, bah, je vais la précommander. J'attends le mois prochain et je la précommande. Ou c'est le Wave 3? Attends, je sais plus. Elgato. Wave. Alors je crois que j'ai le 2. Attends, regarde. Ouais. Oui, non, ouais, ça va être le. Ouais, c'est le Wave 3 que j'ai. C'est le Wave 3, exactement. Et bah, c'est le Wave 3, Melodias. Tu as la config en description. Oui, bah, c'est ça. Ah bah. J'ai dû le marquer à l'époque. Du coup, ma question, c'est perdu pardon à notif. Quid, nouveau jeu mercredi ou jeudi? Alors, le nouveau jeu, finalement, pas cette semaine, la semaine prochaine. Parce que comme du coup, mercredi, je suis potentiellement à Disney, je fais ça la semaine pro. Parce qu'il faut que je sois juste le jeu. Cela, j'avoue, avec le Twitch, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Donc, semaine prochaine, nouveau jeu le mercredi. Voilà. C'est dit, c'est fait, c'est acté. Oh, merci Matt, du coup, pour le subgift à Aleria, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir. Merci. J'ai enlevé la pseudo, j'en reprends plus de la maison. J'ai chaud, attendez, je vais boire de l'eau. Ouais, intense. Et coucou Fat, comment ça va? Attends, je t'avais pas encore vu. Et merci du coup pour les 200 bits, merci beaucoup. Et c'est avalanche de bits. Ouais. De bits. Attention, n'allez pas faire dire autre chose. Hein. Je vous connais. Mais oui, merci beaucoup, mais oui. Mais faut pas faire ça quand je bois. Merci Légion pour les 5 sub-gifts. Merci beaucoup. Merci pour Léonie, pour Choup, pour Bébé Choups. Merci pour Town TV. Merci pour Ocre. Okay, merci pour Nélis. Merci beaucoup. Attendez, oui. Mais ouais, les jeux ils claquent sa CV. Merci beaucoup. Du coup, ça explose le niveau 2. Merci. Ça me fait super plaisir, merci. Je claque le prime de risque radioactivité. La prime de risque radioactivité. Pardon. Moi, je raisonne trop avec Twitch. Mais merci beaucoup, en plus, du coup. Alors, ça, je peux pas le mettre, c'est sous mes droits d'auteur. Vous faites augmenter le sub-goal. Il ne reste plus que 19 pour atteindre l'achat de l'Oculus Rift dès que je vais la paye Twitch le mois prochain. Donc, il en reste 19. Donc, soit... vous faites ça maintenant, la semaine prochaine, dans un mois, dans deux mois. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup, ça le fait augmenter, c'est très très cool. Merci à vous. Merci. En plus, vous avez les nouveaux emotes Ronflex. D'ailleurs, il en reste encore deux que j'ai pas encore placé. Donc, les emotes Ronflex, vous avez des subs également pour le niveau 2 maintenant. Vous avez des emotes exclusifs qui sont les emotes Harry Potter. Et dans le sub de niveau 3, vous avez la plante vache et vous avez le crac-crac. Alors, je crois que la plante vache, je l'ai peut-être déjà vue chez NS. J'ai un petit doute. Si jamais elle est sur NS, j'irai la remplacer. Mais je l'ai acheté sur Etsy. Et comment allez-vous? Bah écoutez, mine, ça va très bien. Ça va très très bien. Je suis en train de débriefer de la TwitchCon. Et là, on va un petit peu regarder. Alors, j'attends que le train se termine. Et on va regarder la vidéo de NS sur la construction. Parce que je me suis pas renseigné sur le nouveau pack. Comme j'étais à la TwitchCon, je n'ai pas pu voir le live des Simigourou. Et apparemment, en construction, il y a pas mal de trucs sympas. Voilà. Ah, ok, j'ai eu peur. Je savais qu'elle avait une plante vache. Et bon, bah, ça me rassure.
Ça me rassure. Mais voilà, je me disais que le petit boufou, il était rigolo aussi. Quand même qu'on mette quelques petits emotes Sims. C'est à la base, je mets beaucoup de Pokémon, mais bon. On fait pas que du... Enfin, on fait finalement quasiment que du Sims pour le moment. Tu peux laisser la plante vache, ça, hein? Non, bah oui, non, mais oui, mais en fait, j'ai eu peur qu'elle les plie sur les Sims, évidemment. Merci Matt pour ton sub gift encore une fois. Merci beaucoup pour Nalawin, merci beaucoup. Merci, ça fait super plaisir. Et en plus de ça, tu fais passer l'ultra live au niveau 3. Merci beaucoup, merci. Attendez, je vais mettre celui-là. Hop. Merci, ça fait super plaisir. 2 trains de live ce soir. Eh bah dis donc, merci. Je pensais pas que faire un live just chatting, il allait avoir déjà autant de monde et que vous soyez autant hypé par ça. Merci beaucoup. Merci. Ça fait super plaisir. Bon, alors du coup, ça, à votre avis, je le mets où? Parce que techniquement, vous voyez qu'il reste de la place en fait sur les étagères du bas et en bas sur les étagères du haut. En haut, il reste encore un peu de place. Si je tasse un peu. Hop. La caméra, elle est bouillante. Enfin, elle est brûlante. Parce que bouillante, techniquement, c'est pas de l'eau. Niveau 4 plutôt. Oui, on vient de passer niveau 4. Mais le niveau 3, c'est terminé. Merci. Mais oui, mais en plus, vous avez les emotes Pikachu maintenant. Les emotes Pikachu qui dansent. Enfin, vraiment, comme je dis, streamer en carton, ça fait un an et demi que je stream. J'ai qu'un seul emote animé. Franchement, enfin, y'a rien qui va. Les gens sont trop en forme pour un lundi à 35 degrés, c'est fou. J'avoue, et c'est peut-être la chaleur qui tape. Hein. Mais voilà, bah en tout cas, tu vas rejoindre ta collection, tu vas être riche. Alors sachez une chose, que la copine streameuse Poppy Lala a déjà dit que je devais la mettre sur mon testament si jamais je décédais. Voilà. Donc, elle a dit ça pour rigoler. Donc, c'est-à-dire si je décède, possiblement que ma copine de papa atterrira chez Poppy Lala. Ouvrir un musée. En vrai, je pourrais ouvrir un musée de Funko Pop Harry Potter parce que avec celle-ci, techniquement, je suis à 99% de la collection. Il m'en manque une en vrai. Vous êtes des fous. Ça doit être l'achat, j'avoue. Et en vrai, comme je disais, j'ai toujours pas dit ma dernière anecdote et j'attends la fin du train de live. Mais hier, je vous laisse des bisous. Je passerai faire un coucou. Pas de soucis, Emeline. Eh bien, écoute, passe une bonne soirée. Repose-toi bien. Et bah écoute, n'hésite pas à passer si tu veux. Demain, on se fait passer de 20h30. Et promis, demain, ce sera du Sims pour le coup. Et du coup, je termine juste mon anecdote. Pourquoi le what the fuck? Pour juste vous dire, vous savez que hier, j'ai galéré comme pas possible pour rentrer d'Amsterdam. Vous savoir qu'en fait le train qui faisait... Oh merci. Merci Minus Noemi pour ton reset pour ton 10e abonnement. Merci beaucoup. Merci, ça fait super plaisir. Merci à toi. Parfait plaisir. Merci. Dis-moi déjà. Pour la question. Ah bah oui. Ça fait beaucoup. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Si. Du coup, quand je suis parti d'Amsterdam, j'étais en avance. J'ai pris le train. Le train s'est arrêté 30 minutes en gare de Bruxelles. Et Bruxelles, dites-vous que c'est un petit peu comme... Alors attendez, pendant que je fais ma story time, je vais remettre la musique classique. Alors, ça clignote toujours jusqu'à la fin de train live. Sachez que... voilà, j'étais à Bruxelles. On est resté 30 minutes bloqué. Et en fait, j'avais 50 minutes pour faire ma correspondance. Donc 50 minutes, c'était largement assez puisque je devais faire Gare du Nord, Austerlitz. Et Gare du Nord, Austerlitz, c'est entre... C'est entre 15 mais plus 20 minutes en vrai, le temps que on chope la rame, machin. C'était 20 minutes. J'avais 35 minutes de retard. Donc littéralement, je ne pouvais pas avoir ma correspondance. Donc j'ai raté ma correspondance entre... quand je suis arrivé à Paris. Là, j'ai mis un temps fou à sortir de la gare du Nord, c'était le bordel, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, c'est la gare du Nord, c'est toujours le bordel de toute façon. Petite question, as-tu déjà trouvé les badges pour les 1,5 et 2 ans de sub? Pas encore, Waika. Je suis toujours en recherche. Et après, je regarde un peu sur Etsy, mais là, je vais peut-être voir avec une graphiste ou un graphiste. Faut que je vois ça. Faut que je trouve le temps. Mais j'ai pas le temps, mais je vais essayer de retrouver ça. Du coup, comme je vous disais, voilà, j'ai raté du coup mon train. Donc, c'était le dernier train pour aller à Orléans. D'habitude, il y a des trains jusqu'à 22h30, mais là, chaleur, vacances, je sais pas, il n'y en avait pas. Donc, du coup, je me retrouve, Gare du Nord, il était 20h30, sans possibilité de rentrer à Orléans. Je regardais Blablacar, c'était des trucs qui étaient à l'autre bout de Paris, enfin, j'avais pas traversé tout Paris pour un Blablacar qui était littéralement qui partait dans 10 minutes. Donc, du coup, je vais à la gare routière de Bercy, et pour ceux qui connaissent la gare routière de Bercy, franchement,
pire gare ever qui existe. Il n'y a pas à dire. C'est une gare routière. Il fait, sans vous mentir, déjà de base, il fait plus de 40 degrés dans cette gare. Ça craint. Les alentours, ça craint un peu quand même. C'est pas très serein. Il y a des gens un peu chelous. C'est blindé de monde. Ça sent pas bon. Vraiment, ça sent pas bon. Et c'est la pire gare. Franchement, elle est lunaire, cette gare. Franchement, fuyez-la, comme la peste, cette gare. Et du coup, merci du coup pour ce trail hype, du coup, qui a atteint le niveau 3. Du coup, techniquement, niveau 4, mais voilà, comme on n'a pas terminé le niveau 4, on n'a que l'imo jusqu'au niveau 3. Du coup, hop là, j'ai un petit hibou pas content qui crache du feu par les yeux. Du coup, merci beaucoup pour ces 10 abonnements et pour ces 1000 bits. Merci beaucoup. Du coup, attendez, petit applaudissement quand même. Merci beaucoup. Merci. Ça fait super plaisir. Merci. Donc, du coup, j'arrive à la gare parce que j'avais... du coup, le temps que je sors déjà de la gare du Nord et que je prenne le métro, il était 21h, pour vous dire. Je devais prendre, du coup, le je réserve un blabla bus, donc comme tout le monde l'indique, un bus, à 22h pile. Retenez bien le 22h pile. C'est important pour l'histoire. 22h pile, je réserve le truc et je me dis, j'ai une heure pour faire Orléans... Enfin, pour faire n'importe quoi. Pour faire gare du Nord... Bercy. Techniquement, ça se fait, mais je me suis quand même manié parce que je devais faire un changement, je devais prendre la 4 et la 14, et on sait jamais avec la RATP, je me suis dépêché comme pas possible. Donc j'ai couru comme pas possible, j'ai fait mon Yamakasi, mais courir avec un sac à dos de plusieurs kilos, littéralement, le sac à dos, il est bien, mais je portais un short un peu trop grand pour ma taille, parce que j'ai réussi à perdre un petit peu de poids. Du coup, bah, quand je courais, j'avais littéralement mon pantalon, enfin mon short qui descendait sur mes genoux, donc, enfin sur mes genoux, il descendait en dessous de mes fesses, qu'on allait éviter. ça me fait rire parce que Dab vient de m'envoyer un message en même temps sur Instagram, il devait regarder mes stories, il a compris que j'étais à Bercy. Et donc du coup, je gagne plus d'emotes, plus d'emotes. Bah oui, en fait, c'est le problème quand on fait beaucoup de trade live et tout. Soit, quand t'as atteint le plus haut niveau, moi ça arrivait quand je streamais en journée. Très souvent, une fois qu'on avait atteint tous les niveaux, on avait plus d'emotes. Mais il les change de temps en temps. Donc ça revient. Attends, je remets en bleu comme avant. Bleu, j'ai dit. Voilà. Du coup, j'arrive à 21h30. Non, 40, je crois. 21h40 la gare de Bercy. Et j'attends, du coup, sur le quai, où il fait 1000 degrés, il fait super chaud, puis la chaleur moite, les gens qui transpirent, et là, je vois qu'il n'y a toujours pas le numéro du quai affiché, alors que d'habitude, il met toujours le quai 20 à 15 minutes avant, histoire d'embarquer, flasher le QR code, poser ses valises. Et là, déjà, je sens que ça pue, tu vois, je sens la grosse douille, et sachant que c'est le dernier bus qui va à Orléans. Donc, c'est-à-dire que si celui-là, il est annulé, je dors sur Paris. Et dormir à Paris à la dernière minute comme ça, sachant que je suis allé travailler ce matin. Donc, c'est-à-dire que ce matin, je bossais. Et donc, il fallait que je me lève super tôt. Bref, je devais être à mon boulot à 8h30. Bref, j'attends. 21h55, toujours pas annoncé en quai. Et là, je me dis, c'est foutu. 22h arrive. 22h, toujours pas annoncé en quai. Et là, je dis, c'est quoi ce bordel? 22h05. Et à 22h05, ils disent, ah, affiché retard 15 minutes. Ok, 15 minutes. Du coup, je sors de la gare, j'appelle. De temps en temps, j'avais appelé ma mère et ma soeur parce que je leur ai dit, bah écoutez, je vais être en retard, ça devait venir me chercher à la gare. J'ai dit, bah écoutez, enfin à la gare d'Orléans, je leur ai dit, bah écoutez, voilà, c'est le bordel, machin, il y a du retard et tout. 15 minutes. Je sors quand j'appelle parce que forcément, il y a du bruit dans la gare. Je re-rentre. L'appel a duré 2 minutes. Hein. Je re-rentre dans la gare de Bercy où il fait 40 000 degrés, où tous les gens s'énervent. Et là, je re-regarde le panneau. C'était pas 15 minutes qu'il y avait... Enfin, il y avait écrit 15 minutes de base. Et là, ça passe d'un coup à 45 minutes. Et là, j'ai fait c'est une blague. Donc, c'est-à-dire que mon bus n'allait pas partir à 22h45. Du coup, je pète un câble. Je m'énerve comme pas possible. Je pèse comme pas possible après Blablacar. Bon, j'ai payé que 15€ le bus, mais pas quand même. Ça me fait chier. Parce que moi, j'ai qu'une envie, vous savez. Ça faisait 3 jours que j'étais à la TwitchCon, j'étais fatigué, j'ai passé un week-end incroyable, mais j'étais fatigué du voyage, j'avais qu'une envie, je sentais pas, j'étais transpirant, il faisait chaud, moi j'étais habitué à Amsterdam, il faisait 20 degrés, là j'arrive, il fait 40, j'ai chaud, je transpire, je suis fatigué, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche et de me reposer, de me poser dans mon lit, quoi. Et du coup, 15 minutes. Je ressors, je rappelle ma soeur, et ma mère, je pète un câble, je gueule, machin. Et puis, le temps passe, du coup, j'attends, 45 minutes. J'attends. Et je reviens du coup à 21h45, le moment où devait arriver le bus.
1h15 d'annoncé. Et rebelote, on attend. Donc j'ai attendu finalement en tout et pour tout, parce que je vais arrêter avec tout ça. J'ai attendu 1h30 à 22h30 finalement. À 23h30, pardon. Le bus arrive enfin. Donc Yves décharge les gens. Et en fait, on a compris pourquoi c'était un peu en retard. Le chauffeur de bus qu'ils nous ont mis, je pense que le monsieur était très 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 proche de la retraite. Pour la simple et unique raison que il n'arrivait pas à comprendre comment on flashait les QR codes, vous savez, quand vous réservez des blablabus ou des blabla, voilà. Et ben en fait, vous avez sur votre commande un QR code qui peut scanner. Et le gars n'y arrivait pas à scanner les QR codes. Les gens, ils ont pété un câble. Franchement, même moi, j'en pouvais plus. Ça faisait une heure et quart qu'on attendait à sous 40 degrés. Enfin, 1h30, ouais. Retard pour ça. Mais c'est ça. Alors, je sais pas si c'était réellement à cause de ça. Mais en tout cas, je comprenais pourquoi ça avait mis du temps aussi, tu vois. Et j'ai fait tomber mon clé. Donc, bref. Finalement, le gars scanne mon QR code, il n'y arrive pas. Et en fait, je le regarde. Je dis, écoutez, là, on en a marre. Les gens, ça fait 1h30 qu'ils attendent. Regardez juste le nom des gens. Regardez juste, vous voyez bien qu'on est bien en départ ici, à cette heure-là. Franchement, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Et je pense que vous aussi. Il y a deux gens qui ont dit pareil. Et du coup, ce qu'on a fait, on est monté dans le bus. Et c'est bon. Et du coup, on est parti à 23h30. Du coup, de la gare de Bercy. Et je suis arrivé, du coup, à Orléans à 1h du matin. Voilà, sachant que de là où j'étais pour arriver jusqu'à chez moi, il y avait encore 20 minutes. Donc, du coup, je suis arrivé chez moi. Il était littéralement 1h30 du matin. J'ai mangé mes meilleures pâtes avec un morceau de filet de poulet à 21h, n'importe quoi. À 1h30 du matin, je vous ai fait une petite story, d'ailleurs, où je fais mon meilleur TikToker... Monsieur Thomas, je crois, qui s'appelle. J'ai un doute, je crois qu'il y a Thomas dans le nom. Qui fait ça, je le vois souvent pas apparaître. Et du coup, j'étais avec mon petit parent en train de manger et j'ai hâte de vous raconter ma vie. Oh, les nuits, j'ai ça. Et franchement, j'étais au bout de ma vie. Je sais pas si ça se voyait sur la story. J'avais faim, j'avais soif, j'étais fatigué. Après, je l'ai mangé, je suis allé me doucher, j'ai checké vite fait les réseaux et je suis allé me coucher. Et franchement, j'ai dormi comme une masse et j'avoue que ce matin, le réveil a été très dur. J'étais à deux doigts. Je crois que c'est Monsieur Thomas. Ce matin, j'étais vraiment à deux doigts, mais vraiment à deux doigts, d'appeler mon patron et dire, écoutez, je peux pas venir travailler, c'est pas possible, je suis trop fatigué. Bon, au final, j'ai réussi, mais c'était pas glorieux. Hein. Aujourd'hui, j'étais vraiment à la ramasse. Hein. Si, tu m'as fait trop de peine. Franchement, j'avais tellement faim et on m'a rappelé et en plus on me l'a dit, je l'avais même pas remarqué, qu'en fait mon ventre avait gargouillé pendant que je tournais la story et je m'en étais même pas rendu compte. Donc voilà. Alors attendez, celui-là, je vois qu'il est bientôt. C'est quoi, on fera un petit peu de rab, au pire, je dépasserai un petit peu. On va regarder la vidéo de NS. Qui présente visiblement. Attends, ça dure 30 minutes. Venez, on visite la nouvelle map de Copperdale. Ah oui, on va pas pouvoir tout voir en fait. Ah, attendez, je vais aller sur la chaîne de ONS. Ouais, hier c'est le con. Franchement, hier il m'est arrivé tuile sur tuile. Mais ça, je vous l'avais dit. En plus, je l'ai dit sur la story quand j'étais encore à Amsterdam, quand je suis sorti de la TwitchCon. J'ai dit que je sentais qu'il allait m'arriver des tuiles sur le transport. Je vous l'avais dit, hein. Et franchement, je le savais. Regardons le gameplay. Pour le coup, comme je suis pas trop gameplay, on regardera demain le gameplay. Mais là, moi, j'aimerais plus voir la construction parce que je vois qu'elle a fait 3 vidéos. On regarde on visite la nouvelle map et on construit avec les murs ronds. Je pense qu'on va regarder la map. Hey, salut tout le monde. Ça m'a fait peur. Attendez, j'ai mon Stream Deck qui marche plus. Il marche plus, il est déconnecté. Faut que je le fasse à la main. Je suis plus habitué à faire ça. Overlay PC là. Ah oui, alors ça remet les derniers subs en liste. Voilà. Mon pauvre, mais ouais, c'est ça. Alors, on va faire ça. Attendez, j'enlève juste ça. Ça aussi. Alors, les alertes vont revenir, ça bug de temps en temps. Je mets ça en pause. Je mets les alertes en pause. Non, je pense pas qu'on ait des nouvelles alertes d'ici la fin du stream. Donc, on va visiter la nouvelle ville. En vrai, on va vite fait cliquer. Ah, quoique, attendez. Je regarde un peu. Quoique. Ou on va regarder les murs ronds. Merci à Yves. Je suis chiant. On va regarder les murs ronds. Comme ça, on va voir un peu comment ça se construit. Alors, il faut que je partage l'écran. Là.
Parfait. Parfait, 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 parfait. Du coup, on remercie la copine Lénaise d'avoir fait cette et vidéo. Et de m'avoir permis de tester en avant-première les Sims 4 à Nélissé. Je ne suis pas payée pour faire ces vidéos. Et comme d'habitude, donc... Je vais mettre moi la petite musique. Il y a beaucoup de personnes qui souvent ne comprennent pas ce que ça veut dire quand la vidéo est présentée par le Creators Network ou les Game Changers. Désolé Lénaise, je vais te couper. On va juste regarder la partie construction. Voilà. Le prochain pack. Est-ce je rappelle d'ailleurs bon qu'il s'agit d'un pack d'extension, donc un pack à 40 euros, pas un pack de jeu. Et son nom c'est Annelise. Ah merde, du coup on voit pas NS. Donc là ça va être bientôt, dans un peu plus de 10 jours. Attendez, on voit pas NS. Quoique, est-ce que vous voulez que je garde les commentaires de NS ou vous voulez juste qu'on regarde la vidéo en mute et que j'analyse en même temps? Vous vous souvenez d'un certain raid où beaucoup ont follow et que les notifs popaient Oui, bah oui, c'est ça, non mais c'est ça. Attendez. Parce que, en vrai, non, si, faut que j'écoute ce que disait NS parce que sinon ça va pas le faire. À ce moment-là, je vais bouger la caméra. Hop. Hop. Alors, je peux pas enlever les... D'ailleurs, je viens de voir... Matt, c'est toi qui es le dernier follow et le dernier sub. Le sub et le dernier sub. C'est toi, donc du coup, tu apparais sur les deux. Hop là. Et du coup, par rapport au mode construction, là, actuellement... Du coup, vous avez vu un petit peu ce qui était fait du nouveau pack ou pas du tout au final, mais j'essayais de construire et de... Alors, attendez, juste que je regarde. Comment sont faits les murs? Ok, c'est un peu comme le... Ok, c'est comme ça. Le petit mur arrondi là. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air trop stylé. Oui, c'est une nouveauté qui arrive dans les Sims 4, les murs arrondis. Ouais. Donc, et là, j'étais en train d'essayer de voir ce que ça donnait, ce qu'on pouvait en faire. On peut mettre les murs arrondis à l'intérieur de la maison. Assez abouti pour pouvoir vraiment s'amuser avec. Alors, en vrai, petit bug, c'est-à-dire qu'on peut faire un mur arrondi au niveau de l'extérieur, mais pas arrondi à l'intérieur. Je sais pas comment dire. Bah si, elle l'a fait. Pour que l'extérieur soit dans l'autre sens de l'arrondi. Ah oui, ok. C'est pas trop possible. Enfin, c'est possible, mais il faut un petit peu bidouiller. Vous allez voir, je vous ai laissé un petit peu. Alors, la bidouille que NS dit là, visiblement, moi, je vais peut-être y arriver. Construction au total avec des petits tests avant de pouvoir. Oui, je gueule depuis 4 jours. Ok. Construction finale que vous allez voir. En vrai, je pense que je vais vous faire tellement d'astuces avec les murs arrondis. Alors, il va falloir que je le prenne en main. J'étais sur un petit terrain. Mais je trouve ça drôle. Les murs arrondis en même temps que je découvre toutes les nouveautés, mais généralement. Je pense alors, que je sens le coup venir. Les toitures ne vont pas coïncider. Les toitures coïncident pas. Des créations sur lesquelles on peut passer. Alors ça déjà, ça pue. Parce que c'est un accès anticipé. En vrai, les murs arrondis sont pas trop mal faits pour une fois. On utilise donc seulement le jeu de base et l'extension. Donc il y a certains contenus parfois qu'on se dit ah ça irait trop bien dans cette maison. Mais attends, là, je vois et puis surtout, là je vois qu'il y a des nouvelles fenêtres. Nouvelle fenêtre ici. Alors ça c'est des fenêtres toutes classiques, donc ça j'aime bien. Génial, bah ça en vrai fallait s'en douter. Hein. Oh. Fallait s'en douter. Donc ça c'est une nouvelle en vrai les nouvelles fenêtres. Surtout globalement, il y en a pas quand on... Ah, mais j'avais pas vu. Il y a un nouvel onglet ici, il y a qu'est-ce que c'est que ça? Commence une construction, on mur pas plat, mur arrondi, mur semi-arrondi. Ah non, ça me plaît pas vraiment. Attendez, c'est-à-dire que les fenêtres, ça s'adapte pas automatiquement au mur. Je vous accorde que parfois, ça peut être un petit peu. C'est-à-dire qu'on est obligé de cliquer sur les différents. La construction que j'ai faite, elle est sympa. Elle est sympa parce que c'est pas un genre de construction que j'ai déjà. Je suis de retour. Hey, Roexia. Ne m'étrenez pas. Ah, j'ai pas vu. J'ai fait un horrible arrêt sur image. Alors, NS, tu passes par là, je m'excuse. Moderne, mais pas dans un style très coloré, pas dans un style du blanc. Tu peux pas mettre toutes les fenêtres. Je suis hype par la future mise à jour, mais pas par le futur pack. Oui, bah, ça va être dans une mise à jour en fait. Ils sont là que elles sont pas toutes adaptées. Alors si elles sont pas toutes adaptées, excusez-moi, IA, mais c'est pas bien. Monde dans lequel elle est et dans ce monde-ci, il y a beaucoup de maisons en bois notamment, donc je me suis dit, on est parti là-dessus. En plus de ça, j'ai essayé. Alors si vous me voyez depuis tout à l'heure mordre mes lèvres, sachez que même s'il fait 40 degrés dehors, à Amsterdam il faisait froid. J'ai les lèvres entièrement gercées. Genre, je sais pas si c'est passé. Elles sont cramées, mes lèvres. Dans la finalité des choses, je trouve que ça passe. Perso, hype pour tout là. Moi, pour le coup, je sais pas. Mais quand même, il y a des chambres d'adolescents. Donc même le gameplay m'intéresse pas spécialement, vous le savez. Bien que, ça peut être sympa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les murs arrondis. Je devrais plutôt dire, excusez-moi. Et du coup, voilà. Je sens que ça va être source de bugs, mais la malle va être incroyable. Le pack me gonfle un peu plus. Le plus aussi, je me suis quand même. Je pense que ça va être la malle le plus intéressant. J'ai très hâte de pouvoir tester les arrondis avec toutes les mises à jour finales parce que je pense qu'il y a certaines fonctionnalités qui vont être améliorées. En vrai, les murs arrondis, il y a moyen de faire des trucs trop stylés. Genre les châteaux médiévaux et tout, le château de Poudlard que je dois vous faire. Pousse. Ça bug. Est-ce qu'il est possible, alors peut-être qu'il va le dire après, qu'on puisse faire des demi-murs arrondis?
Parce que si on peut pas mettre de demi-murs arrondis, je vais pas être content. Regarde, je peux rajouter des murs arrondis si ça donnerait bien. Mais donc voilà, par rapport à la construction, je sais pas si je vais rajouter d'autres choses. Ça me donne des idées. Vous allez très bien voir à l'écran tout ce qui se passe à ce niveau-ci. On va pouvoir un petit peu discuter maintenant du pack. Si jamais vous êtes pas au courant, en France, je vous dis que en France, parce que je vais pas vous donner tout le nom de toutes les personnes qui ont eu l'accès anticipé. Mais en France, on est 5 youtubeuses à avoir eu l'accès anticipé. Si ça vous intéresse d'aller voir leurs vidéos, allez-y. Si ça peut vous toutes les fenêtres ne sont pas encore compatibles. Ah, encore, mais peut-être qu'elles vont le devenir. Chacune, bah, on avait 4 jours pour le perso, le pack, c'est surtout pour jours, la construction bah, et les, avec les néons et le gaming. Ah, bah, du coup, j'ai pas regardé, je sais même pas ce qu'il y a dans le catalogue. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'aller découvrir ce que chacune d'entre nous a découvert. Les fenêtres sont cool en vrai. Les créatrices nous retrouvent. Oh, la nouvelle frise, elle est trop bien. Conjureuse, Capanze et moi. Mais vous êtes sûrement ah oui, il y a pas eu. En fait, finalement, il y a pas eu beaucoup de youtubeuses qui ont eu accès à un accès anticipé. Je vous mets quand même les chaînes dans la description. On sait jamais, c'est toujours plus rapide d'y aller par là. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que demain, c'est la dernière vidéo qui va sortir sur ce pack et ce sera la partie gameplay. Alors, il y a deux nouveaux papiers peints. La vidéo du créer un sim que je vous. Voyez la bande annonce. Le reste, j'ai pas regardé en détail. En fait, j'ai pas regardé le live des Sims parce que bah du coup, j'étais à Amsterdam. Ces chambres actuellement, mes petits ados. Et puis, on va pouvoir découvrir un petit peu quelques fonctionnalités, la plupart j'ai envie de dire même, même s'il y a certaines choses. Ah, attendez, celle-là, attends. Parce que je n'ai pas vu. On en reparlera justement dans ce spectacle. Je sais, bah, il y a eu NS, Pixia, mais apparemment en France, ils étaient 4. Je sais pas qui sont les autres. On va bien le dire, Capanze et Conjureuse. Belle Peinte, NS, Capanze et Pixia. Alors, j'étais pas censée attendre. Conjureuse aussi, non ? Mais je voulais quand même attendre le dernier moment pour le faire. J'ai un doute. Pour moi, c'était important d'avoir vos retours sur les deux premières vidéos pour pouvoir discuter un petit peu pendant le speed build. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que lundi, je sais pas encore. Oh, ça c'est sympa. De toute manière, je vous mettrai le. Ah oui, on l'avait vu ça. Mais lundi, on va débriefer de toutes les vidéos qui sont sorties. Est-ce que vous savez s'il y a une des youtubeuses qui a sorti le catalogue ou pas du tout ? Mon avis sur le pack, mais parce que je pense qu'elles sont peut-être un peu réparties les différents thèmes ou pas du tout. Un autre avis. Et il y aura encore ouais, c'est ça, merci Waika. Quand j'aurai testé le pack plus amplement avec tous les packs. Bref, déjà, ça a pas l'air buggé au niveau de l'éclairage. Et la vie, et question. Alors peut-être que Ness va y répondre. On peut mettre les portes sur les murs arrondis. Il y en a été 10 que les. Oh, il est incroyable le lit. Ah, il est trop beau le lit. Pu avoir un avis sur ce pack et je vous en parlerai. Oh, le lit, il est trop stylé. On en parlera tous ensemble. On essaiera de débriefer ce qui manque. Mais c'est trop bien ça. On essaiera de faire quelque chose qui soit assez positif, assez négatif aussi. Objectif. Et du coup, ça se passera lundi. Ça, c'est cool. Je sais pas encore à quelle heure. Regardez le planning. Normalement, il devrait être. Ça, c'est très très cool. Qui est aujourd'hui d'ailleurs pour vous. Donc aujourd'hui. Ah ouais. Ça, j'aime beaucoup. Le siège comme ça, j'aime beaucoup. De revenir sur quelque chose pendant cette vidéo. C'est les leaks qu'il y a pu y avoir pendant qu'on était en train de tester le jeu, nous toutes les personnes. Ah, c'est bien qu'elle parle des leaks. Network. Enfin, non, pas toutes, mais en tout cas celles qui ont été sélectionnées pour faire cette action. C'est incroyable ce qui arrive là. Comment ça ? J'ai un petit goût amer dans la bouche par rapport à tous ces leaks parce que les leaks ont été passés pour quelque chose qui avait été leaké par nous, donc les créateurs, alors que bah, pour nous tous, c'est un honneur en fait d'avoir les accès. Ah, c'est intéressant ce qu'elle dit. Et de pouvoir tout tester. Et les leaks, en fait, ça nous pénalise parce qu'on se dit, bah, plus il va y avoir de leaks et moins ils vont vouloir faire d'accès anticipé. Et en fait, il y a un truc qui est sorti, c'est que c'est les SimGurus qui leakent. Enfin, les SimGurus, c'est quelqu'un en interne. Puisque dans une des photos qui a été partagée, qui était donc photo du monde, il y avait un petit endroit qui était flouté, mais il n'y avait clairement pas la place, qui est le petit logo là qui passe sur l'écran, donc avec le nom du créateur que vous pouvez voir actuellement. C'est SimGurus qui leak ? La personne qui a fait ce leak avait l'accès à la galerie. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans l'équipe des Sims. Parce que nous, comme vous pouvez le voir, notre accès à la galerie, il est pas cliquable, il est grisé. Oui, il est grisé, ouais. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Mais genre... Une blague. Genre, en fait, on nous fait passer pour des gros cons, concrètement. Après, mais ouais, mais du coup, en fait, c'est pas ça, c'est parce que... En effet, ouais. Parce que quand les leaks sont sortis, moi, j'ai entendu plein de trucs sur Twitter, comme quoi les gens qui avaient un accès anticipé, c'était pas cool de leaker et tout. Et ça, j'ai vu plein de gens hein, critiquer ça. Et donc, du coup, bah oui, en effet, NS a la raison de pour le coup, là-dessus, je lui donne raison de critiquer, enfin, de dire ça. Parce que, bah, en fait, comme elle le dit, bah, en fait, ils se font tacler alors qu'ils ont rien demandé. J'ai pas vu et revu le catalogue dans la vidéo, je crois. Truc qui n'a rien à voir, mais je viens de voir, Undo Stress va avoir une suite avec Roberto et Sylvia et Lola. Oui, je sais, Alexia, qui revient en tant que prof. Je suis impatient de voir ça. Je sais, Alexia, je l'avais vu. Je l'ai vu ce week-end. Bah oui, parce que du coup, bah, du coup les créateurs de contenu qui ont un accès anticipé, ils passent pour les méchants, alors qu'en vrai, bah, c'est juste un coup de... Bah, en vrai, c'est un coup de com'. On sait très bien que généralement, les leaks, ça fait encore plus vendre.
ça hype. Mais à ce moment-là, tu fais ça d'une autre manière. Parce que là, oui, en effet. Les rideaux sont fous. Bah, du coup, j'avoue. Mais ça, c'est quoi? C'est du bordel. Attendez, du coup, j'ai pas vu. J'avais pas vu, mais elle a catégorisé par produit. Du monde, il y avait un petit endroit qui était flouté, mais ah, avait surtout la personne qui a. Alors, niveau plante, je vois qu'il n'y a pas grand chose. Qui avait l'accès à la galerie. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans l'équipe des Sims. Parce que nous. Alors, les tapis, j'aime pas du tout. Alors, les tapis, pour l'instant, j'aime pas. C'est très moderne. Quoique, peut-être le patchwork qui est ici, là. Alors, j'essaie de faire en sorte que NS n'ait pas une mauvaise tête à chaque fois quand j'appuie sur pause. Parce que, visiblement, la première fois, elle avait une pauvre tête, la peau. Là, ouais, c'est un peu trop moderne à mon goût. Comme vous pouvez le voir, notre accès à la galerie... Quoique, les tapis sont pas mal. Grisés. Et du coup, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Pousse. Regardez, je rattraperai un verre. En vrai, c'est cool. Il y avait des trucs sympas, là. Il y a les casiers. Alors, on en avait... Et alors... Hier, si vous passez par là, d'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer le créateur Network. Hein. Ça fait 2 mois et demi que j'attends. Et coucou Poppy, comment tu vas? Coucou à toi, comment vas-tu? Comment ça va? Et coucou, bah oui, coucou à toi. Coucou, comment ça va? Sinon, qu'est-ce que tu peux faire pour l'exclamation Poppy Lala, s'il te plaît? N'hésitez pas, bah Poppy, j'y arrive pas, hein. Et je reprends les streams, je sais plus parler. Avec qui j'ai passé une partie de la TwitchCon. Vraiment une personne incroyable. T'es déjà en stream. Je sais pas comment je fais, je suis en stream depuis 19h30, je suis éclaté. En fait, j'ai voulu faire un débrief de la TwitchCon. Et en plus, tu as follow la chaîne au moment où j'ai lancé le stream. C'est très drôle. Et ouais, j'ai fait un débrief, je leur ai montré tout ce que j'ai acheté, ce qu'on a fait et tout. Et puis là, en fait, du coup, il y a un nouveau pack Sims qui sort. J'ai pas eu le temps de débriefer là-dessus avec la communauté. Et du coup, je regarde la vidéo de NS qui a fait un peu débrief des nouveautés. Et du coup, regardez ça. En fait, au moment où t'as follow, j'ai lancé le stream genre 5 minutes avant. T'as pas dû voir que j'étais en train de streamer. Et donc, du coup, ça a lancé la notif, ça m'a fait rire. Mais voilà. Mais ouais, déjà en stream, je suis au taquet. Je suis au taquet. Bah comme ça, je sais pas si t'avais vu, mais tu peux regarder ma magnifique collection. Parce que visiblement, je dois te mettre sur mon testament, de ce que j'ai compris. Ce qui fait que... Attends, hop. Je reprends les streams. Mon stream deck est cassé. Donc on adore. Attends, si je fais blabla... Si, il refonctionne. Regarde, ma magnifique collection de Funko Pop. Voilà. Une très grande collection. D'abord, de voler son trap. Non mais tout de suite, c'est pas grave, c'est la première modo qui a réussi. Moi j'ai demandé à Sina parce que c'est la première personne que j'ai vue au niveau des modos dans le chat. Mais voilà, si un jour je décède, tu auras tout ça. Sans compter tout le reste qui prend de la place encore. Mais voilà, hop. En tout cas j'espère que je vois du Harry Potter. Alors sache qu'il n'y a que du Harry Potter. Il n'y a que du Harry Potter et du Animaux Fantastiques. Et j'en ai reçu une aujourd'hui. J'ai reçu la Moby Moment quand Harry voit ses parents dans le miroir du Rizel. Voilà. Mais j'ai pas que ça, hein, j'ai aussi du Pokémon. Eh oh, regardez. J'ai le petit Caninos. Elle est trop belle. Ah mais oui, elles sont trop stylées. Hein. J'ai la... Bien entendu, ici, elle est Pikachu. Bah bien sûr qu'elle a Pikachu, vous croyez quoi? Pikachu. J'en ai plein. Ça, c'est la dernière que j'ai achetée, là, aussi fait un coup de tête. C'est Aquali, on va pas se mentir. C'est moi qui l'ai offert. Et oui, le cadeau, c'est Alex qui me l'a offert. Et puis, bien sûr, sur mon bureau, j'ai Noxy qui fait des bêtises. Regardez-moi. La petite Wanda. Je suis fan de Wanda. Mais voilà. Est-ce que vous voulez voir Noxy, les gens? Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Ça fait 3 jours. Est-ce que tu veux te laisser porter, mon chat? Non, je crois que t'as pas envie. Wow, tu m'as pas vu pendant tout le temps, chat. Attends, Noxy. Il y a le cap. Je suis un énorme fan de Wanda. Je connais pas la pop avec le chapeau vert et blanc. Vert et blanc? La pop avec... en fait, si, c'est George quand il est déguisé dans le 4e film. Quand ils vont dans le match de Quidditch. La monstre sanguine. Vous voulez voir la... Attends. Oh là, il est pas content. Regardez-moi cette brave bête. Vous voyez qu'elle est heureuse? Vous sentez qu'elle est heureuse d'être là?
Oh bah oui, en vrai, je lui ai manqué. Bon, je l'emmerde pas, parce que là, elle est pas contente. Mais ouais, non, c'est celle-là que tu me disais, Poppy. C'est celle-ci. C'est dans le quatrième film, bah, on voit ça 5 minutes, même pas. Le petit chat, ah, c'est gros chat. Hein. On est sur un petit pâté, là. Hein. On est sur une grosse dondon. Hey, coucou chat, comment tu vas? Comment vas-tu? Ravi de te voir par ici. Hop. Mais voilà, j'ai une collection de Funko Pop, voilà, j'ai de quoi faire. Hein. C'est... D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent pas, voilà, quand je dis que j'ai une grosse collection de Funko Pop, c'est pas une blague. Hein. J'en ai fait tomber l'éclairage. Voilà, et puis j'ai ça aussi. J'ai la maquette de Poudlard, quoi. Genre, on est sur du level assez haut. Quoi. Alors, attendez, parce que je viens de faire tomber mon éclairage. Non, pas deux, moi. Avouez, les gens, ça vous avait manqué. Ça vous avait manqué que je casse pas tout le setup de stream. Et là, elle a un regard gentil comparé à ce que j'ai le droit. J'arrive, j'entends un gros chat. Non, je parlais de Manoxy. Hein, mon bébé, bah oui, il était chaud. Hein, mon chat. Tout à fait, ça nous avait manqué. Okay, bébé, clairement, mais oui, bah, je sais. Je sais. Mais du coup, ouais, du coup, comme je disais tout à l'heure, voilà. Présenter un petit peu tout ce qu'on avait vu, ce qu'on avait fait à la TwitchCon, les aléas, tous les trucs, parce que j'espère que, je sais plus si tu m'as répondu Poppy, mais j'espère qu'en tout cas toi il t'a pas eu trop de problèmes avec pour rentrer, parce que moi clairement j'en pouvais plus, et voilà. Et d'ailleurs pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'étaient pas là tout à l'heure, cette semaine je vais vous faire remporter en giveaway des pins, hop, que j'ai acheté à la TwitchCon. Vous avez 3 pins du coup qui sont secrets entre guillemets, où en fait vous aurez en fonction des badges de emblématique, si je peux dire, de Twitch. Et je vous ferai remporter également 2 badges de la TwitchCon, qui sont du coup des exclusivités à la boutique d'Amsterdam, que du coup vous ne pouvez pas acheter sur internet techniquement, sauf par des revendeurs, et que vous allez payer 20 balles le truc. Là, moi je vous les fais remporter, donc soyez bien là à chaque stream cette semaine, puisque du coup vous aurez la possibilité d'en remporter un par stream. Voilà. Et ils sont trop beaux, ils sont très quali, ils sont très très quali pour le coup. Ça, je suis d'accord. Et vous savez quoi d'ailleurs, putain, je vais écraser mon chat. Vous savez quoi? Bon, finalement, à mon avis, le truc des Sims, à mon avis, on va regarder ça demain, hein, les gars, on va pas se mentir. C'est vrai que je vous ai montré les pins, mais je vous ai pas déballé. Non, je vais regarder ça. Hop, j'enlève le casque. Le streamer en carton, bon, ouais. J'ai chaud. Et on ne les a pas volés. Et oui. Hein, Poppy? Il y a aussi un giveaway. Alors oui, et je vous le rappelle également que je fais un giveaway pour le vendredi 26 août. Je vous invite, j'inviterai 2 personnes qui seront tirées au sort à Disney. Voilà, donc c'est le 26 août. Je fais remporter 2 places. C'est moi qui vous paierai les places pour aller à Disney. La seule chose que je vous demande, c'est d'être majeur et de pouvoir vous déplacer sur le parc, parce que je peux pas vous payer le logement et le transport, mais je vous paye la place. Donc si jamais vous voulez participer, c'est pour le 26 août. Il faut juste avoir 30 000 points de chaîne et vous pouvez vous participer en récupérant la récompense. Après, je fais le tirage au sort. Toute personne qui souhaite quand même venir, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas et qui peut se déplacer et qui veut participer, vous pouvez parfaitement venir avec nous le 26 août. C'est ouvert à toute la communauté. Sachez qu'il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour la place à Disney, il n'y a que 10... c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que 10 participants pour le giveaway. Donc, vous avez le temps. Je fais le tirage au sort que le 1er août. Donc, vous avez le time de pouvoir cumuler les points pour pouvoir après les rejouer si jamais ça vous intéresse. Mais donc, voilà. Comme une impression que tu n'es pas innocent. Non, alors du tout. Mais c'est qu'en fait, avec Poppy, on a remarqué quelque chose à un moment donné Non, on n'a rien volé parce qu'en vrai, on a déliré sur un truc. En fait, dans la Loot Cave, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, on aurait pu voler de manière très très simple parce qu'il n'y avait pas de portique de sécurité à la sortie. Et qu'en fait, il y avait plein de gens qui rentraient déjà avec des sacs et tout. Et il était très simple de mettre des trucs dans ton sac et de sortir par la sortie. Et qu'en fait, personne ne vérifie ton sac. Bon, en même temps, tu serais un peu fiché en tant que streamer de voler à la TwitchCon. Mais en fait, on s'est dit qu'en fait, techniquement, ça aurait été très simple de le faire. Alors, on l'a pas fait. Mais mais ça se trouve, il y a des streamers qui l'ont fait. Hein. Ça se trouve, clairement, il y a des streamers qui l'ont fait. Mais en fait, nous, on s'est dit que c'était assez simple de le faire. Et après, on s'est dit, non, mais t'imagines, tu te fais choper. Et après, il dit, tout de suite, tu te fais bannir de Twitch. Et après, nous, on a inventé, on s'est dit, on va inventer des espèces de délires et tout. Et on s'est dit,
Imaginez, vous volez un truc à la TwitchCon, à la boutique où vous faites choper, et que du coup, pour vous punir, Twitch, il met en filigrane sur votre live, voleur. Genre, vous savez, en mode, vous savez, comme vous téléchargez une image qui n'est pas libre de droit, il y a écrit Shutterstock dessus partout, là. Imaginez, il y a écrit ça sur, tous les sur le stream, même quand vous êtes offline, parce que vous avez volé un pins à la TwitchCon. On s'est imaginé des délires comme ça quand on était à la sortie. Et du coup, on s'est dit, non, alors c'était pas prévu que l'on vole, mais on s'est dit, en vrai, c'est trop risqué. Donc voilà, ça serait horrible. Et du coup, on a déliré là-dessus. Parce qu'en vrai, il est vrai, ça aurait pu être très simple de voler, alors nous, on l'a pas fait. Mais peut-être que des streamers, ou même des... Vous avez aussi la communauté, peut-être que des gens qui avaient un petit peu moins de scrupules l'ont fait. J'avoue, ban, bim. Mais franchement, on s'est bien amusé. Et qu'est-ce qu'on... Franchement, on a pas mal ri, on a eu pas mal de fou rire. Poppy, alors n'hésitez pas à aller regarder sur son Insta, sur sa story à la une. Elle est tombée... Parce que moi, j'ai eu un hôtel chelou avec un mur d'escalier. Mais je pense que Poppy a eu un appartement en Airbnb, mais digne des trucs les plus chelous du monde. Juste pour vous teaser, il y avait... Alors, je sais pas quoi teaser. Disons qu'il y avait des objets qui étaient dans le congélateur, qui n'étaient pas du tout supposés être dans le congélateur. Alors, moi, c'était pas Airbnb, Poppy. C'était littéralement... C'était un hôtel que j'ai pris avec un mur d'escalier. Mais genre le mur d'escalier fatos quoi, c'est genre, c'est vraiment un mur. Après la chambre en elle-même ça allait. Ah bah oui, le 83, c'est ça. Sauf que, alors anecdote que j'ai pas spécialement dit, mais en fait quand j'ai réservé l'hôtel je n'ai pas vu. Mais sachez que, enfin je l'ai dit un petit peu en story je crois, mais j'ai vite fait arrêter de le dire. J'avais littéralement la salle de bain dans le palier et pas dans ma chambre. Alors heureusement que j'avais pas de voisin à ce moment-là, enfin genre la chambre d'à côté n'était pas louée. Parce que sinon j'aurais dû partager la salle de bain avec d'autres gens. Et ça j'avoue, ça m'aurait fait royalement chier. Un bébé en plastique dans le congélateur. Non. Non mais en vrai de vrai, vu le degré de truc chelou qu'il y avait dans l'appartement qu'avait Poppy, je m'étonnerais pas qu'il y aurait eu un truc comme ça dedans. Non mais t'inquiète, mais en même temps on a vu tellement de choses ce soir là entre toutes les dames dans les vitrines où on nous proposait de la drogue à chaque quartier, à chaque coin de rue. Ça peut se comprendre Poppy que t'aies oublié ce détail. J'ai vu la TwitchCon par procuration et il y a trop de monde pour moi. En vrai chat, alors peut-être que tu souffres de je sais pas si on dit de la si c'est de l'agoraphobie à ce moment là. Mais en vrai de vrai, sache que il y avait du monde, mais c'était parfaitement respirable. Tu n'étais pas les uns sur les autres. Tu avais un peu de file d'attente, certes, mais à l'entrée, mais sinon ça allait. C'est pas comme à la Japan où t'es à touche-touche tout le temps. Alors là, pas du tout. Clairement, tu circulais très simplement, tu faisais un petit peu la queue pour certaines choses, mais sinon, t'étais pas les uns sur les autres, et ça, c'était vraiment agréable. Il faisait pas chaud, on avait la clim. Des fois, il faisait froid. Genre le dimanche matin, moi, je caillais, j'étais en short t-shirt, j'ai eu froid. Donc voilà. Moi, je veux bien une journée viewer si tu viens au studio HP à Londres. En vrai, en fait, pourquoi pas, le jour où je vais au studio, je le dis. Et puis, bah, si les gens qui veulent venir, ils viennent. Et puis voilà, pourquoi pas. Tu n'as pas payé trop cher, du coup, j'espère ton Airbnb. Mais en vrai, moi, en vrai, le Airbnb, il n'était pas... Enfin, après, je sais pas, tu me diras, mais il n'était pas dégueu ou... C'est juste qu'il était chelou. C'est juste ça. Non mais à la Japan, j'ai fait l'erreur d'y aller une seule fois. Et je comprends ça, mais dis-toi que la TwitchCon, c'était pas du tout comme ça en termes d'influence. Il y avait du monde, mais c'était tellement grand que, en fait, c'était pas trop... voilà, c'était pas trop... c'était pas les uns sur les autres, quoi. L'année prochaine, faut qu'on retourne à la Japan Expo. Bah ça dépend, Alexia, parce que moi, je pense que... je pense que peut-être que Bobby est d'accord avec moi, et même les autres streamers qui sont venus. Je pense que ça va être vraiment le rendez-vous, parce que je pense qu'on est... Je pense qu'il n'y a personne, du moins du groupe où on était avec les 75 qui étaient là, mis à part les retours qui ont été chaotiques pour visiblement 90% des gens. On a tous kiffé la TwitchCon, donc je pense qu'il y a plein de gens, tous les streamers qui ont été cette année, je pense qu'ils y retourneront l'année prochaine. Et si la TwitchCon, elle est encore une fois en même temps que la Japan, bah pour le coup, je suis désolé, je préfère aller à la TwitchCon, parce que la TwitchCon, c'est vraiment un truc de ouf. Tu rencontres plein de gens incroyables, bah, par exemple, j'ai rencontré Poppy, et vraiment, trop bien quoi, trop bien. On partageait les frais donc ça allait. Et aussi, ah oui, c'est vrai qu'il y avait le chat, j'avais vu. Fallait nourrir le chat et tout. Bon, bah, moi ça faisait un peu compagnie, c'est bien. Si, c'était pas propre. Ah merde, ouais, ça craint.
Moi, c'est le genre, c'est pour ça que j'ai, les Airbnb en général, j'ai un peu de mal parce que, encore les hôtels, tu le sais tout de suite quand c'est pas propre. Les Airbnb, c'est un peu petit bonheur la chance, quoi. Vous avez même un chat en location, c'est ça. Il y a trop de monde, ce n'est pas de la agoraphobie, je crois que c'est l'eau. L'eau fou. Alors, l'eau, ouais, alors, excusez-moi, je suis un petit peu dyslexique. Enfin, je suis, c'est pas un petit peu, je suis dyslexique. Donc, du coup, je dois vous avouer que quand il y a ce genre de mots, j'ai un peu de mal. Alors, autant vous dire qu'à Amsterdam, je paniquais à la vue des panneaux et en vrai, ça va. Mais j'avoue, ouais, bon. Ok, c'est, je me doutais que c'était un autre mot, mais j'étais pas sûr. J'irai peut-être à la Touchcon un jour si jamais il y a assez de quoi pour m'y traîner. Ah oui, je comprends. Oui, je suis aussi venu à Disney si j'étais moins loin. Bah oui, je me doute. Mais je, bah, la même, je préfère la Touchcon. Bah en vrai, oui, on est d'accord. Hein. C'est ce qu'on trouve. Mais visiblement, personne n'a trouvé ce qu'il y avait dans le congélateur. Parce qu'en vrai, mais en vrai, c'était même pas ça le plus what the fuck. Hein. Pour moi, c'était les. Alors, je vais pas dire ce que c'était parce que je vais laisser les gens aller sur Insta Story. Mais l'objet en métal. Il n'avait strictement rien à faire dans un appartement. Ça, quand même. Mais ça... Alors, moi, j'ai halluciné. J'étais en mode, mais c'est pas possible. On va au studio. Début de septembre avec Leps. On va essayer de persuader. Alors, Alexia, pour le coup, c'est gentil. Mais clairement, financièrement, je pourrais pas. Je le dis tout de suite. Je vais normalement... Alors, je vais à la San Diego Comic-Con, n'importe quoi. Je vais à la TwitchCon de San Diego, normalement, avec la copine Cyril Soinel, si on arrive à avoir les places. Donc, niveau financier, je pourrais pas partir à Londres, à mon avis, en septembre. Ça va être trop compliqué, sachant qu'en octobre, je pars une semaine aux États-Unis. Ouais. Il y avait un truc olé-olé dans le congèle. Alors, c'est utile pour faire du olé-olé, ouais. Mais ouais, et ça, et la munition anti-aérienne. Je l'ai pas vu. Eh ben, je crois que j'ai... Bah, je l'ai pas fait gaffe. Moi, je l'ai vu, les espèces de la figurine sur les trucs de, avec le prêtre. Je sais plus si c'est un prêtre ou le moine, je sais plus, là. Ça m'a beaucoup fait rire. C'était vraiment... mais c'est vraiment cool, la Japan Expo, je me tâte à chaque fois. En vrai, la Japan Expo, c'est sympa. Mais c'est en vrai aujourd'hui, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est over, c'est surcoté. La Japan Expo, c'est plus où c'était, c'est blindé de monde. Alors en vrai, c'est très cool pour l'ambiance, les gens en cosplay et tout, c'est incroyable. Tu vois des cosplays qui sont oufissimes, ça c'est vrai. Par contre, là, c'est ultra cher. Par contre, tu tombes sur des pépites en termes de petits créateurs et tout. Mais bon, faut vraiment aimer, comment ça s'appelle le. Bah ce délire là où il y a énormément de monde, mais quand je dis énormément, c'est que si vous y allez le jeudi, le vendredi, ça passe. Tu y vas le samedi, dimanche, c'est horrible. Hein. Samedi, dimanche, tu rentres pas dans les allées, t'es comme ça écrasé. Voilà. Un hachoir, non. Nia, financièrement, c'est pas possible, Nia. Je vais sûrement. Alors, non, j'ai dit que j'allais potentiellement acheter un truc noble de chair, mais sache avec ça que pour le coup. Le voyage à Londres, si c'est pour les studios Harry Potter, je ne le paierai pas avec l'argent de Twitch. La chaise noble chair, je l'achèterai avec l'argent de Twitch. Je fais attention avec ça. Pour le coup, là par exemple, Amsterdam, j'ai payé les billets de train et l'hôtel avec. Et surtout les goodies, en vrai, j'ai surtout acheté les goodies et tout ce que j'ai acheté avec les sous de Twitch. Mais voilà. Mes vacances, je ne les paye pas avec l'argent de Twitch. Hein. Je réinvestis tout. Non, j'ai supprimé. Quand on m'a dit que c'était une munition non démilitarisée. Ah oui, d'accord. Bon, ok, bah non, j'ai pas vu. Ah oui, d'accord. Bah, je savais pas. Bon, bah, ok. Ah oui, non, j'étais pas au courant. Mais what the fuck. Mon objectif, c'était d'aller à la Japan Expo en cosplay magical Dorémy un jour. Je serai Dorémy. Bah, bon courage, hein, parce que tu vas avoir choix, excellent. La Japan Expo, c'est sympa. Il y a 12 ans, les happenings étaient dingues. Mais alors, moi, la dernière année où j'y suis allé, il y avait Masuda qui était là. C'est celui qui fait les Pokémon. Et ça, pour le coup, c'était incroyable. Alors, Poppy, sache qu'ici, alors, Alexia et moi-même sommes des très grands fans de Magical Doremi. Sache-le. Magical Doremi, on kiffe, nous. Hein. Le générique, attendez, pour ceux qui ne connaissent pas Magical Doremi, parce que c'est un blasphème pour ceux qui ne connaissent pas Magical Doremi. Magical Doremi, c'est un animé qui est entre guillemets pour les filles, mais bon, on s'en fout. Juste, je vais vous mettre le générique, attendez, je repasse. Alors, le stream deck fonctionne, donc c'est bon. Hop là. Alors, sorry pour les pixels, je pourrais pas faire mieux.
la rediff, il y aura un... ça sera... il y aura pas de son. Voilà. J'essaierai de vous mettre un son d'alerte avec Doremi si vous voulez. Mais voilà. C'était, en gros, c'est un animé sur les Magic Girls, quoi. Mais c'était... l'animé était très très bien écrit. Elle s'est allée deux fois. Votre sorcière préférée? Alors. Avec la lune, là, c'est trop bien. L'argent. Ah oui, alors ça. Pareil, alors. Poppy, alors je ne l'avais pas dit, mais il faut savoir que. Alors, j'aime beaucoup Magical Remy. Mais vous savez que mon animé préféré de tous les temps. Oh, merci Miss Pierce pour le sub. Merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement. Ah mince, attendez, il n'y a plus les alertes. It's hilarious. Ah, merci. Attends. Ça me met vite fat. Ah, on va avoir un petit bug. On va avoir un petit. Mes alertes sont. Mon stream aujourd'hui est totalement bugué. Code Yoko. On y... Alors, Poppy, je sais pas si tu sais, mais faut savoir que le. Merde! Alors. Il y a. Attendez. Il y a. J'ai un problème avec mes alertes. Attendez. J'ai un petit souci avec les alertes, faut que je les skip. Hop. À l'époque, c'était. Oui. Voilà. Bah, moi, en fait, quand j'étais plus jeune, j'adorais Loulou. Et après, ce que j'ai kiffé, moi, c'était Mindy. Ah, voilà. Bah, il n'apparaît pas, mais merci Miss Pierce du coup pour le sub. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Excuse-moi, aujourd'hui c'est le stream qui ne marche pas. Je suis désolé, c'est le stream en carton ce soir. Et ben bah, sache que Poppy, en fait, j'ai une dédicace du chanteur de Code Yoko. Du coup, je suis extrêmement fier de ça. Et il faut savoir que le chanteur de Code Yoko a fait une collab pour en fait refaire le générique modernisé. Et du coup, c'est celui-là. Et genre, le générique, il est trop bien. Genre, je le remets parce que c'est incroyable. Quand du coup, la basse, mec. Et oui, il a ça 3 semaines ou 1 mois. Il existe un monde. Chante. Chaque seconde fait de nous de combattants. Eh, trop bien. Notre seul espoir est de tout programmer. On ira, sauver notre existence, donner une chance. Et un jour, je vais faire un cosplay Code Yoko, un jour. C'est le chanteur! C'est le chanteur de Code Yoko, lui! C'est Julien. J'ai perdu le nom. Julien Lamazon. Lamazon. D'ailleurs, je peux remettre ma caméra du coup. Franchement, là, après le stream, je pense que je vais regarder un épisode de Code Yoko. Code Yoko, moi, c'est ma vie. Hein. Code Yoko, j'adore. Elle est incroyable, la version. Calmez-vous, je vois que ça bave beaucoup dans le chat. Contre la menace et de sauver tous les hommes. C'est vraiment parce que je sais pas chanter, hein, et que je me retiens. Hein. Sauver notre existence, donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour le faire.
Il y a tout le monde qui bave. Lego Kinou, c'est ça. Voilà. Et du coup, ça, c'est une version qu'ils ont faite du générique pour. Je crois que c'est une campagne crowdfunding pour un truc de 3D, si je me souviens bien, d'animation 3D. Et donc voilà. Donc lui, c'est le chanteur du coup officiel qui a fait le générique de Code Lyoko il y a maintenant 20 ans. Parce que Code Lyoko, ça a 20 ans. Hein. Et soeur, comme ça, on se sent bien vieux. Et donc voilà, donc si jamais vous voulez voir, le pianiste, c'est de la chaîne Elliot Tordo. Si jamais vous voulez. Ah, vous savez quoi, attendez, je vous envoie le lien. Si jamais vous voulez aller voir ça. On dirait Frenchie dans The Boys. C'est vrai qu'il y a un air. C'est vrai qu'il y a, il y a un air. Mais voilà, je vous ai mis ça. En plus, il lève les yeux pour voir. Bon, ben voilà, le lien est juste là. Et sachez que la musique est dispo, je crois, si je dis pas de bêtises, sur Spotify. Donc si jamais ça vous intéresse, et ben vous pourrez l'écouter sur Spotify sans aucun problème. Donc voilà. C'est la décadence, mais oui, c'est la décadence. Super surprise. Reprise. Franchement, la reprise, elle est incroyable. Et comme je dis, moi Code Lyoko, c'est toute ma vie. Code Lyoko, genre, j'ai super kiffé. En plus, je vous l'avais déjà fait en story time, je vous l'avais dit, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai fait mes études à Angoulême, j'ai fait des études de communication audiovisuelle. Et en fait, là-bas, il s'avère que j'avais deux de mes profs de 3D, parce que j'ai fait de la 3D, qui ont travaillé sur Code Lyoko. C'était ouf! Genre, ils ont bossé sur Code Lyoko. Moi, je les ai bombardés de questions, parce que je trouvais ça incroyable. Bon, après, le truc un peu moins drôle, c'est qu'il y a un de mes profs qui a bossé sur Code Lyoko Evolution, mais ça, Code Lyoko Evolution, on enlève. Mais voilà, moi, Code Lyoko, c'est mon animé préféré, donc, clairement. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup Détective Conan aussi, mais voilà. Code Lyoko, quoi. Genre, c'est ma vie, quoi, du coup. Mais voilà, mais attendez, je vais voir un petit peu l'heure, je vais pas tarder en vrai à vous laisser. En vrai, je pense qu'on va pas tarder. Hein. Merci du coup, Bobby, on va un petit peu rester encore. Et du coup, merci Bobby pour ton sub, merci pour ton prime, lâche le prime, la petite. Oh, c'est gentil. N'hésitez pas à faire des petits applaudissements, des petits points d'exclamation GG pour remercier Bobby. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça fait super plaisir. Ah là là. Ah bah oui, hein, franchement, la musique, elle est incroyable. Franchement, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. En plus, il a fait d'autres reprises aussi, le gars, si je dis pas de bêtises, donc n'hésitez pas à aller voir. Bah oui, bah merci beaucoup, merci. Mais en tout cas, hâte d'aller voir Test Poppy. Tu m'as dit que t'étais en pause pour l'instant jusqu'au mois d'août, mais hâte d'aller voir un petit peu ce que tu fais. Code Lyoko évoque quoi? Oui, non, mais oui, Code Lyoko Evolution. Mais alors, sachez, je vous l'ai déjà dit, mais fun fact. En vrai, Code Lyoko Evolution, c'est pas ouf du tout. On va pas se mentir. Ça manquait de budget pour différentes raisons, c'était pas ouf. Mais sachez quand même une chose. Parce que pour ceux qui ont vu Code Lyoko, moi je suis toujours frustré que Yumi et Ulrich, à la fin de Code Lyoko dans la saison 4, il n'y a pas de petits bisous. Alors, ils font sous-entendre qu'en fait, ils sont pas que copains et puis c'est tout. Mais t'as pas vraiment une finalité où ils s'embrassent et puis voilà. On ne demande pas de faire d'autres choses, ils sont techniquement au collège. Moi, je voulais juste un petit bisou, tu vois. Et ça, on l'a pas eu. Mais sachez une chose, c'est que dans Code Lyoko Evolution, on l'a pas non plus le bisou. Mais les acteurs qu'ont joué Yumi et Ulrich, qui d'ailleurs pour moi sont les deux seuls acteurs de la série qui étaient potables dans cette série-là, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de la ressemblance avec les personnages, et bien sachez que dans la vraie vie, ils sont tombés amoureux pendant le set de tournage, qu'aujourd'hui, ils sont paxés et qu'ils ont un enfant. Donc je me dis que dans un univers parallèle, entre guillemets, dans notre univers à nous, et ben Ulrich et Yumi sont ensemble, ils sont en couple et ont un enfant. Donc je me dis que même si cette série a été nulle et qu'elle a révolté les fans de Code Lyoko, il y aurait eu une chose qui aurait été faite, c'est que dans notre univers à nous, techniquement, Yumi et Ulrich sont ensemble et ont un enfant. J'ai envie de me dire ça, tu vois. J'ai envie de trouver un peu comme dit Poppy, un peu de mignonnesse, même si ça n'existe pas ce mot, dans cette histoire, parce que Code Lyoko Evolution, c'était quand même un peu cac. Merci, je tiens à remercier ma mère et ma fenêtre. Mais non, mais c'est ça. J'ai chaud. Là, j'avoue, je commence à avoir très chaud. Je sais pas combien de degrés fait dans ma pièce, mais les éclairages, les LED. Les LED, on dit que ça se chauffe pas. Hein. Bullshit, les LED, ça chauffe. Sachez-le, ça chauffe.
Mais ouais, donc voilà, donc là c'est la petite anecdote. Mais moi, des anecdotes comme ça, j'ai plein de trucs à vous raconter comme ça. Où est mon chat? Oh, il y a Noxu qui dort sur le parquet. Elle est trop chou. Mais il reste de l'eau. Ah, infamie, j'ai plus d'eau. Bon, de toute façon, on va pas tarder à se laisser. On va encore rester, je pense, une. Allez, je stream encore jusqu'à 22h30. Bon, finalement, on regardera, je pense, demain. On fera une petite analyse en fait des Sims demain. Parce que bah, là, du coup, je n'aurai pas spécialement de temps. Je vais pas faire ça maintenant. Mais voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire de plus? Alors, si. Tant qu'on est là. Je vous rappelle que du coup, au niveau du planning, je vais vous le mettre là tout de suite après le stream, je vais le créer. Je stream normalement, comme d'hab, hein, vous le savez, donc dimanche, je vais streamer demain à 19h30. Mercredi, pas sûr que je stream. Je maintiens quand même le stream à 19h30, mais il faut savoir que mercredi, je vais à Disney pour l'inauguration du Land Marvel. Donc oui, je me rajoute une couche après la TwitchCon à avoir dormi littéralement pas plus de 5 heures par nuit et que la nuit dernière, j'ai dormi 4 heures. Sachez que je vais à Disney mercredi pour la découverte du Land Avenger, parce que Wanda m'a fait réaimer les Marvel, parce que je n'aimais plus Marvel depuis l'ère d'Ultron littéralement, et en fait la série où, en fait j'ai après bon, je me suis un peu, quand j'ai découvert la série WandaVision, comme, enfin j'ai vu la bande annonce, ça a l'air sympa, mais je me suis dit il va falloir que je me retape tous les films que j'ai pas vu. Donc du coup j'ai regardé Infinity War, Endgame, et j'étais assez surpris. Alors j'ai beaucoup aimé Infinity War, pour le coup, très impressionné que y a un peu tout le monde qui se fait buter la gueule. Le destin horrible de Wanda et de Vision dans ce film m'a déchiré le cœur, littéralement. Et alors la série Wanda, et je suis totalement d'accord Poppy, la série Wanda et la série Loki, pour moi, au niveau des séries Marvel, c'est les deux pépites. Les autres séries Marvel, elles sont pas ouf, bien que Miss Marvel, en vrai, alors il y a deux épisodes, franchement, ils sont chiants, le premier et l'avant-dernier. Mais disons, le reste de la série est très cool, mais alors WandaVision. Mais moi, Wanda, quand je regardais, j'ai kiffé au premier épisode. J'ai adoré les intrigues. J'ai toutes les pop. Enfin, il m'en manque deux, je crois, mais j'ai presque toutes les pop de Wanda. Attendez, je reviens. Hop. Il y a une des pop, je la ramène pas parce que je veux pas vous la montrer. Si vous avez pas vu la série, ça vous spoil un personnage assez important. Mais voilà, j'ai la Wanda des comics. Enfin, quand elle est déguisée en comics dans l'épisode d'Halloween, qui d'ailleurs est une référence à l'épisode à la sitcom de Malcolm. C'est exactement la même maison, mais avec un étage. Mais voilà. Non, Miss Marvel, c'est que j'ai. Bah, en vrai, moi j'ai bien aimé certains trucs. Il y a 2-3 trucs que j'ai pas aimé, mais. J'ai bien aimé le personnage de Kamala. En fait, tout le reste était assez cliché, je te l'accorde. Mais le personnage de Kamala, je le trouvais très, très touchant, pour le coup. Je regarde juste pour faire un bigot. Alors oui, alors, c'est cliché. Hein. Alors ils vont faire cliché sur cliché. Mais j'ai bien aimé. Là. J'ai la pop de la Scarlet Witch. Et alors, je vais recevoir, ça y est, ils me l'ont annoncé, celle qui est en lévitation. Et bien entendu, j'ai la Wanda de Doctor Strange 2 qui est en livraison. Et je vais précommander, d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, Poppy, je ne sais pas si tu aimes bien les Funko Pop, mais sache que j'ai aussi celle-ci. Il existe, et ça a été annoncé cette semaine, qu'il va y avoir une movie moment, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir deux pop comme ça, de Wanda et de Agatha Harkness qui lévitent. Au moment où elles se battent et que Wanda donne, entre guillemets, il y a le transfert de pouvoir. Ils font une Funko Pop de ça. Autant vous dire que ça, c'est instant achat. Direct. Direct, j'achète. Ça, pour le coup, c'est sûr et certain. Je regarde juste pour faire le message que j'ai lu. Moonlight. Alors, Moonlight, j'ai pas accroché du tout. Moonlight, étonnamment, j'ai pas du tout aimé. Je pensais. J'ai aimé l'univers, tu vois, mais en fait j'avais l'impression de pas voir du Marvel. J'avais vraiment l'impression que c'était tout autre chose, et du coup j'ai pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé. Donc j'ai regardé pour regarder. Par contre je trouvais le jeu d'acteur très impressionnant pour l'acteur principal, mais j'ai pas aimé l'histoire. J'ai pas aimé l'histoire. J'ai bien aimé tout ce qui était égyptien, parce que j'aime beaucoup l'histoire. Alors, je vais y arriver. J'ai perdu le mot. C'est pas l'histoire, mais le. Bref, toute la partie égyptienne, l'Égypte antique et tout, les pharaons. Ça, j'ai bien aimé, mais en fait, c'est juste l'histoire, j'ai pas accroché. Je suis pas arrivé. Moi, j'adore quand ça me fait cogiter la mythologie. Merci, Poppy.
Merci, mais on sent le manque de sommeil, hein, sachant que après, je dois. En vrai, désolé les gens, mais demain, il n'y aura pas de TikTok. Hein. Mon TikTok, ça devient n'importe quoi. Je poste presque plus, mais il faut que je me réhabitue. J'avoue, on n'est pas. N'importe quoi. Alors attendez, parce que là, je vois que l'heure avance un petit peu. Mon bureau est un bordel sans nom, parce que du coup, j'ai tout déballé, j'ai toutes mes affaires qui sont jetées par terre. Je devais mettre une machine, j'ai pas mis la machine, très bien. Attends, je regardais, il y a qui est en train de streamer. Il y a qui au niveau des copains qui stream là. Oh, on a Noémie qui est toujours en stream. On a la copine Sissou aussi. On a Loki qui est sur les Sims également. Ah bah non, bah je sais chez qui je vais vous envoyer. Attendez, parce que du coup, on a découvert des gens incroyables pendant cette TwitchCon. Je vais vous envoyer chez Soupapoyo qui est adorable. Genre le gars, il est incroyable. D'ailleurs, il nous a payé quand on a été au restaurant à 27. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a payé. Toutes les boissons. Alors, pas tous les repas, mais il a payé toutes les boissons de 27 personnes. Et déjà, rien que pour ça, GG à lui. Cette pop de Agatha est folle. Non, mais clairement, attention, Agatha Harkness. D'ailleurs, je suis trop content qu'ils aient sorti, enfin, qu'ils aient annoncé la série sur Agatha Harkness. J'ai trop hâte. Ah, tu savais pas, Poppy? Si, mais en plus, il l'a pas dit. Je sais plus qui m'a dit ça. C'était. Qui me l'a dit? Bah, je crois que c'est Nota qui me l'a dit. J'ai un doute. Si, je crois que c'est Nanta qui me l'avait dit. Ah, attendez, parce que moi, il n'y a plus de place sur mon bureau, là. Hop. Hop. Slash. Je vais préparer déjà le rep, sinon avant, on va pas tarder à se laisser. Parce que là, je vois qu'en plus, bon, c'est normal que les gens soient partis tellement tard aussi. Hop, soupe. Poyo. Soupe à poyo. Alors, pour soupe de poulet, il nous a expliqué le pourquoi du comment. Soupe à poyo, voilà. Et là, bah, pareil, il fait un petit débrief de la TwitchCon, donc en vrai, c'est bien d'avoir son point de vue. Et en plus, lui, il monte les photos, moi, j'avoue. En vrai, moi, j'ai pas du tout préparé mon stream. En fait, à la base, je voulais vous préparer les photos, vous montrer les vidéos, les machins, les trucs comme ça. J'ai totalement zappé. Bon, vous sentez le streamer de qualité hein, le streamer partenaire en carton. Eh bah, ben, c'est moi, c'est Mister C. Mais voilà. Et ben, bah, écoutez, en vrai, je pense que c'est sur les bonnes paroles que je viens de dire. En vrai, je pense que je vais vous laisser. J'ai très chaud. Là, je. Littéralement, et on va terminer là-dessus. Je sue du cul. Voilà. Et c'est pas très agréable. Bonne soirée, les amis. Mais oui. En tout cas, merci vraiment à tous d'avoir été là ce soir. Vraiment, merci. Vous avez été incroyablement nombreux. Puisque Vinoche, à un moment, on était 90 et quelques, j'ai vu. Donc, vraiment, merci beaucoup. Parce que je pensais pas. C'est la première fois que je fais du just chatting. Et là, pendant tout un stream. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est la première fois que je fais du just chatting. Et je pensais vraiment pas qu'on allait être autant. Moi, je m'attendais à être une quarantaine, pas plus. Et au final, vraiment, vous avez vraiment hâte. Je vous ai peut-être un petit peu manqué. Mais en tout cas, vraiment, merci à tous d'avoir été là ce soir. Comme je vous ai dit, je vous mets le planning du coup de stream dès que je termine la d'ici une demi-heure. Je vous mets ça sur le tweet, sur le. Si je vais vous mettre sur Twitter, sur Instagram, sur. Oui, parce que bon, je vais mettre ça sur tous les réseaux. Je vais mettre ça également sur Twitch et sur le Discord. On se retrouve du coup demain à partir de 19h30 pour on va un peu analyser le trailer, etc. du nouveau pack et on continuera la rénovation des mondes. Mais en tout cas, voilà, merci à tous d'avoir été là ce soir. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à rejoindre. Ça fait 3 jours que je stream, je sais plus comment on termine mon live, hein. C'est n'importe quoi. En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rejoindre le raid quand vous arrivez chez Soupa. Et n'hésitez pas à spammer les emotes, les petits emotes de Pikachu qui danse, les emotes de raid, les emotes avec ma tête, comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. En tout cas, merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci à tous ceux qui ont follow, merci à tous ceux qui ont sub, merci aux sub gifts, aux bits, merci pour les deux trains de live, c'était vraiment incroyable. Merci également Poppy, à toi d'être passé, ça m'a fait super plaisir de se voir. Parce que Poppy, clairement, ça a été le petit coup de cœur amical avec Sailor et Nota. Soupa Puyo également, enfin vraiment rencontrer plein de beaux mondes, mais vraiment c'était vraiment incroyable. Merci aussi à la rediff YouTube, je sais pas dans quelle catégorie je vais vous mettre ça, la rediff, mais merci à vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner si ça n'a pas été déjà fait. Quant à moi, comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain à partir de 19h30 pour du Sims 4. Voilà, prenez soin de vous, reposez-vous bien et à demain. Bye tout le monde.